Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes qui nous rejoignez ce soir pour un nouvel épisode de DN Discussion. Donc votre podcast du mercredi soir destiné à tout ce qui touche à Donjons et Dragons, mais aussi aux jeux de rôle de manière générale, écriture, gestion, jeu. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, on essaye d'y répondre. Comme vous pouvez le voir, nouvelle scène à partir de ce soir, histoire de faire quelque chose d'un peu plus carré sur un programme qui était à la base du troll de notre part plus qu'autre chose, et qui a rencontré trop d'amour pour le troll qu'il était au début. Donc on a décidé de faire grandir ce petit troll. Donc 4 personnes maintenant, on va essayer d'avoir un hôte le plus régulièrement possible. Je reviens sur le charmant Dokren qui se propose d'être avec nous ce soir dans quelques instants. Donc juste ici. En dessous. Mais avant, je vais présenter rapidement les habitués. Donc, moi et les Drill Q vous servir d'hôte pour la soirée et relancer la conversation quand il en aura besoin. À ma droite, ici, Flun, qui va être notre scribe, qui est MJ de Donjons et Dragons, joueur de D&D depuis quelques années maintenant. Et est-ce que j'ai oublié des choses ? Joueur de MJ et joueur de LSD, est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est un système qui n'est pas publié encore, ouais, donc on y reviendra un peu plus tard. Dans le coin inférieur droit, Trusugal, également, bon, alors vrai. Joueur depuis quelques années maintenant, un petit peu MJ, à ses heures perdues. Ouais, très perdu. Ah, mais pour le coup, je regrette pas la session que j'avais faite avec toi. Merci Brest, je suis en effet content de la nouvelle présentation. Et est-ce que j'ai oublié des choses, Trusugal? Musicien, artiste? Ouais, je perds un petit peu, on va dire ça. Un petit peu, t'as fait l'intégralité des artworks de la campagne et on en est extrêmement content et on t'en remercie beaucoup en tout cas. C'est ça. Donc t'as plutôt côté joueur. Et en bas à gauche, juste à côté de moi, Dokren, donc gardien de Cthulhu. Vampire, on appelle ça comment? Le maître, si tu connais le nom. Non, je suis pas sûr qu'il y ait un nom. Maître du jeu. Il y en a peut-être un en vrai, mais je me suis jamais attardé là-dessus. D'accord. Maître du jeu de vampire, joueur et MJ de temps en temps de Donjons et Dragons, auteur, et si tu veux combler, parce que je suis sûr que j'ai oublié plein de choses. Non, c'est ça. Les gros traits, ouais, c'est ça. Après, j'ai beaucoup touché à plein de JDR, que ce soit ouais. En tant que joueur ou en tant que MJ ou même en tant que juste aficionados. J'ai lu beaucoup de livres de règles, mais okay. Non, rien de... Voilà. Très bien. Eh ben écoute, c'est un plaisir de t'avoir ce soir parmi nous pour discuter. On t'est régulièrement actif dans le dernier discussion et je suis sûr que tu auras plein de choses à nous dire et à échanger avec nous. J'ai hâte de voir ça. Avec plaisir. Eh ben, on va se lancer tout de suite. C'est ma barbe de hobbit tranquille. Ouais. Semaine prochaine, j'essaierai de faire un truc encore pire. Ne me tentez pas. Pour le sujet ce soir, double, comme toujours. Deux sujets vraiment plutôt de création, d'écriture. Alors, qui vont servir bien sûr à tous les MJ qui créent eux-mêmes leurs enquêtes, et de manière générale leur scénario, hein, en Donjons et Dragons, mais aussi dans tous les systèmes de jeux possibles, hein, parce qu'on va dire des choses assez générales sur des techniques d'écriture, et quelques concepts généraux. Mais même si vous ne jouez pas à D&D, même si vous reprenez des scénarios qui sont déjà préfaits, souvent ça peut toujours être utile de réécrire 2-3 petites choses, améliorer 2-3 petits points d'intrigue, présenter un choix d'une manière plutôt que d'une autre, et ça vous sera donc aussi utile, j'espère, la discussion qu'on va avoir ce soir. Flune, je sais pas si t'as moyen de recadrer un peu ta caméra, parce que pour l'instant j'ai une tête coupée, qui se bat toute seule au bas de l'écran et ça me stresse. Attends, quoi voilà, comme ça t'es bien. Pourtant, si t'arrives à recadrer un tout petit peu encore, ce serait fantastique. C'est le moment où tu mets dans ton siège, on va être confortable. Je pense que ouais, tu t'étais mis en arrière. Donc ce soir, ne sois pas confortable, Flune. Ne sois c'est pas ça. Confortable, Flune. Personnellement, j'ai un cactus sous mes fesses. Toujours. Je m'assois toujours sur Cactus Kant pour les dernières discussions. Comment créer des choix moraux intéressants, non binaires pour les joueurs? On va y revenir dans quelques instants, puisque ça sera le sujet d'ouverture de ce soir. Ça peut être bienvenu sur certaines tables, de temps en temps, de proposer un choix aux joueurs. Entre deux issues possibles ou plus, dont ils devront assumer ensuite les conséquences.
Quand je dis choix non binaire, c'est donc un choix qui va être autre que clairement le choix gentil et clairement le choix méchant, des choix qui vont généralement avoir tous des aspects positifs et tous aussi leur part d'aspects négatifs. Comment proposer ça à des joueurs? Comment l'amener? Comment le jouer? C'est ce dont on va parler tout de suite. On terminera ce soir par un sujet sur comment créer des quêtes. Donc, on va lister les différents types de quêtes. Donc, fetch quest, les quêtes où il s'agit de récupérer un objet. Hein. Les assassinats, donc le but est de détruire une entité. L'enquête, donc l'investigation. L'exploration, type exploration de l'Antarctique, exploration d'un nouveau continent, d'un nouveau monde. L'escorte de PNJ. Et d'autres types de quêtes également qui existent. Comment les amener? Comment les faire vivre dans votre monde? Comment les enchaîner? Et à quel type de joueur ça va parler? Puisqu'en fait, différents types de quêtes vont généralement parler à différents types de joueurs. C'est le deuxième sujet qu'on va aborder ce soir. Eh bien, sans plus tarder, je vous propose de commencer à parler de morale, tout de suite. Un sujet qui n'est pas forcément régulièrement touché en jeu de rôle, plus dans certains systèmes que dans d'autres, mais qui n'est pas toujours un sujet sur lequel les MJ et les joueurs sont très à l'aise, et pas forcément un sujet sur lequel il est facile d'écrire. Alors, déjà, j'aimerais bien commencer avec vous par définir ce qu'est un choix moral. Parce que c'est pas juste un choix, c'est un choix qui est moral. Comment vous définiriez le choix moral, tous les trois? Ok. Trusion. Pour moi, c'est... Bah, je vais commencer, si vous voulez. Pour moi, ce serait un choix qui aurait des répercussions sur ce qui sera dit, en gros, du personnage, enfin, de la personne qui le fait. Mmh. Si jamais tu fais un choix, ça va te dire de toi un trait de caractère, ça va montrer tes priorités morales, justement. Souvent, ce seront des choix où il n'y a pas de bonne option et qui vont montrer vraiment le fond de l'âme d'une personne ou d'un personnage. Hmm. Alors, en fait, pour toi, le choix moral, il n'est pas moral par rapport à la situation en elle-même, il est moral par rapport à ce que le personnage va en faire. Et par rapport à ce que ça va dire sur sa morale à lui. Bah, en fait, souvent, les choix... Enfin, les choix en eux-mêmes, ça dépend de la situation quand même. Si ça, ouais. Pour moi, à peu près chaque personne qui rentre face à ce choix, peu importe la personne que c'est, finira par dire quelque chose d'elle à la fin. D'accord. Sur sa morale, elle, en tout cas. D'accord. Du coup, tu dis qu'il y a des situations qui sont des situations à choix moral. Je ne sais pas si tu peux développer ça ou... C'est un peu ce que j'ai dit. Pour moi, une situation à choix moral, c'est une situation déjà qui n'est pas binaire, comme on a dit. Pour moi, ce qui est binaire dans les situations morales, c'est les situations qui se détachent du concept de bien et de mal. C'est les situations où il n'y a pas forcément de bon choix. Il n'y a pas de choix qui soit forcément au-dessus de l'autre. Tu ne peux pas dire clairement, là, je suis gentil, là, je suis méchant. C'est un peu ce que tu disais en intro. Ce sont des choix qui vont... où il va falloir mettre d'autres valeurs au-dessus et les ériger en bien ou en mal. Okay. C'est un choix qui suppose en fait une valeur et qui suppose que tu considères une valeur comme le bien et une valeur comme le mal, personnellement. En fait, qui suppose une échelle de valeurs propre à l'individu qui fait le choix. Ok, d'accord. Dokraine, Flune, le choix moral, est-ce que vous êtes entièrement d'accord avec ce que vient de dire Trusu ou C'est un choix qui suppose de se placer sur une échelle de valeurs. Je suis plutôt d'accord, c'est vraiment un choix qui va mettre en cause la morale d'un joueur. Et en fait, plus que le positionner, ça va aussi parfois... D'un choix ou d'un personnage? D'un personnage. Je te coupe, je suis désolé. Okay. Forcément d'un personnage. Le joueur lui-même, ça peut... Et oui, on peut trouver des situations dans lesquelles ça... C'est pas évident, mais je considérais pas ça comme un choix moral, dans le sens où c'est... C'est différent d'une sorte d'une morale générale de l'histoire, en fait, qui, elle, va du coup plus faire appel à, non pas au personnage, mais au joueur, d'ailleurs. Ça va plutôt être quelque chose de... Bah, quand je pense à choix moral, je pense vraiment plus à un choix qui va déstabiliser le personnage. Le personnage, ouais. Qui va... En fait, qui va secouer ses propres convictions. Et par là, en effet, ça va permettre de mieux le définir. Mais c'est aussi un choix qui va mettre en doute des connaissances qui sont préétablies ou des choses sur lesquelles le personnage se reposait, ou des valeurs sur lesquelles le personnage se reposait. Typiquement, imagine un personnage qui va être loyal envers son roi s'il apprend que son roi commet des crimes partout et qu'il a l'occasion de le renverser. Qu'est-ce qu'il va faire? Et ben ça, pour moi, c'est un choix moral. C'est un choix qui va questionner, du coup, est-ce que tu es... Pour toi, la loyauté, est-ce que c'est vraiment ce à quoi tu penses? Est-ce que tu es vraiment loyal au fond? Ouais, c'est un choix qui, du coup, comme dit Trusu, te fait te placer sur une échelle de valeurs et te fait examiner, en fait, ces valeurs directement. Pas de manière inconsciente, mais te demande vraiment de te positionner par rapport à ces valeurs-là. Exactement. Okay.
Du coup, je serais curieux d'avoir l'idée de Dokraine là-dessus, si t'es entièrement en phase avec ce que Trusu et Flynn viennent de dire, ou si t'as une vision plus personnelle. Non, je pense que ouais, se placer sur une échelle de valeur, que tu sois en tant que joueur ou en tant que personnage, entièrement d'accord avec ça. Les choix intéressants à proposer dans ce genre de cas, c'est justement ceux qui vont mettre en conflit l'échelle de valeur du joueur et l'échelle de valeur du personnage. Ça, c'est des choix que j'aime beaucoup mettre en avant. Bah, par exemple, quelqu'un qui est dans la vraie vie en tant que personne et quelqu'un de très loyal, est-ce que son personnage, lui, ne va pas l'être ? Justement, par rapport à faire tomber le roi dont il a juré la loyauté, le joueur, ça ne lui viendrait pas à l'idée, mais le personnage, comment il va réagir ? Ça, c'est des choix que je trouve intéressants et qui demandent de connaître particulièrement bien ses joueurs et, les personnages dans lesquels... Et les personnages qu'ils jouent. Ouais. Mais pour l'échelle de valeur, que je trouve intéressant, c'est que ces choix moraux, ils vont évoluer au fur et à mesure de ton aventure et de ton histoire. Ouais. Le choix que tu fais au début de ton aventure et de ta campagne, ouais, pour ton personnage, qui est un choix moral au début. C'est ce qui va aussi aider à définir un personnage. J'aime l'idée que les personnages se définissent par leur aventure plus que par une backstory écrite en amont, d'auteur. Moi, j'aime que... pas qu'ils arrivent avec genre des histoires blanches, des pages blanches d'histoire, mais que c'est justement ces choix moraux-là qui vont construire la personnalité de leur personnage. Ce sont les actions à ce moment-là. Alors qu'il y a Karish, qu'il y a Coco Béa dans le chat qui dit qu'il est d'accord avec toi, grosso modo, Dokraine, que pour lui, c'est la manière dont tu te projettes en fait, dans le personnage qui doit définir les choix que tu vas faire à tel ou tel moment. Ouais. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, je donne la parole à Trusu tout de suite, parce que je vois qu'il la sollicite, l'idée de porte-à-faux, en fait. Que les choix moraux les plus intéressants, c'est pas ceux qui vont demander aux joueurs loyal bon de prendre un choix moral contre le nécromancien avec son PJ loyal bon, mais c'est vraiment le moment où la morale du PJ et la morale du joueur vont se retrouver en porte-à-faux et de voir qui l'emporte à ce moment-là entre le personnage et son créateur. Et ça, c'est vrai que c'est un truc auquel j'ai jamais pensé, mais c'est vrai que ça demande énormément de connaissances du joueur, énormément de connaissances du personnage, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que si tu arrives à le faire, je pense que ça peut être vachement intéressant en partie en matière de construction à table. Ouais. Moi, je pense quand même la petite nuance que moi j'apporte par rapport à ce que dit Dokraine, je suis pas tout à fait d'accord par rapport au fait qu'il faut pas se baser sur un passé ou sur une chose. Pour moi, dans tous les cas, tu dois arriver dans ton aventure avec déjà une idée assez claire de comment le passé de personnage a affecté la façon dont tu penses maintenant. Après, je dis pas que les actions vont pas affecter ensuite. Je dis juste que tu dois arriver avec une bonne connaissance de ce que tu veux que ton personnage, on va dire de la psyché à un instant T de ton personnage, qui va ensuite se construire. Mais si jamais t'arrives en mode je sais pas trop ce que mon personnage fait, on verra bien, pour moi c'est là que tu te laisses influencer par ta propre morale en fait. Si jamais t'arrives en mode lui il est comme ça, il a une opinion qui est politique par exemple différente de moi, il a des morales, des valeurs différentes de moi, si t'arrives déjà avec ça posé sur la table, c'est beaucoup plus simple d'avancer ensuite avec l'idée choses. C'est qu'en fait plus tu vas en amont définir la morale du personnage, et plus du coup en situation ce sera facile de faire ce que Dokraine propose, à savoir de réagir de manière qui correspond à la morale du personnage. Et je dirais une dernière chose, c'est que souvent même notre morale à nous, l'échelle de valeur qu'on a, elle est elle-même faite par un passé, elle est faite par des choix qu'on a fait dans le passé, et un personnage ne peut pas arriver à zéro. Il faut vraiment qu'il ait déjà il faut dire, Eric Tozzi par exemple le fait très très bien, il donne des événements qui se sont passés je crois de l'enfance, l'adolescence, machin, et en gros il donne des grosses phases de développement qui explique pourquoi le personnage est arrivé là, à la fois moralement, à la fois pour sa classe, tout ça, et je trouve ça très très bien fait, et pour moi c'est là que les choix moraux deviennent intéressants aussi. Alors il y a Flynn qui voulait intervenir, et après je donnerai la parole à Dokraine si jamais il veut répondre. Il y a des cas où en fait les choix moraux sont entre guillemets trop faciles, ou quand on joue un personnage qui est radicalement différent de nous, par exemple, si on quelqu'un qui accepte plutôt la loi, par exemple, et sommes plutôt altruistes, donc plutôt loyal bon, on va dire, et qu'on joue par exemple un voleur sans foi ni loi qui ne vit que par son propre profit, donc plutôt chaotique mauvais, il y a tellement une différence entre le joueur et le personnage, que c'est facile de faire des choix qui sont
qui sont mauvais pour qui se sont mauvais pour le joueur, mais bon pour le pour le personnage. Dans ce cas-là, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à faire en sorte d'avoir une un choix. Je répondrai juste après. De faire en sorte d'avoir un choix moral. Bah, d'avoir un moment où en fait ton le ce qui est bon pour le bah, où en fait les deux se rassemblent en fait, où il y a un choix où le personnage ferait, est pas trop sûr de ce qu'il ferait et le joueur non plus n'est pas trop sûr de ce qu'il ferait. Un moment où en fait c'est très facile de passer d'un côté à l'autre. Je sais pas si je suis vachement clair. Ouais. Genre, non mais je vois. Je vois. C'est, en fait, c'est plus facile de jouer des opposés que de jouer deux persos qui ont une morale différente mais qui s'alignent pas tout à fait. Ouais, c'est ça. Ok, je vois. Dokren, je sais pas si vous voulez répondre à Trusu ou Flun. Ouais, parce que c'est intéressant parce que en fait, la vision de Rectosis quand il construit ses personnages, qu'ils soient joueurs ou PNJ, attention, qui pour moi ne sont pas forcément abordés de la même manière. Parce que là, on parle des choix moraux dans l'histoire, dans le cadre d'une aventure, d'une campagne. C'est des questions que tu vas pas te poser toi en tant que joueur quand tu vas créer ton background. Puisque, non, la seule morale à laquelle tu fais appel, c'est toi, puisque t'es le seul à créer ton background. Donc tu utilises ta propre morale. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où tu vas diverger de ta propre morale pour construire quelque chose qui est plus intéressant. C'est pas ce que je dis. Mais tu es le seul acteur, tu es le seul auteur et constructeur de ton background. Je suis pour avoir des grands traits, des grandes lignes pour écrire un personnage, pour pas qu'il arrive comme une feuille blanche avec genre aucune idée de quelle est sa personnalité et qui il est. Il lui faut une trame de fond, il lui faut du fond, il faut de la... Je trouve plus intéressant en tant que joueur, moi, de faire face à des épreuves et des choix moraux qui vont construire mon personnage en jeu, parce que ce n'est pas moi qui les aura créés. C'est quelqu'un d'autre qui va me les proposer. Je vois. En gros... Et par exemple, je sais que c'est un truc que j'ai utilisé moi quand j'ai fait du JDR avec dans un ancien groupe de JDR avec un MJ. Il y a beaucoup, j'ai fait des groupes, des jeux de rôle avec des systèmes classiques, mais dans lequel l'univers était un univers pour une base d'un scénario de film. Et la raison pour laquelle on le jouait, c'est parce qu'il se disait que pour écrire son scénario, il trouvait plus intéressant d'avoir des gens qui jouent et qui allaient avoir des réactions qui sont plus naturelles et différentes que ce que lui, il avait pensé, que d'écrire un truc tout seul ou avec une deuxième personne. Parce que quand tu réagis toi, tu n'as pas toutes les informations. Quand tu écris ton auteur à toi en tant qu'écrivain de background, quand tu crées un enjeu, quand tu veux créer des conséquences d'un choix de ton personnage dans son passé, tu connais tous les tenants et les aboutissants. Que tu le veuilles ou non, c'est... normal. Mmh. Et je trouve que c'est intéressant que, justement, quand tu fais des choix moraux, qui sont non binaires, que ce soit l'enjeu, tu ne connais pas les conséquences. Ou alors, tu n'en aperçois qu'une partie. Ouais. Et c'est là où, pour moi, le choix moral, il est véritablement important. C'est quand tu ne connais pas toute l'ampleur des conséquences qui vont en découler. Justement, on veut d'accord. Venir. Mais ça, si je peux me permettre, pour moi, il y a deux choses que tu as dit. Et pour moi, la deuxième n'est pas vraiment liée à la première. C'est-à-dire que même si t'es un personnage qui a été construit de toutes pièces, avec un vrai background et tout, les réactions vont quand même, je pense, être authentiques parce que dans tous les cas, t'auras pas les éléments. Absolument. Non, c'est pas du tout ce que je disais. Excuse-moi. Non, okay, ouais. Absolument. Et à ce moment-là, je suis tout à fait d'accord pour ça. Je trouve bien que c'est assez intéressant l'idée de vouloir imposer une réaction à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ça, en gros, pour avoir une réponse qui est authentique. Ça, je trouve ça très très cool. Par contre, j'ai quand même répondu sur le premier. Pour moi, je pense que tu peux prendre du recul à ce moment-là, même si c'était toi qui crée ton personnage, tu peux essayer de prendre du recul pour analyser ta propre morale, avoir un petit peu toi-même et même écrire sur un papier. Absolument. Et la preuve, c'est pour ça que les MJ peuvent, les gardiens, les maîtres du jeu, créer des personnages tout aussi différents, alors qu'on est les seuls maîtres de notre univers, c'est parce que justement on peut prendre du recul. Et les joueurs en sont capables. Entièrement d'accord avec toi. Après, bah, du coup, on est... Non, mais en fait, je pense que la pierre d'achoppement, c'est que, en fait, comme dit Dokren, tu pars toujours de ce que tu sais de ta morale. Ça veut pas dire que tu la copies à chaque fois. Ça veut dire que même en fait, quand tu vas faire quelque chose de différent, tu vas te fonder sur ta morale pour faire quelque chose de différent à ce moment-là, que ce soit quelque chose vraiment d'antithétique, de contraire, ou vraiment de partir sur. Bah, en fait, je sais que je suis pas comme ça, ou au contraire, je sais que je pense ça. Et du coup, si je faisais un personnage comme ça ou comme ça, en fait, tu te fondes toujours sur ce que t'es toi, soit pour te représenter, soit pour te peindre en fait en négatif.
Ok, bah du coup, je pense que tu confirmera que c'était plus ou moins le. Absolument, c'est ça. Je comprends bien. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Ok. Et bah, alors c'est parfait, puisque du coup, je vous propose justement de partir sur le premier sous-sujet maintenant qu'on a défini ce qui était un choix moral, qui sont les enjeux. On a déjà parlé un petit peu. Quels sont les enjeux des choix moraux ? Globalement, j'ai l'impression que vous vous accordez pour dire que les choix moraux, c'est des trucs qui sont intéressants à proposer aux joueurs, quel que soit le type de table, même des tables qui sont là pour le fun et pas forcément pour faire une campagne psychologique ultra développée. Un choix moral de temps en temps, ça peut être intéressant. Alors, Coco Béa qui dit dans le chat que ce qu'il trouve intéressant, je reviens sur son nouveau message tout de suite, c'est que, autant, bah justement, on était en train d'en parler, le joueur qui est un PJ qui est vraiment calqué sur sa morale, ça va lui permettre peut-être de confirmer quelque chose qu'il pense, de manière pas forcément consciente. Et inversement, le joueur qui a décidé de faire un PJ qui est vraiment différent de sa morale à lui, ça peut lui permettre de découvrir des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'agir, les conséquences qui vont avec. Et en fait, ça c'est une introspection qui peut être hyper intéressante de la même manière. Du coup, la question que je vous pose maintenant, c'est... Vous êtes en faveur des choix moraux, de ce que je comprends. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous y trouvez d'intéressant à proposer ça à votre table ? Si vous pouviez lister un petit peu les grands traits qui vous poussent à fabriquer des choix moraux, ce qui est toujours quelque chose de compliqué quand même. Alors, Trusu, je vois que tu lèves le doigt. Je pense que tout à l'heure, Dokren l'a dit, pour moi le plus gros, c'est que c'est un moteur pour développer, enfin pour montrer, développer son perso en fait, pour montrer qu'est-ce que ton perso est, l'ancrer dans le monde, parce que pour moi, la morale de quelqu'un, elle a autant d'importance pour une personne que son corps, que ses... Enfin voilà, c'est un élément de ton personnage qui doit rester, qui doit être montré dans une partie. Et les choix moraux permettent de révéler au grand jour à tout le monde la morale de ton personnage. Ouais. Kokobea qui rajoute aussi que c'est quelque chose de très généreux de la part d'un MJ de justement partir d'un de ses joueurs et de son personnage pour lui créer spécifiquement un choix moral qui va lui le mettre à l'épreuve parce que ça montre que tu connais ton joueur, que tu t'es intéressé à son perso, à sa backstory et que tu essaies de lui partager une expérience au-delà de juste on fait des donjons et on fait des combats, lui proposer un truc émotionnel à vivre. Je suis assez d'accord avec ça. Yep. Moi aussi. Ouais, pour moi, ouais, le choix moral, c'est vraiment, si on prend l'analogie, une sorte de sonar dans une eau profonde, en fait. L'eau profonde qui est assez uniforme, ça va être difficile de distinguer le perso d'un exemple type, par exemple, d'un nain barbare, voilà. Ouais. Un barbare, c'est assez plat, c'est assez obscur. Et quand on rajoute un choix moral, d'un seul coup, on a un instant T, une sorte de capture de capture de la profondeur du personnage, de ses sentiments, et ces captures-là, ça va pouvoir résonner aussi plus tard dans la campagne, où par rapport à ce choix moral, du coup, il va y avoir une sorte de développement qui va être fait. Ça peut du coup être à la fois le témoin d'un développement d'un personnage, et dans ce cas-là, plutôt être intéressant si on est dans du gros RP, ou au contraire, être une sorte de moteur de développement. Moteur de développement, ouais, je suis totalement d'accord avec ça aussi. Dokren, et toi, l'enjeu de ces choix moraux, pourquoi t'en proposes ? Oui, moi je pense que les choix moraux, je suis entièrement d'accord avec ça, c'est-à-dire que les choix moraux, ils doivent être amenés pour... Alors déjà, oui, d'une certaine manière, ils sont là aussi pour rajouter un coup de crayon sur comment tu définis, comment tu dessines ton personnage et le personnage qui est joué par un joueur. Ça, pour moi, c'est hyper intéressant et hyper important. C'est-à-dire que, quand bien même tu aies pu créer un background absolument monstrueux en amont, ou qu'il ait déjà fait 15 campagnes, n'importe quel choix moral bien amené, va rajouter un coup de crayon à ce dessin. Genre, c'est un truc qui va l'aider à se construire. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. La deuxième chose que je trouve hyper intéressant, c'est les choix moraux qui, eux, ont un impact sur le personnage et sur le joueur, mais qui ont aussi un impact sur le reste du groupe et du monde qui les entoure. Et ces choix, et c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit un peu plus avant, qui était un choix moral. Pour moi, il faut qu'il ait un enjeu, il est intéressant quand tu ne comprends pas toute l'ampleur des conséquences. Ouais. Et que tu fais avec les informations du bord, avec ce que tu sais, au mieux, et tu peux extrapoler au mieux de tes capacités les conséquences que ce choix va avoir. Mais tu n'en sais pas toute la profondeur, puisque en tant que joueur, en tout cas, tu n'es pas capable de comprendre à quel point ça va impacter le reste de l'univers, même si le MJ lui en est conscient. Et
je vais même aller plus loin et dire que même parfois, en tant que MJ, moi, je me suis retrouvé avec des joueurs qui ont fait des choix qui ont eu un impact qui était parfois plus grand que les choix moraux que j'avais proposés. Pour des conneries, hein, pour des aventures, hein, ils décident de buter le marchand pour X raison, ils décident de sauter la fille du forgeron qui est prévue pour le prince, enfin, plein de trucs. Hein. Et ça, je trouve que ces choix moraux-là, mine de rien, sauter la fille du forgeron qui est prévue au prince, il ne sait pas qu'elle est prévue au prince, c'est un choix moral en lui-même. Je ne sais pas si c'est... Alors ça, oui, c'est un choix qui révèle de la... Ouais. C'est un choix qui révèle de la morale. Je ne sais pas si c'est un... comment ? C'est pas comme ça que tu le définis. En fait, je ne sais pas si ce cas-là précis rentre, parce que c'est pas... J'ai l'impression que c'est plus une sorte de ça montre de l'impulsivité dans ton personnage. Ça va te laisser réfléchir un peu, Trusu, parce qu'en fait, vous me faites une transition qui est merveilleuse vers la deuxième sous-partie, qui est justement l'opposition entre le manichéisme qu'on peut être tenté d'utiliser, le bien, le mal, les gentils, les méchants, et justement la subtilité à différents degrés. À quel point on peut être subtil dans le choix moral et à quel point cette subtilité rend la chose intéressante. Et justement, bah, du coup, Trusu. Ouais, alors pour moi, ça révèle plus un caractère que vraiment un qu'une valeur. Pour moi, une valeur si peut-être, ça peut, t'es un petit peu frivole ou tu es assez léger sur tes relations. Par contre, ça veut aussi dire que t'es très impulsif, que peut-être que ton personnage ne réfléchit pas très très loin à ses actions, qu'il va pas prendre d'informations. Mm-hmm. Et pour moi, c'est pas tant que ça un choix moral. J'ai presque l'impression que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement et qu'il y a eu des conséquences ensuite, qu'ils n'ont pas été anticipés. Pour moi, je suis plutôt d'accord avec Flynn. Pour moi, un choix moral doit faire se questionner le personnage en amont. Il doit avoir le choix devant lui et se dire merde, je fais quoi. Il y a forcément un moment où ça doit arriver. Si jamais t'es dans le cas où t'as la fille du forgeron, enfin la fille du forgeron qui est destinée au prince, bon, tu sais pas qu'elle est destinée au prince, tu décides de la sauter comme tu dis. C'est pas un choix vraiment moral. C'est alors, juste tu vois une fille. Alors, ouais, je sais pas. En fait, t'as pas toutes les informations, ça je suis entièrement d'accord. Après, ceci dit, est-ce que sauter en passant la fille du forgeron pour te barrer du village le lendemain matin, c'est pas déjà en soi une forme de choix moral, même si t'as pas toutes les extensions des conséquences qui vont être derrière. Alors, juste que toi, ça va venir d'une... Parce que toi, tu le vois comme une impulsivité, comme quelque chose qui va venir du joueur. Pas forcément. Ça peut aussi venir du personnage, mais ça serait quelque chose qui n'est pas... Absolument, ouais. Ça peut venir du personnage. Mais en amont, le MJ aura pu très bien. Enfin, il est très rare qu'un joueur te dise je débarque dans un village, j'essaie de sauter la fille du forgeron. C'est-à-dire qu'en amont aussi, le MJ a probablement proposé gentiment que la fille blonde là-bas à forte poitrine lui a probablement fait du gringue. Ah, si tu vois ça comme ça, alors effectivement, j'ai jamais croisé de joueur. Alors, à moins que toi tu joues des personnages qui débarquent dans un village et qui essaient de choper la première nana qui passe. C'est une autre problématique. J'en ai connu un qui était à peu près comme ça. Rick, si tu nous écoutes un moment. Mais comment ? Mais c'était pas à ce point-là, quand même. Mais okay. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est forcément une amorce, un hameçon. C'est ça. Le MJ. Ouais. Alors, du coup, justement. Et ça reste un choix moral. Ouais. Je vais rebondir là-dessus parce qu'en fait, je voulais prendre l'exemple d'un jeu vidéo. Pour le coup, on va sortir un peu du jeu de rôle qui a été justement. Beaucoup critiqué positivement hein, et applaudi notamment pour sa manière de gérer les choix moraux et de présenter des choix à son joueur qui est pathologique. Si vous en avez entendu parler, si vous n'avez pas entendu parler, je vous conseille de jeter un œil sur internet. En fait, la particularité de pathologique, c'est que souvent, en fait, grosso modo, tu es dans un village qui est la proie d'une forme de peste ou d'une malédiction, d'une maladie du moins. Et en fait, qui est géré par plusieurs clans qui sont la guerre. À la base, tu enquêtes sur une affaire d'assassinat et tu vas passer de clan à clan avec des missions généralement qui vont être données par différents personnages qui tous, en fait, vont avoir des intérêts dans le jeu politique de la ville. Et en fait, Pathologique a été extrêmement positivement critiqué pour sa manière de poser des choix moraux, puisqu'en fait, tu sais que tu es tout le temps en train de prendre des décisions, mais tu ne sais jamais l'étendue totale des conséquences qu'elles vont avoir. C'est-à-dire que par exemple, un matin, le fait de décider avant midi d'aider, je sais pas, on va dire le médecin, plutôt que la fille du bourgmestre, tu sais sur le moment que bah, si tu décides de prendre 4 heures pour aller aider le médecin, bah, la quête de la fille du bourgmestre, elle va probablement se fermer ou il va se passer quelque chose de négatif de ce côté-là. Donc le fait de choisir d'aider le médecin, par exemple, ça fait que tu sais que de l'autre côté, du côté du bourgmestre, par exemple, tu vas avoir des conséquences négatives puisque... Tel médicament n'a pas été délivré à temps ou tel contrat n'a pas été délivré à temps. Tu sais pas l'intégralité des conséquences, c'est généralement les conséquences que tu as commencé à découvrir le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, les conséquences négatives. Tu sais sur le moment que tu es en train de faire un choix, tu sais que tu es tout le temps en train de faire des choix,
mais tu sais jamais précisément ce qu'il va faire quoi. Je prends un autre exemple qui est vraiment aux antipodes de ça. On va prendre les Telltale, les jeux Telltale, type Walking Dead, etc. Où en fait, tu sais très bien que t'es en train de jouer, et à un moment, tu vas avoir ton petit QTE qui apparaît, où on va dire, est-ce que tu veux sauver un tel ou un tel? Et tu sais très bien que là, en fait, t'as le jeu qui forme un embranchement, avec soit ce PNJ-là, soit ce PNJ-là. En fait, le choix, il est extrêmement clair. C'est est-ce que je veux continuer à jouer avec celui-ci ou avec celle-là? Pour toi, c'est un choix moral, ça? Tu le perçois comme un choix moral? Pour moi, je le perçois juste comme, surtout dans un jeu vidéo, et je le vois plutôt comme quel choix de narratif. Quel choix narratif tu décides d'avoir? Ça peut venir d'un choix moral, et je le comprends si t'es en mode genre je vais jouer à 100% RP et voilà. Dans un jeu vidéo, j'ai toujours plus tendance à me dire c'est juste je fais un choix de narratif, et s'il me plaît pas, de toute façon je peux revenir en arrière. Ouais. Et c'est pour ça que les choix moraux en jeu vidéo, je mets un gros bémol dessus. Je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, justement, pour moi, ça dépend de la manière dont il t'est présenté. C'est-à-dire que si c'est vraiment le truc manichéen en mode sauver X ou sauver Y, en fait, tu vas choisir un arc narratif plus que tu vas faire un choix moral. De même les Telltale, en fait, je choisis des arcs narratifs à chaque fois. Je fais jamais des choix moraux, même quand j'essaye un peu de les RP. Je sais que j'ai jamais le RP à fond de A à Z. Ouais. Je trouve que justement les jeux qui sont plus subtils là-dessus, qu'est-ce que t'as Nico Elysium. Alors, merci. C'est trop bien ça. Je cherchais le titre. Tu lis dans mes pensées, Dokren, c'est fantastique. Disco Elysium, qui était justement l'exemple sur lequel je voulais venir tout de suite, qui te fait faire des choix permanents sur plein de choses. Tu sais que même si tu veux jouer l'arc, déjà, quasiment tous les arcs vont être intéressants, donc t'as pas vraiment de choix à faire là-dessus. Et tu sais aussi que de toute manière, simplement le fait de choisir de claquer ton dollar, t'en as qu'un seul, sur cet objet ou cet objet à chez le marchand, dans 3 jours, ça va avoir une répercussion. Ouais, les choix de discussion aussi, les choix de discussion. Je trouve que Disco Elysium, par exemple, fait partir des rares jeux où je trouve que les choix moraux sont hyper bien faits et hyper prenants, parce que du coup, tu te pousses à jouer. Justement, moi, je considérais que quand t'as des événements, des choix à faire où t'as aucune idée de la portée de ces choix, mais vraiment aucune, typiquement, genre, aider la fille du bourgmestre plutôt que ton maître. Je considère que ça va plutôt être un choix narratif, en fait. Alors, avec un petit astérisque que je vous mets derrière, dans le sens où, au final, vous allez changer de ligne de qui on parle, de la personne qui a mené l'action. Si derrière, on sait que on voit à peu près quelle portée morale il peut y avoir à ses actes, là, je considère que c'est un choix moral, du coup, parce qu'il y a une portée morale à son truc. Avec le bémol, avec l'astérisque, du coup, ça peut être très intéressant s'il y a un peu à la, pour ceux qui connaissent, à la Shen's Gate, l'animé. Dans le sens où, dans Shen's Gate, il y a un effet papillon. C'est-à-dire que c'est, grosso modo, le principe du truc, c'est que chaque petite action va amener à des choses différentes, mais qui à la fin vont se rejoindre. Bon, ça, c'est pas l'intérêt de mon propos. Mais grosso modo, que une petite variation sur un événement va introduire des choix différents. Ouais. Et ça, du coup, si vous avez une notion de retour dans le temps, et ben ces petits choix anodins de la journée, ça peut être vachement intéressant à la fin en termes de choix moral. Parce que ces petits choix, parce que vous allez avoir du coup une plus grande connaissance de la portée de vos choix. Et d'autre part, vous ne pourrez pas faire tous les choix que vous voudrez dans une même journée parce que différer d'un choix, ça a également une conséquence. J'entends bien. Et je vais rebondir sur un truc. Vas-y. Si tu permets. C'est que pour moi, en fait, tu peux mettre des choix où tu connais l'intégralité des conséquences qu'il va y avoir. Après, d'un point de vue réaliste, je trouve que c'est rare que lorsque tu as un choix à faire, tu puisses connaître toutes les conséquences du choix A, toutes les conséquences du choix B. Même, on va dire, le choix vraiment manichéen un petit peu que vous avez à faire sur la campagne de Valkynia ce samedi, à savoir choisir entre les armées révolutionnaires du fils et les armées traditionnalistes du père, du prince, c'est un choix qui est manichéen. Soit vous prenez le fils, soit vous prenez le prince pour régner. Cependant, vous ne connaissez pas toutes les conséquences qu'on va avoir les deux choix. Je vais dire autre chose, c'est que pour moi, les choix moraux les plus importants que tu fais, c'est pas le choix que tu fais avec ton QTE en mode est-ce que tu décides d'appeler la police ou est-ce que tu laisses la grand-mère se faire voler son sac. C'est des choix qui peuvent être intéressants à mettre en campagne. Pour moi, ça peut pas se limiter à ça, les choix moraux. Je trouve que les choix les plus intéressants, c'est ceux que tu fais en fait au fil du temps dans ta vie de tous les jours. Parce que
comme on le voit en fait avec l'exemple de Disco Elysium, des choix moraux, t'en fais tout le temps. Simplement le fait de prendre, d'aborder telle ou telle conversation de telle ou telle manière, de parler à telle personne ou pas, d'aborder tel sujet ou tel sujet, en fait, c'est des choix qui te définissent aussi selon certaines valeurs. Et ça, en fait, c'est des trucs, c'est ce qui construit plus, en fait. Beaucoup plus que, ok, à tel moment, est-ce que tu fais ça ou ça ? La manière dont tu te lèves le matin, tu fais tes courses, tu parles avec ta femme, avec tes gosses, tu t'occupes des gens autour de toi, ça te définit moralement beaucoup plus que le choix légendaire, tu sais, de, que tu vas faire, prend une fois par an, on va dire. Pour moi, les deux... Enfin, c'est pour ça, du coup, je comprends mieux ta question maintenant de dire qu'il y a une sorte de... Il y a des, une sorte d'échelle d'importance, de, ouais, d'intensité dans les choix moraux. C'est-à-dire, ouais, qu'effectivement, vu sous cet angle, je suis d'accord, du coup, avec l'exemple aussi d'Ocraine au début, avec la fille du forgeron, effectivement, il y a toujours... C'est là que je voulais en venir. Ouais, non, d'accord. Du coup, je comprends beaucoup mieux votre propos. Maintenant, pour moi, alors je ne sais pas à quel point vous pensez que c'est pertinent, mais ouais, il y a une, peut-être un lien entre les valeurs et le caractère du personnage. C'est-à-dire que les actions ne sont peut-être pas toujours dirigées par les valeurs. Ou alors, est-ce que les valeurs sont, dictent du coup le caractère ? Bah, c'est lequel qui vient au-dessus ? Dokren aura à mon avis des choses intéressantes à dire là-dessus. Je vais lui donner la parole tout de suite. Sur valeurs, caractère, c'est hyper intéressant. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Mais du coup, ouais, est-ce que, allez, bang, la fille du forgeron dans tous les villages où tu vas, ouais, genre aller coucher avec toutes les nanas dans toutes les villes où tu vas dans ta partie de jeu de rôle, en sachant très bien que le lendemain tu vas te tirer et que c'est juste un coup d'un soir, est-ce que en soi t'es pas déjà en train de te positionner sur une échelle de valeur ? Est-ce que en soi le fait de faire ça, même si tu ne sais pas que c'est la fiancée du prince, est-ce que déjà là t'es pas dans le choix moral ? Est-ce que le fait de faire ça en ne te souciant pas des conséquences qu'il y a derrière, c'est pas déjà une forme de choix moral ? Et j'ajouterais, si tu peux donner le nom de la valeur ou au moins définir, on va dire, la valeur qui est en jeu dedans, tu vois, parce qu'il y a ça aussi. Bah, par exemple, pour moi, un exemple parfait que je vais te donner, c'est probablement, pour ceux qui suivent, par exemple, Critical Role, mm-hmm, on va parler de faits, de joueurs, le personnage de Scanlan Stronghold, qui est joué par Sam Riegel, est un barde qui a tendance à être de nature un peu volage et... ouais, ouais, carrément, se retrouve, par exemple, à croiser sa fille dans l'aventure. Spoiler alert, excusez-moi, mais c'est la saison 1, si vous n'avez pas encore vu. Ouais, non, quand même, là, il y a prescription, on va dire. Mais juste, c'est son personnage, il a défini que son personnage était de nature volage et qu'il avait couché avec beaucoup de nanas à chaque fois qu'il passe dans un village. Son but, c'est un peu de séduire et de coucher et de participer. Il a participé à des trucs absolument fous en termes de cul. Il en parlait dans son background. Et c'est comme ça qu'il joue son personnage, un peu joueur, un peu tout le temps. Et du coup, le mettre face à cette conséquence, je le trouve extrêmement intéressante. Est-ce que tu considères que c'est une valeur, de fait d'avoir créé son personnage volage? Ou est-ce que c'est un trait de caractère ? Est-ce que le MJ a juste dit, bah en fait c'est un personnage qui aime bien se la péter et on va lui mettre un choix moral ? Et ça revient avec ce que disait Coco Beyland un peu plus tôt, qui était, bah du coup c'est une problématique sur mesure de choix moral. Et en fait, le trait de caractère que lui a créé, c'est là où tu vas en profiter pour en créer un choix moral sur mesure et comprendre que la façon dont il agissait, c'était sa morale à lui, sans se rendre compte de ses conséquences. Parce qu'il aurait été en amont, il aurait su que de coucher à droite à gauche, ça lui permettrait peut-être de choper une MST ou de balancer des gamins dans le vent. Il n'aurait peut-être pas réagi de la même manière. Et du coup, alors moi pour le coup, j'ai pas trop suivi Critical Role longtemps. Je juste rebondir sur ce que dit Dokren, parce que ça me donne une idée tout de suite, ouais, sur votre problématique. Est-ce que le trait de caractère, finalement, c'est pas la manière dont le personnage met en jeu la valeur ? En fait. Ouais, c'est un peu ce que je voulais amener tout à l'heure, mais du coup j'aimerais quand même demander un truc par rapport à du coup son personnage, à Sam Riegel. Est-ce que ça a changé après cet événement ? Oui, absolument. Oui, justement, c'est ce que je voulais savoir. Il l'a transformé, c'est devenu plus subtil. Il a moins cherché à coucher avec les gens, même s'il conservait ce trait de caractère qui est joueur, qui est flirt, voilà, il aimait jouer avec ça. Ça n'a pas changé. Ça s'est modifié parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait une gamine et je pense que seules les personnes qui ont des enfants sont capables de comprendre ce que ça peut débloquer chez soi, de se rendre compte qu'on a une gamine dont on n'était pas au courant. Il y a le fait qu'il a été entouré aussi par des personnages qui lui ont montré d'autres choses,
d'autres façons de réagir à ce genre de problématiques, et ou qu'on proposait d'autres problématiques autour, puisque dans la saison 1 de Critical Role, il y a beaucoup de couples qui se créent aussi autour de lui. Ça crée d'autres problématiques chez lui qui sont, je trouve, hyper intéressantes et profondes. Je vous invite à les regarder. Mais, en fait, penser que ton échelle de valeur, elle n'a pas été dirigée par une morale en amont lors de ta création de personnage, je pense que c'est là que c'est une erreur. Alors, j'aurais deux choses à ajouter à ce sujet. D'une part, pour faire un lien du coup avec ce qu'on disait juste avant, j'ai l'impression finalement qu'il y a un choix moral dans un JDR. Ce qui a un impact en termes de choix moral, c'est quand ton MJ considère qu'une action que tu fais est importante et va lui donner des conséquences sur la suite. Quand elle considère que le fait d'avoir pris un café sur le matin, bah, du coup, ça va avoir une importance sur un autre événement au cours de la journée qui va se répéter, qui va avoir une influence sur l'histoire principale. Parce que derrière, par exemple, le fait d'acheter toutes tes potions dans une boutique, ça peut n'avoir aucune importance sur ton MJ, puis considérer que ça n'a aucune importance sur le reste de la campagne. Ça ne sera pas un choix moral. Par contre, si maintenant, genre, le fait d'acheter toutes tes potions, ça fait que, par exemple, le groupe de soldats, par exemple, ne peut plus soigner après un combat, et donc... Sinon, non, je vais dire autre chose. T'achètes toutes tes potions systématiquement dans la même boutique qui est affiliée à la pègre locale. Et en fait, t'en viens sur le temps long à verser des milliers de pièces d'or à la pègre. Voilà. Je vois où tu veux en venir, sauf que je vais répondre autrement. Est-ce que le fait de dépenser 2000, 3000, 4000 pièces d'or dans un magasin sans regarder où vont les fonds et sans vérifier que le marchand est honnête, etc., c'est pas aussi une certaine mise en place de certaines valeurs, certaines applications de certaines morales ? Il y a un lien qui se crée, effectivement, en fait. Tu vas créer. En fait, le fait que ce soit un truc répété au même endroit, ça va créer un lien qui va être particulier. C'est ça. Mais t'es pas obligé d'avoir toujours une action répétée au même endroit, en fait, pour avoir quelque chose derrière qui va avoir une conséquence sur le jeu. Ouais. Juste qu'à un moment précis, par exemple, t'achètes toutes les potions, que du coup, la garde locale, qui avait vraiment besoin, à ce moment-là, de des potions pour soigner, pour pouvoir affronter l'autre, bah, du coup, ça va avoir un impact. Et ça, c'est à ton MJ, en fait, de se dire derrière, est-ce que je veux, du coup, créer un choix moral ici ? En fait, j'ai pas une situation très conne qui t'est arrivée, hein. Est-ce que le fait d'aller dans un magasin quand on t'annonce qu'il va y avoir un confinement pour acheter tous les pavés de beurre et tout le papier toilette, c'est pas un choix moral ? C'est effectivement un choix moral. Mais voilà, c'est pas... Ouais. Est-ce que du coup le fait d'aller dans une boutique d'alchimie alors que tu sais que par exemple la ville locale ou le village local est en guerre avec un village d'à côté et d'acheter absolument tout le matériel médical, c'est pas une forme de choix moral ? Même si ton MJ te dit pas « Ah, si tu fais ça... » Les mecs vont peut-être se faire raboter sur le champ de bataille. Même si ton MJ dit pas ça, est-ce que le fait justement de ne pas se poser la question et du coup de se mettre vraiment soi en premier en avant, de penser qu'à tes intérêts et de pas réfléchir à ceux des autres, c'est pas déjà un choix moral ? Je pense que si. Et je pense que là justement, on est dans cette subtilité du choix moral qui est hyper difficile à faire jouer, à bien jouer je trouve en partie, mais qui peut être hyper intéressant parce que c'est des trucs justement que tu vas construire sur le temps long en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment aussi, quand tu apprends... Quand tu vas prendre un événement qui soit... juste après. C'est quand tu prends un événement et que derrière, tu vas lui donner un impact futur, et pas un truc anecdotique, mais un truc plutôt central, en fait. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec ça. Dokren ? Je suis d'accord sur le fond et sur l'idée, et je pense que c'est une très bonne chose. Je mets un énorme bémol parce qu'il ne faut pas non plus que le joueur ait l'impression que genre, le moindre truc qu'il fasse, ça a un impact sur l'aventure, que toi, en tant que MJ, ça t'oblige à toujours réécrire, à rechanger, et à faire en sorte que genre, la narration que tu avais prévue incorpore ce nouveau choix un peu bizarre. Et aussi, il y a des joueurs qui peuvent se sentir hyper pénalisés par la suite. Genre, au moindre choix, je vais me faire avoir, je vais me faire toucher, et ça va avoir un impact. Genre, c'est exactement le même principe, par exemple, que de faire un vœu avec les vrais djinns. Ouais. Les vrais djinns, quand tu fais un vœu avec eux, ils vont écouter à la lettre que tu as demandé, et ils vont t'offrir ce vœu. Par contre, toutes les conséquences qu'il y a derrière, tu t'en rends pas compte. Et ça, par exemple, accepter le vœu d'un vrai djinn, c'est un choix moral. Oui. Et je pense que c'est important d'expliquer aux joueurs sur les vrais choix moraux, pas d'en construire, mais sur ceux que tu as construit toi en quête, c'est important à faire comprendre aux joueurs que là, ce choix-là,
va créer un embranchement ou va construire quelque chose. Après que le joueur décide de faire des choix à lui qui vont construire son personnage, de dire finalement je viole le chien du forgeron parce que sa fille a pas voulu coucher avec moi, ça, ça touche de sa personnalité à lui et au personnage, et qui n'est pas un choix que j'ai créé moi en tant que MJ en disant le chien il te fait du gringue. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et DeWall qui ajoute dans le chat que ça, là on touche en fait une limite du jeu, c'est hyper intéressant, c'est que tu restes en jeu, donc beaucoup de joueurs vont juste approcher ça comme un rapport au PNJ, un rapport au jeu, et sans forcément derrière imaginer les conséquences que ça peut avoir. Et c'est là que je suis entièrement d'accord avec toi, Dokren, c'est que c'est un truc, même dans des parties qui se veulent plus psychologiques, plus politiques, par exemple comme ce qu'on fait le samedi après-midi sur Valkynia, c'est quelque chose qui doit rester ponctuel, parce que en fait tu viens pour jouer, c'est du jeu de rôle, et si à chaque fois que tu achètes une baguette de pain, tu dois demander quel orphelin triste avec des grands yeux de cocker est en train de pleurer à l'orée de la forêt parce qu'il n'aura pas sa baguette de pain du jour, ça va vite devenir très lourd pour tout le monde. Ouais, et j'ajouterais un truc, en fait je suis plutôt d'accord avec vous sur cet aspect-là, du fait qu'il ne faut pas forcément venir à la séance avec l'idée que toutes les actions ont des conséquences. Par contre, je note dans tout ce que vous avez dit que vous parlez beaucoup du MJ pour les choix amoureux et du fait que c'est lui qui les posait. Moi je pense que le joueur a beaucoup de rôle à jouer là-dedans pour poser des choix amoureux à ses coéquipiers. Il y a plusieurs exemples de la campagne que j'ai trouvé géniaux, qui ont eu des impacts, je trouve, assez long terme, même de la construction des personnages. Moi, par exemple, à la taverne avec Taylin, quand en fait mon personnage, qui est un forgelier, donc un robot, a se faire ouvrir par le mécanicien du groupe, on va dire, et qui a proposé à un des joueurs de venir, c'était un moment qui comptait beaucoup pour mon personnage, et en fait, Taylin a choisi, donc le personnage d'un autre joueur, Shagar, il a choisi de prendre ce temps-là pour ne pas venir, mais plutôt aller apprendre un parchemin. Et ça a changé, de mon point de vue, toute la relation entre mon personnage et le sien. C'est ça, il y a eu aussi Tianor avec Hyacinthe et tout, ce genre de choses. Et pour moi, c'est pas toujours le MJ qui pose des choix moraux. Et au contraire, je trouve même qu'ils sont souvent plus intéressants quand c'est directement un joueur qui va essayer de piquer quelque chose sur un autre joueur pour essayer de développer leur relation. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Pardon, vas-y, Flynn. Ça fait référence un peu à ce que disait Coco Beeland, un peu avant, sur où en fait il proposait, ou parfois il utilisait les choix moraux pour du coup qu'un joueur qui soit un peu paumé par son RP le développe et le précise un petit peu. Et je pense que en fait ce qui est intéressant derrière, c'est que du coup ça va donner une sorte de compas moral que tu vas pouvoir suivre, derrière. Et en fait, dans ton truc, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu peux poser des choix moraux qui, du coup, si tu mets une cohérence derrière et que le choix moral va avoir une importance sur ton jeu après, ça peut vraiment être super intéressant en développant ton personnage. Ouais. Je vais laisser répondre Dokren et je reviendrai sur ce que disait justement Coco Béa dans le chat il y a quelques instants que je ne vais pas laisser passer inaperçu. En fait, ça revient à ce qu'on disait un tout petit peu plus tôt, c'est-à-dire que le choix moral, qu'il soit proposé par le MJ ou par le joueur, il faut juste qu'il comprenne que ça a une conséquence, qu'il a des enjeux, il y a une conséquence. Faire un choix de dire j'achète une potion ou toutes les potions, ça n'a pas la même chose. Ce que disait Dewa, elle est vraie, c'est-à-dire que genre si tu dis non mais en fait moi j'achète toutes les potions parce que j'ai le réflexe de jeu vidéo, j'ai pas envie d'être puni pour ça parce que j'ai juste fait une erreur entre guillemets. Oui. Par contre, tous les joueurs sont conscients, surtout dans les JDR papier, que les actions ont des conséquences. Ça c'est une discussion qu'on a déjà eue un peu dans d'autres DND discussions. Et les joueurs en sont conscients, tu as raison Trusu, c'est-à-dire que tu peux faire des choix qui ne vont pas impacter toi, mais qui vont impacter un autre joueur pour l'aider à se développer. Ou alors tu vas faire un choix pour toi, et en fait ça va te développer toi en tant que joueur, en tant que personne, et ça va aussi développer les relations que tu as avec les autres personnages. Mais il faut juste que pour moi les choix qu'on définit maintenant comme moraux, pour moi c'est un choix où il faut que tu comprennes que ça a un enjeu et qu'il y a des conséquences. Ouais. Et c'est pour ça que tu me disais la dernière fois, oui, mais en fait, c'est bien de faire un choix moral où le mec comprend l'intégralité des conséquences. C'est vrai. Ça n'empêche pas que j'ai commencé à penser que faire un choix où tu connais toutes les conséquences, c'est un peu dommage. C'est intéressant, mais c'est un peu dommage. Et ça, c'est au MJ après, à la limite, d'en écrire par-dessus. Ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, il faut les ripple effect. Ouais, c'est ça. Il y a un ripple effect qui se produit et qui fait que ça crée encore plus de choses que tu pensais juste que ça crée parce que tu n'avais pas toutes les informations. Mais que ce soit pour un joueur ou un MJ, je considère que le choix moral, c'est
question d'enjeu et de conséquences, ce qu'on a mis au menu. Et si le joueur en est conscient, le fait de faire un choix de jeu, c'est déjà comprendre que ça va avoir une conséquence sur son personnage, sur le monde environnant ou sur les autres personnages, sur les autres joueurs. Ouais, alors, plusieurs choses. Le chat est en feu ce soir. Alors, Freza qui disait que, donc je suis d'accord, le MJ avance le dilemme moral, à la limite, mais les choix moraux en tant que tels, c'est toujours en fait aux joueurs de se les imposer, en fait. C'est toujours les joueurs qui vont les faire vivre, entièrement d'accord avec ça. Coco qui disait un truc intéressant tout à l'heure, je voulais pas vous couper, qui dit en fait, il faut différencier l'éthique et la morale. C'est-à-dire la morale, ça va être le choix universel. La morale, elle va être grosso modo universellement partagée, au moins à l'échelle de la société dans laquelle tu vis. Et l'éthique, elle va être plutôt individuelle. C'est-à-dire que, typiquement, le meurtre, le viol, toutes ces grandes questions-là, ça va être un choix de nature morale. Là où, par exemple, des questions plus intimes ont peut-être davantage touché à ce qu'on va appeler l'éthique. Karish, aka Kokobea, a tout à fait raison de faire la distinction, elle est hyper importante en philosophie. Pour la simplicité de la discussion de ce soir, on a essayé de rassembler les deux en morale. Enfin, du moins, moi, j'ai décidé de mettre les deux sous l'appellation de morale. C'est un choix que j'ai fait, qui n'est pas forcément moral justement comme choix, pour simplifier le dialogue. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, Coco, c'est une distinction qui est importante. Alors, je voulais revenir à ce que disait The Wall, que j'ai pas encore eu le temps de tout à fait écrire. Je vois que Decrène répond, donc si jamais tu veux paraphraser, je suis tout oui. Non, mais en fait, c'est lui qui faisait la distinction entre l'acte moral et le choix moral. Le choix moral, pour lui, c'est quelque chose qui est présenté en amont par le MJ pour forcer le joueur à faire l'acte, entre l'acte guillemets. C'est un outil narratif plus qu'autre chose. Là où l'acte moral, c'est juste une action qui fait que... où lui, il sait qu'en tout cas, ça va avoir des conséquences, même s'il n'en comprend pas toute l'ampleur. Ouais. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais, et c'est pour ça que c'est un de mes joueurs. Très bien. Ah oui. Non, je suis entièrement d'accord aussi. Il y a un truc... qu'on n'a pas abordé, c'est justement qu'on n'a pas abordé. Je pense qu'il manque encore des choses à dire, c'est surtout comment on fait un choix moral qui soit vraiment très intéressant et poignant pour les joueurs, quelque chose qui va être mémorable à la fois par les personnages mais aussi par les joueurs tout autour. Je pense, une idée que j'avais eue, mais il me semble que j'ignore une grosse partie du problème, c'est que plus tu vas avoir un lien avec... Alors, soit avec l'histoire passée de ton personnage, soit avec, au contraire, ce qu'il a créé par ses interactions avec le groupe ou avec le monde, et plus ça va avoir du coup d'impact, et plus ce choix-là va être important pour les joueurs. Il y a aussi une question derrière de perte, qu'est-ce que tu perds dans le choix moral par rapport à ce que tu... Et en fait, que le ratio entre les deux, entre le ratio entre ce que tu perds par rapport à ton lien avec ça, va créer toute la... Ça, c'est pas important. Va te donner l'importance. Je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, le choix moral, pour moi, il faut que ce soit personnalisé. Ouais, alors il doit toujours être personnalisé, et surtout pour moi, tu dois toujours avoir une notion de perte, en fait. T'as toujours quelque chose à perdre, quel que soit le choix que tu vas faire. Et au moins quelque chose à perdre, et éventuellement quelque chose à gagner par derrière. Ça doit toujours, en fait, modifier ton rapport au monde. C'est jamais un truc que tu dois prendre à la légère, avec deux choses qui se valent. C'est là qu'on revient au début. Pour moi, c'est le modifier ou l'ancrer, au contraire. Et pour moi, il n'y a pas toujours forcément quelque chose à perdre, enfin ça dépend si tu dis quelque chose à perdre au niveau matériel ou alors une sorte de le fait que le changement de la vision du monde soit en soi une sorte de perte, je vois pas trop parce qu'il n'y a pas toujours de conséquences physiques à tes choix moraux, ça, des fois c'est juste une question de changement moral, il n'y a pas de, je sais pas si je suis clair là-dessus mais Non, moi, là où je mettrais un petit bémol, c'est dire que c'est l'idée de perdre quelque chose. Moi je pense que c'est, sur ce genre de cas, c'est plutôt un choix de quel gain. Ça veut pas dire qu'on perd. C'est pour moi, c'est une nuance qui est importante. Ensuite, quand je parlais de personnaliser le choix moral, il est personnalisé pour ou l'histoire, ou le groupe, ou un joueur. Ouais. Pas genre obligatoirement personnalisé pour un joueur avec son personnage. Ouais. C'est un peu plus large que ça. T'as entièrement raison. Et la dernière chose que tu disais, et du coup j'ai zappé trop vite, je suis désolé. Que Eletrel disait. Non, la dernière chose que tu as dit toi. Oui, rebondi sur un truc.
J'ai dit que c'était soit enfin c'était ancré, ça pouvait être soit modifié, soit ancré, mais que c'était pas toujours modifié. Des fois, ça pouvait juste. Ouais. C'est ça. Toi, tu disais qu'il n'y a pas forcément des conséquences physiques. Ouais. Je suis d'accord. Oui, mais sur l'instant T, probablement pas. Et c'est pour ça que je trouve toujours intéressant. Et on revient à la nuance qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'un choix, il ait toujours des conséquences physiques, parce qu'après, t'as juste l'impression que ton joueur, il est puni à chaque fois qu'il fait quelque chose. Ouais. Et je trouve ça dommageable. En l'occurrence, je trouve hyper intéressant de se dire que le moindre choix peut en fait avoir un effet plus tard qui est complètement pas à l'ampleur de ce que tu l'attendais. Et c'est ce que j'appelle l'effet papillon, je trouve ça extraordinaire. Okay. Et Dewa a raison quand il dit que c'est pas forcément physique, mais psychologique. Ouais, c'est ça, en l'occurrence, c'est... j'ai tendance à penser que c'est quand tu fais du JDR, c'est légèrement la même chose. Ouais, alors en fait, tu arrives à toucher ce que je voulais toucher avec des meilleurs mots, mais voilà, comment dire, c'est ce que je voulais quel dire talent. Globalement. Et, comment, et moi, justement, en fait, ça amène à ce que je voulais amener après, c'est comment est-ce que des fois les choix moraux sont mal faits. Et pour moi, la première chose qui fait qu'ils sont mal faits, c'est quand les conséquences sont toujours négatives et tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, c'est pour ça d'ailleurs que Edriel, j'ai nuancé quand tu disais perdre. Ouais. Pour moi, c'est pas toujours perdre, parce que si tu pars du principe que tu perds toujours quelque chose, les joueurs ont l'impression que plus ils avancent, plus ils sont en train de s'empêtrer dans des effets papillons et tout. Bah, le meilleur exemple, c'est Tomb of Annihilation. Hein. Ouais. meilleur exemple. Hein. Ouais, non, mais clairement. Alors, je réponds à plusieurs choses. Alors, bon, déjà, merci Colados pour le follow. Ensuite, sur la question de la perte. La perte est de même que tu dis que, enfin, vous dites, et vous avez tous raison, que le gain n'est pas forcément physique. La perte dont je parlais n'est pas forcément physique non plus. C'est-à-dire que, en fait, quand tu as une morale qui est déjà bien établie, quand tu n'es pas en train de construire ta morale, le fait de choisir de ne pas forcément respecter ta morale pour X ou X raisons, X calcul. Ça peut entraîner aussi une perte psychologique, personnelle, perte d'estime de soi, perte de la manière dont tu te conçois, dont tu as construit ton personnage, qui se dit, mais en fait, mon compas moral c'est ça, je suis bon, et pourtant j'ai laissé l'assassin tuer ce diplomate. J'ai pas essayé de l'en empêcher. Est-ce que derrière, il n'y a pas une petite perte qui n'est pas forcément mauvaise ? Pour moi, la perte, c'est pas forcément néfaste à chaque fois. Mais ton perso va quand même considérer que ça l'a un peu rongé dans sa manière de vivre, en fait, dans sa morale, et qu'il y a un petit côté de lui-même qui a été grignoté par cet événement. Et ça peut être un truc vachement intéressant à développer au cours de la partie, à analyser, pour construire quelque chose de plus, en fait, sur cette perte. Pour moi, je la vois pas du tout comme une punition, mais le fait, justement, de choisir de perdre ou d'affaiblir un trait moral ou un trait éthique de son personnage, c'est quelque chose qui peut être vachement intéressant, et merci Freza pour le sub. Je la boucle. Flune, je crois qu'il voulait intervenir. En fait, je voudrais intervenir sur d'autres trucs à la lumière de ce que vient de dire Dewal, qui dit que ce qu'on va gagner n'est pas similaire à perdre. En fait, c'est... Dans le sens, en fait, il faut toujours considérer le... C'est toujours par rapport à ta situation initiale, en fait, que tu vas réfléchir. Genre, pour un joueur, ça va toujours être plus difficile à partir d'une situation initiale de perdre quelque chose plutôt que de gagner quelque chose, mais ne pas gagner l'autre. Ouais. Typiquement, même en termes relationnels, imaginons que tu as une bonne relation avec un PJ, ça va toujours être plus difficile pour un personnage de perdre cette relation avec le PJ plutôt que soit gagner une relation avec par exemple, un autre PJ ou un PJC. En fait. Et là-dessus, derrière, je vais rebondir sur ce que disait Doc Ren plus tôt, c'est ce qui va. Le fait de pouvoir gagner quelque chose, mais de choisir du coup son gain, et pas toujours de perdre, ça va éviter que tes joueurs, soient. Ça va être une des choses qui vont faire que tes joueurs ne vont pas être accablés de choix à faire. Qui vont se dire que des choses qu'ils vont pouvoir faire, ça va pas avoir des conséquences drastiques négatives sur eux. Ça peut juste être comment vous allez, qu'est-ce que vous allez gagner derrière, qu'est-ce que vous allez gagner juste, quel item vous allez choisir par exemple, ou quelle issue positive vous allez choisir. Il faut qu'à un moment donné, que les choix peuvent avoir les gains, ça peut être que l'issue de votre choix moral soit deux issues positives qui vont pas être néfastes l'une par rapport à l'autre. C'est intéressant parce que du coup, les choix moraux ils sont là aussi, c'est-à-dire que il faut que ce choix, parce que tu dis là aujourd'hui on parle, il faut pas que ce soit, faut pas qu'il y en ait un qui entraîne la perte de quelque chose.
C'est pas peut-être deux trucs. Non, mais attention. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui te donne quelque chose et l'autre te fasse perdre un truc. Parce que là, évidemment, il n'y a pas de choix en vrai. Choix. Genre, ou alors, c'est vraiment. Ou alors, c'est un choix qui est très important et qui va avoir un impact sur beaucoup plus de choses. Je ne considère pas que ce soit un choix moral. Par contre, de dire que tu peux gagner A ou gagner B sur un choix, tu peux le considérer comme un choix moral, comme tu peux le considérer, comme dans un jeu vidéo, comme un choix juste de d'arc narratif. Par contre, c'est bien d'avoir aussi des choix où tu dis, ok, qu'est-ce que tu préfères perdre ? Ce qui est important, c'est de pas faire comprendre, déjà de pas en trop en proposer aux joueurs, parce qu'il y a un moment où ça va vraiment genre le déprimer. Et le but, c'est qu'on soit toujours quand même dans la construction. Pour moi, un JDR, c'est l'évolution et la construction de l'aventure. Enfin, on construit un truc ensemble, quoi. C'est pas... Amen. Hein ? Amen. C'est vraiment la vision que j'ai. Je la partage totalement. Même si les joueurs, concrètement, branlent rien pendant la semaine et se foutent les pieds sous la table. Mais... quand même, en général, ils bossent un peu sur les persos, ils relisent les fiches, ils font des trucs quand même. Oui, on les aime, nos joueurs. Enfin, certains. Il y a un joueur qui script dans le groupe et il fait un récap au début de la séance, ça va quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, il faut quand même que ce soit dans la construction. Si à chaque fois tes choix, c'est perdre et perdre, il y a un moment où genre, ils vont l'impression de reculer. Ouais. C'est ce que. Ah oui, Cola, c'est notre script. Et c'est pour ça que c'est drôle. Okay. en l'occurrence. C'est intéressant d'avoir ce genre de choix-là. Mais il faut aussi que... Je pense aussi que les choix moraux, ils se construisent quand tu sais que, quels que soient les choix, il n'y ait pas de hiérarchie dans la conséquence pour le joueur. Mm-hmm. La seule hiérarchie, ça doit être sa morale à lui, son échelle de valeur et sa vision. Ouais, c'est une bonne distinction aussi qu'on avait oublié de faire et qui est extrêmement importante en fait. Voilà. Si jamais tu proposes 1000 pièces d'or ou un contact dans la pègre, c'est un choix qui peut être intéressant pour un personnage, mais pas pour un autre. Il y a un autre qui va dire, le loyal bon, il va dire, moi je prends les 1000 pièces d'or, casse-toi. Un chaotique mauvais, non. Par contre, si tu dis, ok, tu peux choisir entre deux pègres différentes, là, quel que soit le type de personnage, qu'il soit loyal bon ou chaotique mauvais, là, il y a un choix. Dark narratif, mais qui peut être moral aussi. En fait, le choix moral, il va toujours finalement être relatif à un certain nombre de PJ qui viennent de certaines sociétés et qui sont dans certaines circonstances, quoi. Et en fait, ce qui est un choix moral pour un PJ pourra, bah, du coup, comme disait Dokraine tout de suite, n'être même pas un choix pour un autre PJ, en fait. C'est pour ça que les choix moraux, ils doivent être personnalisés. À l'échelle d'un groupe, à l'échelle d'une campagne, ou à l'échelle d'un personnage ou d'un joueur. Ouais. D'ailleurs, un truc que je veux dire aussi, c'est que les... en fait, on s'est amusé au cours des mois passés sur notre Discord à... regardez les races qui étaient un peu populaires sur le Discord de D&D. Oui. Et globalement... L'Oxo, donc, il gagne pour l'instant. Hein, c'est... Ouais, non, c'est... Non. Je crois qu'il est parti à mon... Non, mais je crois que c'est la plus rapide défaite d'une race. Vraiment, et l'Oxodon, il s'est fait dégager. L'Oxodon, il s'est fait foudroyer. je l'adore, l'Oxodon, pourtant. Non, mais l'Oxodon, il est très cool. Mais en fait, c'est vrai que tu mets l'Oxodon, tu mets un nain, tu dis, il y en a une que tu pourras plus jamais jouer, tu dégages l'Oxodon. En face ou autre chose, mec, l'Oxodon, il n'y avait aucune chance. Mais du coup... Il y a une race qui est très appréciée sur Discord et qui est globalement très appréciée par la communauté D&D, si tu regardes les statistiques vraiment plus mondiales, qui est l'homme lézard. Et l'homme lézard, il est intéressant parce que je vais pas dire que c'est une race qui a pas de compas moral, mais c'est une race qui a un compas moral qui a ses limites, on va dire. C'est-à-dire que l'homme lézard, en fait, c'est une race qui est foncièrement opportuniste, on va dire, et par exemple, qui a dans sa culture le fait de bouffer un compagnon. Si, imagine, t'es paumé dans un désert, t'as un de tes compagnons qui vient de mourir, tu le manges. T'as faim, tu le manges, c'est pas une question, tu vois. Et à côté de ça, ça peut être littéralement des heures, voire des jours de discussion pour un groupe de savoir est-ce qu'on va commencer à cannibaliser notre compagnon de voyage avec qui on est depuis 6 mois. Pour l'homme lézard, le choix moral, il n'existe même pas. Et... C'est un choix qui n'existera pas pour plein de choses similaires. Les hommes lézards, ils sont vraiment hyper rationalistes. Et en fait, il vraiment les. T'as un côté un peu. Comment dire ? Merde. Bref, le. Alors, dans l'espèce dans Star Trek ultra rationaliste, le nom m'échappe. Ah, c'est Spock, c'est les... Ouais, c'est l'espèce de Spock. Ouais, les Vulcains. Les Vulcains.
T'as un côté Vulcain qui est vraiment hyper rationaliste quand on est là. C'est bah on a un autre pote. Est-ce qu'il peut nous aider en combat? Ouais, on le garde. Est-ce qu'il est handicapé, qui va faire que de nous ralentir parce qu'il s'est pété le bras lors du dernier combat et qu'on va peut-être crever parce qu'on est en train de l'attendre? On le mange. Et je trouve ça assez intéressant que la communauté soit de D&D aussi bien française que vraiment tu regardes américaine, tu regardes des stats D&D Beyond et tout. Tu vois que l'homme lézard, c'est une race qui est... Parmi les races qui sont pas PHB, qui sont pas SRD, qui sont pas accessibles de base, c'est une race qui est très très appréciée. Je vais mettre une petite nuance. Ouais. C'est quand même des putains de crocodiles et des dinosaures. Donc il y a quelque chose qui va au-dessus, qui fait qu'ils sont quand même extrêmement stylés. Et ils sont stylés dans Warhammer. Ah ouais, non, mais clairement. Ça, ils sont clairement stylés. Mais je trouve ça intéressant, voilà. En fait, d'avoir cette forme de non-compas moral, en fait, dans un groupe. Ouais, après, je pense que c'est aussi. Je vais peut-être me faire des ennemis et je le ferai avec grand plaisir. Je pense que le fait de dire qu'il n'y a pas de compas moral, ça ouvre la porte à absolument tout et n'importe quoi pour un joueur lambda moyen. Ouais. C'est-à-dire que oh bah j'ai pas de compas moral, moi je comprends pas pourquoi c'est mal de manger un enfant. J'ai juste faim. Mec, soyons un peu sérieux. Ouais. Toi tu considères, c'est juste que ça te fait chier de faire du micromanagement sur tes rations quand tu pars à l'aventure. Ok. Mais viens pas m'expliquer que genre bah alors, c'est ton personnage qui le voit comme ça. Ça je suis vraiment d'accord. Ça c'est du chaotique stupide. Mais justement mais, en fait. Mais je pense que le problème du Lizard Folk, et je rejoins un petit peu ce que dit Trusus, je pense qu'il y a aussi un côté. Comment on dit esthétique. Il y a le côté méta. Non, il y a un côté méta. Côté méta. Mais c'est comme les gens qui voulaient faire que des humains. Tu vois, jouer un humain, c'est hyper méta. Ouais. Alors, il y a des gens qui vont le faire pour le RP, mais. Ça, je suis d'accord. Après, c'est aussi de la race classique, facilement accessible en ligne et tout. Je veux dire un truc, c'est que pour moi, le Lizard Folk, c'est pas quelqu'un qui n'a. C'est quelqu'un qui a un anti-compas moral. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de compas moral, c'est quelqu'un qui en a un qui est différent, qui est un peu alien d'une autre. C'est-à-dire que le Lizard Folk, contrairement au chaotique stupide que tu citais en mode bah, « j'ai bouffé la gamine, comme ça me fera 10 rations et j'ai plus à me faire chier avec ma gestion de ressources », le Lizard Folk, il va se dire « je peux bouffer la gamine, comme ça me fait 10 rations », mais il va aussi se dire « est-ce que les parents derrière vont pas payer 3 assassins pour aller me buter ?» T'as ce côté-là de rationalisme qui fait que, en fait, même si le compas moral est différent, voire inexistant à certains points, tu restes une créature rationnelle et du coup tu n'iras pas buter ton allié si tu penses qu'il peut être utile à d'autres moments de son existence. Typiquement. Je pense que tu vois trop. Alors je suis d'accord, mais je pense que tu vois beaucoup trop loin pour le joueur lambda d'Homme Lézard. Ouais, et je suis d'accord là avec Docrane, moi je suis tout à fait d'accord. J'en ai vu qu'un seul, il le jouait très bien. Alors, mais du coup, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les Hommes Lézards. Je pense que c'est. Parce qu'en fait, comme dit Docrane, la morale qu'on donne à son perso est quand même basée sur la nôtre à la base. Ouais. Et je pense que vouloir complètement. Ne plus avoir du tout de morale et raisonner vraiment avec un système alien et tout, c'est très très dur et je pense même que c'est une des classes les plus dures à jouer si on des races les plus dures à jouer. Ah ben je la trouve hyper dure mais hyper intéressante aussi pour cette raison. Et c'est vrai que et moi je pense aussi donc dans les stats que effectivement si les gens le font et là moi je dis la raison esthétique mais ça peut aussi être d'autres raisons. Hein. Je pense que si elle est si haute, si moi par exemple j'avais envie de jouer à un lézard ou ce genre de choses, c'est uniquement parce que c'était crocodile. Non mais c'est vrai. J'approuve le dinosaure. Écoute, moi je kiffe les âmes lézards depuis Warhammer Fantasy. C'est ça. Et je suis aussi d'accord avec Docrane quand je pense que c'est presque une excuse pour certains joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui sont comme ça, pour jouer des chaotiques stupides, mais en mode, bah, c'est marqué sur ma fiche, je suis chaotique stupide parce que mais c'est clairement. Comme ça. Après, je vais dire ils se trouveront toujours des excuses, t'es chaotique stupide, avec n'importe quelle race, n'importe quelle classe, pour faire de la merde. Oui, mais là, il y a un plan RP validé par leur passif et leur race. C'est ça. Mais c'est comme un paladin qui décide d'être loyal bon et qui décide de désinguer n'importe quel connard qui sort un petit peu du droit chemin. Le mec qui joue loyal con. Il va dire ah bah oui mais c'est mon paladin qui est comme ça, c'est juste pas intéressant, comme le chaotique mauvais qui veut juste flinguer tout le monde ou arnaquer tout le monde et t'es là genre ouais mais en fait tu joues dans un groupe mec, sois un peu sérieux. C'est ça. Et je trouve que l'homme lézard qui doit censé rationaliser tout, la seule chose qu'ils comprennent pour une majorité des joueurs, j'ai tendance à penser que c'est des gens qui sont là en train de se dire je fais ce que je veux et comme je suis, j'ai pas de sentiments ou d'émotions pour en parler. Les conséquences ne me touchent pas. Ah oui, mais t'as buté la mère de ce gars-là. Bah oui, mais je m'en fous en fait. Ça me touche pas. C'est pas ça la rationalisation. La rationalisation, c'est pourquoi tu l'as fait. Ouais. En quoi ça t'avance toi? Ouais. Après, là, du coup, la manière dont la race est jouée et la race elle-même, en fait, vont s'intéresser. Mais je pense que c'est même pire, en fait, l'aspect du coup esthétique se rajoute parce qu'il va se dire, ok, elle est triste la mère, mais en fait, qu'est-ce qu'elle va me faire? Moi, je suis un putain de lézard. Et c'est le moment où en fait, tu te dis, finalement. J'ai pas de choix moraux à faire. On va pas les conséquences vont être limitées parce que je peux me permettre de les encaisser. C'est un petit peu, on va dire,
enfin, c'est un petit peu l'état d'esprit que je trouve, ouais, qui est problématique avec les hommes lézards. Enfin, je n'ai jamais vu être joué comme ça, mais je pense que c'est un peu ce que veut dire Doc Rain aussi. Et, alors, et ouais, voilà. Et pour revenir du coup aux enjeux, je te laisse avoir le mot de la fin et je conclurai après. Justement, parce qu'on va revenir sur les jeux moraux, parce que ouais, du coup, tu peux quand même proposer des choix moraux à un personnage qui est rationnel et qui, ouais, n'a aucune émotion. Parce que sa valeur, ça va être quelle va être la meilleure récompense, quel est le meilleur outcome de cette décision si je rationalise tout. Et le choix que nous, on considère comme un choix moral, c'est un choix qui, pour lui, va l'être parce que ça va faire... Il sait que les conséquences vont avoir un impact sur la suite. Et que, donc, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire, est-ce que tu préfères choisir tel pègre qui est spécialisé dans la prostitution ou tel pègre qui, est qui préfère vendre de la drogue à la sortie de l'école ? Ouais. Ok. Alors, si je dois résumer, avant qu'on passe sur la partie quête, vous avez dit plein de choses hyper intéressantes, je garantis pas de faire un travail fantastique, mais je vais faire de mon mieux. Sur, donc, comment créer des choix moraux qui sont intéressants. Ces choix moraux, vous me dites qu'en fait ils doivent toujours viser un groupe ou un PJ particulier, du moins ils doivent être faits à l'échelle du groupe et du PJ, du personnage. Ou de la campagne. Ou de la campagne. Mais que en fait tu les penses toujours par rapport à un groupe général, tu peux les penser à l'échelle d'une campagne, ceci dit à l'échelle d'un scénario entier. Mais les plus intéressants, ce sont ceux qui vont vraiment viser un joueur que tu connais, un personnage que tu connais en tant que MJ, et qui vont le pousser à faire deux choses. Soit confirmer des élans qu'il a, confirmer des valeurs, soit au contraire s'interroger sur ces valeurs-là et peut-être décider que ah bah non, mais en fait ces valeurs-là elles correspondent plus au moi que je suis maintenant. Elles correspondaient peut-être à celui que j'étais il y a 10 ans, mais là tout de suite je me rends compte qu'elles ne me correspondent plus et je vais m'en éloigner. Et en fait, finalement, le choix moral, il va toujours te forcer à te positionner sur une échelle de valeurs et à positionner généralement certains membres du groupe sur certains échelons. Et peut-être que d'autres se placeront sur d'autres échelons à ce moment-là. Le but, en fait, toujours, ça va être de faire réfléchir à ton joueur, sur la manière dont il conçoit son personnage et dont il souhaite le jouer et pas seulement sur, en fait, un instant T, est-ce que tu veux sauver Isabelle ou Marc, en fait. C'est vraiment quelque chose qui se fait sur beaucoup plus long terme, avec des conséquences qui sont pas forcément entièrement connues, mais qui sont toujours là. Tout choix moral doit avoir des conséquences derrière, outre que, du moins, au moins, bah, je me trouve de ce côté-là de la balance ou de ce côté-là. Tout choix moral doit participer à la création du perso. Je sais pas si vous voulez rajouter des choses sur comment créer des choix moraux intéressants. Si j'ai oublié des choses ou si ça vous semble bien, pour le résumer. Qu'un choix moral plus un choix moral est important et pas bah, un choix moral pour qu'il soit important, il faut qu'il y ait une sorte de perte aussi derrière ou de gain qui soit également important. Ouais, de perte ou de gain. Qui soit et qui soit du coup au même niveau pour le personnage ouais, ciblé en termes de valeur. Ouais, c'est ça, au même niveau. C'est l'aspect que s'il y a des pertes et tout, c'est peut-être plus ou moins indirect, puisque sur le coup, il faut quand même que ce soit à peu près équivalent ouais, pour que tout ce qui reste, c'est la morale en fait, ouais, que ce soit pas des histoires de. Ouais. Après, sur comment les créer, je sais pas si vous avez des recettes spécifiques. Moi, je dirais que ça dépend vraiment de chaque contexte et de chaque personnage, puisque, bah, en fait, comme on le disait, il y a des personnages pour lesquels ce sera même pas un choix, ça va être tout de suite réponse A, réponse A. Et inversement, il y a des personnages pour lesquels il va aller chercher des choses très précises, ouais, très singulières, pour vraiment tester des morales qui vont être très précises et très singulières. Je sais pas si vous avez des idées de recettes, comment vous les constituez. Alors, moi, j'ai pas de recette. Par contre, je pense que dans tous les cas, qu'on soit MJ ou joueur, il faut rester attentif à l'évolution des personnages et aussi à la morale, on va dire, si on arrive à discuter un peu avec ses joueurs et tout, à la morale des joueurs. Ouais. Et ensuite, vraiment faire ça à l'instinct, essayer de voir les points où il y a des espèces de troubles, il y a des petits conflits de morale, des petits conflits comme ça, et essayer de mettre le doigt dessus. Et voilà, après, je pense que ça se fait plus ou moins tout seul. Si on reste attentif là-dessus, bon, peut-être que vous êtes MJ, enfin voilà. Mais à mon avis, ça doit se faire correctement si déjà on fait ça. Alors, ouais, personnellement, je te donne la parole juste après Flune, sur comment moi je l'ai construit sur Valkynia, Strahd, etc. J'ai tendance, alors souvent, à faire un gros choix moral par grand chapitre, par grande partie, qui va être vraiment un choix moral, on va dire, universel. Donc ça, c'est relativement simple à faire, mais c'est quelque chose de très délimité. C'est-à-dire, est-ce que tu choisis plutôt l'option A ou plutôt l'option B avec leurs conséquences ? Généralement, après, dans ma partie, et ça, c'est la partie plus difficile, je trouve, à faire, j'intercale une multitude de choix moraux pour chaque joueur. J'essaie d'en faire au moins un dans chaque séance, que je construis vraiment à partir de la backstory et surtout à partir du jeu du personnage depuis le début.
C'est-à-dire qu'en général, je vais avoir tendance à avoir au moins deux choix, parfois plus, ça peut être 3, 4, on n'est pas obligé de se limiter à 2 hein, pour les chambres. Ou en fait, je vais le mettre dans une situation que le personnage a déjà vécu, où il a fait un choix, et je vais lui reproposer un choix similaire, mais cette fois, en fait, avec des issues qui vont être légèrement différentes. C'est-à-dire que, par exemple, un personnage qui a une morale, on va dire qu'il va être très ancré, c'est-à-dire, bah, si j'ai le choix entre aller choper le voleur ou aller réconforter la grand-mère qui vient de se faire voler, je vais toujours aller réconforter la grand-mère. Et bah, je vais essayer de faire en sorte, à ce moment-là, de lui proposer un choix similaire, sauf que, en fait, il aura cette fois-ci un peu plus à gagner que les fois précédentes s'il décide de confronter le voleur ou s'il décide de réagir différemment. Pour prendre quelque chose de plus général. Et je modifie la balance comme ça. C'est-à-dire que, ok, les 4 fois précédentes où tu as eu cette circonstance, tu as fait ça. Je te propose la même, sauf qu'en fait, si tu fais ça, tu as cette fois-ci un peu plus à perdre que si tu fais l'option que tu n'as jamais utilisée jusqu'à présent. Est-ce que tu décides de rester fidèle ? Vraiment très légèrement. Très très légèrement de perte, en plus. Est-ce que tu restes fidèle à ta lancée, à ce choix qui est ancré, que ton personnage fait depuis 15 ans ? Ou est-ce que tu décides de dévier à ce moment-là, pour une raison X ou Y ? C'est clairement pas la méthode universelle de le faire, j'ai tendance à faire ça. Je vous propose, je serais curieux d'avoir vos retours là-dessus, et d'avoir aussi vos avis à vous, sur comment créer des choix moraux, si vous avez des recettes un peu universelles, on va dire. Alors c'est pas évident. Cool. Flune, en vrai, le coup de l'incrément sur l'autre choix, c'est parfait. En fait, c'est ce qu'on veut. Quand on veut faire un choix moral pour positionner quelqu'un sur une échelle de valeur, c'est un peu comme si tu prenais une balance et que tu mettais des poids dessus pour voir du coup quel est le poids de ton choix. En fait, à partir et de quand il switch, en fait. Exactement. À quel moment ta balance elle va s'inverser. Ben, je trouve que c'est si ce que tu veux faire, c'est vraiment justement voir à quel point. Où il se positionne, je trouve ça génial. Faut pas que ça soit mais bon, ça c'est implicite, hein, mais dans ce que tu disais, faut pas non plus que ça soit la même situation tout le temps, mais une situation équivalente tout le temps avec des choix équivalents. Mais sinon, non, c'est... Histoire de répondre à la question, que les gens soient pas venus pour une heure de débat philosophique sur la morale sans forcément avoir des. Oui, bien des sûr. Propositions derrière, même si je pense pas que ce soit forcément le must. C'est marrant. Alors, Dewall vient exactement de dire ce que j'étais en train de penser, qui était que du coup, en fait, tu forces un peu la main de ton joueur et tu le manipules à essayer de faire un autre choix pour en voir les conséquences. Comme si toi, en tant que MJ, tu disais, ouais, moi j'avais prévu des conséquences sur l'autre choix et tu les as jamais utilisées, viens, on les utilise cette fois-ci, mais pour te récompenser, je vais te donner un peu plus. Pour moi, c'est pas un choix moral. Parce que du coup, tu biaises son choix en rajoutant toujours dans la balance d'un seul côté de voir à quel moment il va changer. Ce qui est, à mon sens, pas le but d'un choix moral. C'est ça. Pour moi, c'est pas un choix moral. C'est juste pour toi. C'est pas ce que tu disais. Mais je m'en fous, Dewell. C'est pas. non, tu sais quoi, on aime nos joueurs. Non, je rigole. Je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que sur la. Le fait que c'est important que ton choix, déjà je trouve que les choix moraux ils sont importants quand ils sont uniques, quand ils sont à un instant T et qu'ils sont jamais répétés. Ouais. Répéter un choix moral, je trouve que ça détruit l'importance de ce choix. Ouais. Je crois que pour l'instant, peut-être que Dewall et Cola pourront vous confirmer ou non, s'il y a d'autres joueurs dans le chat de mien, je ne leur ai pas donné de choix moral pour l'instant, et ça fait genre 15 séances, peut-être un peu plus qu'on est sur notre scénario. Ils n'ont jamais eu un seul choix moral. Ils ont peut-être vécu des trucs comme des choix moraux, mais j'en ai jamais fait aucun, j'en ai pas créé. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est ça. Ouais. Et je pense que du coup, la façon de dire, excuse-moi, je finis Flune, c'est du coup dire que... je leur donne un choix, et en fait, bah, d'aider la grand-mère ou d'aller vers le voleur, si je le répète au fur et à mesure, est-ce que, genre, à quel moment il va trancher Alors, en l'occurrence, Dewall a absolument raison. Oui, c'était un choix. Alors, c'était pas un choix moral pour moi. Ah, quoique, ok. Mais, on pourra rebondir si tu veux dessus, mais en vrai, pour moi, c'est si tu reproduis le même schéma juste pour savoir à quel moment il va flancher, tu perds l'intérêt du choix moral. Parce que du coup, je suis d'accord. Il y a un moment où ce que tu vas proposer, c'est plus à égal.
Ouais. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est un type de choix moral qui va être très particulier et que je trouve intéressant de faire au moins une fois à l'échelle d'une campagne. Si t'as un joueur qui a un truc qui est vraiment, mais très, très, très ancré, tu vois, dans sa personnalité. Genre quasiment une lubie. Je trouve ça intéressant de voir jusqu'à où il est capable de suivre la lubie. Alors. Ouais. Je pense que c'est un truc, c'est clairement pas le choix moral général que tu vas faire et c'est clairement pas la, on va dire, le truc que tu vas présenter en majorité à tes joueurs. Je serais curieux que tu me dises du coup comment toi tu les crées en fait tes choix moraux quand t'en crées. Les miens ? Ouais. Genre, si t'as en fait une recette que tu suis généralement. Non, parce que comme je construis mes personnages quand je suis joueur, beaucoup de mes histoires se construisent dans l'action et dans la narration. J'ai des grandes lignes et des grandes trames, mais tout ce qui se passe autour, je le construis soit genre entre deux séances, soit sur l'instant T, soit des modifications, parce que je veux que ce soit hyper naturel et organique. Ouais. Et je veux, comme c'est ce que je disais un peu plus tôt, je veux que mes joueurs créent autant l'histoire que moi je l'écris. Ça demande, je pense, une certaine aisance avec tes joueurs, une certaine expérience aussi. Mais je trouve ça hyper intéressant et j'aime pas ce qu'on disait genre sur les premières D&D discussions sur lesquelles je suis venu, qui était genre les pires MJ sont les auteurs, les gens qui écrivent leur histoire de fond en comble à la moindre interaction et qui arrivent pas à en sortir parce que ils veulent raconter une histoire cinématique. Moi je suis vraiment à l'opposé et les choix moraux je vais les proposer à l'organique. Un moment où je sais que ce choix-là, si je rajoute ça dans la balance, parce que je sais que ce choix arrivé va pour ce personnage-là, je sais que ça a créé un choix moral pour ce personnage ou ce groupe. Ah bah tu vois, t'as quand même une forme de recette, du coup, que tu suis. Qui est, en fait, de rester organique et, en fait, d'attendre le moment où, justement, tu te dis « Ah, bah tiens, si je rajoutais ça, et là, en fait, t'as ton choix qui va apparaître. » Ça, mais moi, je dirais quand même... C'est pour ça que je me sentais... Je suis pas souvent à l'aise avec ta méthode justement d'increment, parce qu'en fait pour moi, c'est un peu ce que je disais au début, tu restes attentif à tes joueurs et pour moi il faut un besoin en fait, parce que l'effet de ton choix moral c'est, on a dit, de développer ou d'ancrer un personnage. Pour moi si le personnage est déjà développé, déjà ancré, il n'y a pas besoin de l'assaillir avec des choix qui vont le déstabiliser. S'il est déjà stable, il va probablement se développer tout seul de manière organique, c'est ça en fait. Si jamais on le titille avec une sorte de bâton en mode et là tu vas faire quoi, moi j'ai l'impression que ça va pas être forcément plus fun au bout de l'histoire. Ça va pas le développer plus en fait. Alors, je suis pas d'accord. Non mais. Parce que. Si tu peux pas de répondre, parce que là, du coup, le truc de trop vu, mais. Vas-y. Mais directement, vous voyez, et après, je te laisserai répondre juste après. Vas-y. En fait, ça dépend. Qu'on comprenne bien. Ça dépend de la manière dont c'est fait par le joueur. C'est-à-dire qu'en fait, si le joueur fait consciemment. En fait, a fait consciemment la première fois le choix de. Bah, je décide de faire ce choix-là plutôt que ce choix-là. L'incrément, c'est pas du tout la peine. Et même, je n'utiliserai jamais dans ce cas-là. Le truc de l'incrément, je crois que j'ai dû l'utiliser deux fois en 4 ans de DMing au moins hebdomadaire. Notamment avec le cas de joueurs qui avaient des persos qui étaient vraiment, on va dire, qui avaient des morales dans le marbre, littéralement. C'est-à-dire, en fait, qu'il y avait un bloc moral de base qui était dans leur backstory. Et en fait, justement, le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'autre choix moral. Il n'y avait pas de choix moral qui existait, puisqu'en fait, quel que soit ce que tu mets. En fait, si tu mettais deux fois la même chose dans la balance, c'était équilibré, quelle que soit la situation, elle allait te dire, bah, je fais ça. Et en fait, c'était un truc qui était jamais réfléchi, qui était jamais, comment dire, revu, discuté, repensé, en fait, de la part du joueur. C'était, bah, en fait, dans ma backstory, le personnage, il est écrit comme étant comme ça, et du coup, ping, 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 à la pong. Et en fait, à l'échelle d'une campagne, quand tu fais 50, 60, 80 séances, ben en fait, ton joueur, il se construit pas, finalement, puisque en fait, il n'y a aucun moment où ton joueur, il remet en question ce qu'il a écrit dans sa backstory, il réécrit qui il est, parce qu'en fait, et c'était le problème qu'on avait avec ce joueur-là, c'est que de la séance 1 à la séance 89, le PJ, il n'a pas changé. Parce qu'en fait, tu avais justement ce bloc de marbre, avec vraiment ce compas qui était très clair, et... qui, quand il avait à faire des choix qui n'étaient pas en fait inscrits dans ce bloc de marbre, refusait tout bonnement de choisir. Même si dans les deux, s'il y avait des conséquences négatives. Elle refusait de choisir, elle laissait le groupe choisir à sa place. Et du coup, j'avais commencé à mettre en place ce système de l'incrément pour lui dire, bah, en fait, si tu fais ça, tu auras des bénéfices. Mais peut-être que si pour une fois, tu décides d'aller à l'opposé de ce que tu avais prévu à la base, séance 0, tu auras peut-être des bénéfices supérieurs.
et essayer de voir si ça, ça lui faisait pas remettre en cause ce compas moral préétabli qui n'avait pas changé pendant le reste de la campagne. Et je pense que c'était un moyen intéressant, en fait, de l'amener à se remettre en cause, outre que en lui disant bêtement à la fin de la séance en MP, transforme, fais évoluer ton perso, quoi. Que je trouve pas du tout intéressant, en fait, en tant que MJ. Donc, Ren. Pour répondre à Dewal, parce que du coup, Dewal reprécise ce qu'il avait dit, et je suis entièrement d'accord avec lui, qui est que, en gros, le fait d'incrémenter au petit à petit, ça s'appelle de la manipulation, et je trouve ça dommageable, reproposer le choix avec un énorme incrément qui lui dit, ok, non, en fait, là, c'est pas... D'une certaine manière, est-ce que c'est vraiment le même choix dans la finalité? Oui, dans le fond, mais il y a un truc qui va le faire pencher d'un côté ou à un autre. C'est-à-dire que t'as saisi quel était son compas à lui, de jauger où est-ce qu'il est. Petit à petit, je trouve ça dommageable de dire voilà l'aiguille, elle est là pour toi. Moi, ouais. Je te propose un choix et qu'il est là, tu le prends ou pas? Ouais. Et là, je trouve que c'est intéressant et je suis entièrement d'accord avec Dewal. Pour revenir avec ce que disait Truju, qui était de genre. Le côté organique de dire oui mais en fait si tu lui proposes pas des choix moraux qui vont modifier sa personnalité il va évoluer tout seul. Dans la vraie vie je vais te dire que c'est vrai. En tant que joueur je te dis c'est complètement faux puisque tu évolues dans le monde du MJ. Que tu veuilles ou non ce que tu vis c'est le MJ qui a la main dessus. Ouais mais c'est ce que je disais il y a quand même les joueurs et pour moi les joueurs ont un rôle quasiment aussi gros que le MJ dans leur relation avec les autres. Par exemple on prenait l'homme lézard. L'homme lézard c'est un type qui est dans le groupe mais qui par ses actions aura un impact tellement gros au niveau moral sur l'ensemble du groupe que ça va faire des discussions, ça va faire des relations qui vont faire évoluer tout le monde en fait. Non mais bien sûr. Mais c'est quand tu me disais le fait de donner des choix c'est la seule manière de faire évoluer enfin non pas forcément. Ah, pardon de pas lui donner de choix ça veut pas dire qu'il va pas évoluer. En fait tu parles de ton personnage qui va faire évoluer les autres. Ou l'inverse. Mais donc du coup, c'est les autres qui vont faire évoluer ton personnage. Oui, par exemple. Donc ça veut dire que ton personnage peut pas évoluer seul. Ouais, bah ça existe. Et pour moi, ça existe dans la vraie vie aussi. Dans la vraie vie, il y a des gens qui sont, comme on parlait tout à l'heure du bloc de marbre. Pour moi, c'est un cas qui existe. Alors. Et c'est pour ça qu'on doit pas forcément dire fais-le évoluer. Si jamais il est comme ça et que il le réfléchit et qu'il continue à se dire ok mon perso reste comme ça et il le pense activement, pour moi c'est pas un problème en soi. Ok. Non, on discute pas de la même chose. Alors excuse-moi. Parce que moi, je dis qu'un personnage ne peut pas évoluer s'il a pas de stimuli extérieurs. Que ce soit ton groupe, que ce soit les aventures qui vivent ou les choix que nous, MJ, on donne aux joueurs. Bah, à ce niveau-là, on est d'accord. Et un personnage qui ne peut pas évoluer, en l'occurrence, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Ouais. C'est pas du tout ce que je dis. Par contre, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt. C'est-à-dire que ce personnage-là, c'est à nous, en tant que MJ, de proposer, comme le disait Dewal ou le proposait Léa, qui était de genre, en gros, c'est à nous de le mettre face à un choix où, genre, par exemple, dire il y a une petite fille et une vieille qui sont agressées par un voleur, vérifier la grand-mère ou la petite fille. Ouais. Mais ça, c'est un choix pour un mec loyal bon qui va être plus tendancieux que juste je décide d'aller sauver la vieille et je m'en fous du voleur. D'accord, ça je suis d'accord, je trouve que c'est un choix intéressant. Par contre, moi, le point que, surtout que je voulais faire, c'était le fait que c'était pas grave en soi d'avoir une personne qui n'évoluait pas. Ouais, ça je suis entièrement notamment, tout à l'heure, tu as dit que tu voulais pas, par exemple, aller voir les joueurs pour leur demander de changer. Pour moi, et c'est normal, je comprends ça, heureusement. Mais pour moi, de base, il n'y a pas forcément besoin qu'ils changent. Il suffit qu'ils soient conscients que ce personnage ne change pas et qu'ils sachent pourquoi ils ne changent pas. Et par exemple, je vais reprendre autre chose, c'est quand tu as dit que le personnage décidait de ne pas choisir, de laisser les autres faire. Ça, pour moi, c'est déjà un choix moral. C'est déjà un choix de dire, ok, je comprends pourquoi vous le faites. Mais moi je peux pas, et c'est ma limite. Et donc, pour moi, ça veut dire beaucoup sur son perso, et c'est pas un joueur rigide qui fait ça, c'est un joueur qui comprend son personnage et qui comprend pourquoi c'est un bloc de marbre en fait. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, moi. Mais c'est ce que le point que je disais, et que je pense que faisait Elédril aussi sur la problématique du personnage qui ne change pas, en l'occurrence, il va probablement impacter. Ouais, je suis con. Excusez-moi, le choix, en fait, en gros, je disais que ton personnage qui, lui, ne change pas, il va impacter évidemment les gens qui sont autour de lui. Mm-hmm. Donc, d'une certaine manière, il va avoir un peu l'effet de stimuli pour d'autres joueurs. Et si je considère que c'est pas ce que j'appelle un truc game breaker, ou en tout cas fun breaker, dans mon groupe, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Be my guest, amuse-toi bien. Ouais. Par contre... Là où je suis, et je mets un énorme bémol, et je pense que c'est ce que Lédril disait, c'est que quand tu as un joueur qui veut pas changer et qui répond toujours de la même manière, il y a un moment où genre, ce n'est même plus fun,
en tant que toi, narrateur, de raconter une histoire. C'est ça. Parce qu'en gros, le personnage, il est déjà écrit. Très bien, merci. Je vais t'écrire une histoire. Je te la fais lire. Amuse-toi. C'est exactement ça. Et du coup, pour rebondir sur ce que vient de dire Dokren, qui, tu vois, l'expérience de MJ, en fait, c'est exactement le problème, non seulement que j'ai eu, mais que toute la table a eu, et je pense que Flune, qui était sur cette table, pourra témoigner, que, en fait... Flune, il aime pas être pris à partie. Justement, c'est pour ça que je le fais, parce que... J'aime bien le prendre par surprise. Des fois, je le réveille à 3h du match, je suis en train de le regarder au pied de son lit. C'est très dérangeant. Ah bah oui, c'est le but. Pour ça que je vous sers d'hôte, en fait, ce soir, que Zubdag a abandonné parce qu'il n'en pouvait plus. C'est donc avec ça que vous êtes punis. En fait, le problème qu'on avait, Dokren l'a bien dit, c'est que, en fait, à partir, grosso modo, la campagne, elle a fait 89 séances, je crois, ou 82, entre 82 et 89. 89, je crois. En fait, à partir de la séance 40, c'était, je vais pas dire un jeu, mais en fait, on était capable, les joueurs aussi bien que moi, de prévoir à l'avance, parfois au mot près, ce qu'allait répondre ce joueur-là. Et en soi, je vais dire, t'es une table où tout le monde est comme ça, et on dit, non mais on vient là pour faire du donjon, et tu es des monstres, je m'en fous, genre tout le monde s'amuse, mais tant mieux, c'est parfait. Quand t'as une campagne que tu fais sur 2 ans, où tout le monde du coup réécrit son perso régulièrement, rajoute des pages, ajoute les différents PNJ, va voir le MJ en faisant « Ah ouais, tiens, tu pourrais rajouter ce PNJ dans le monde, parce que j'aimerais rajouter dans ma backstory, t'aurais un moment comme ça pour que je puisse... » J'aimerais bien réfléchir à ça avec le perso, et qu'en fait, dans les 6, t'en as un qui a pas de problème, c'est pas forcément un problème c'est pas forcément un mauvais joueur ou un quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, à cette table-là, ce joueur-là, il va pas forcément être très adapté, et c'est pour ça qu'en tant que MJ, j'essaie de le stimuler différemment que les autres, d'où le système d'incrément aussi que j'avais essayé d'expérimenter avec lui. Parce que, en fait, ça, j'avais des joueurs également qui étaient venus me parler en me disant « Ouais, ça me gêne un peu qu'on ait un des joueurs à la table qui soit quasiment un PNJ et qu'on puisse quasiment, qu'on soit capable de jouer nous-mêmes. » On est capable de jouer, c'est-à-dire que en fait, pour chaque situation, chaque décision qu'il aurait à prendre, on serait capable de dire au mot près ce que lui il dit quand il est là. Et c'est vrai qu'en fait c'est limitant dans ces cas-là, et ça peut être dommage à l'échelle d'une campagne sur 2 ans d'avoir un PJ qui n'évolue pas là où tout le monde veut c'est évoluer. C'est un PNJ, ça devient un PNJ. Ça devient un PNJ. Et comme disait Dokren... Comme disait Dokren, en fait, c'est littéralement, tu peux dire, bah en fait, si t'aimes l'histoire, je te l'imprime, je te la donne... Et en fait, t'as pas besoin de venir jouer avec nous, parce qu'en fait, tu ne l'écris pas, en fait. Tu es déjà tellement écrit dans l'histoire. Il y a des chapitres que j'ai même pas encore écrits, je sais déjà ce que tu vas y faire. Et c'est vrai que quand on arrive là, en tant que MJ, et en tant que joueur, on était plusieurs à essayer justement de le stimuler différemment, pour voir si c'est juste la manière dont lui voulait jouer, parce que c'est la première partie qu'on faisait avec lui aussi, ou si c'était juste qu'il n'avait pas réfléchi à cette évolution-là, ce côté psychologique du personnage, et que si on l'aidait à le découvrir, ça n'allait pas être un truc qui allait le passionner. Donc pour ça aussi qu'on travaillait là-dessus. Vas-y, ça fait des situations où parfois, quand tu sais que le personnage va se braquer sur quelque chose, tu peux genre prévoir vachement à l'avance de juste sneak derrière et de séparer du personnage, parce que tu sais que tu n'arriveras jamais, par tous les moyens possibles, à convaincre de faire quelque chose. C'est ça. Buisset qui dit en chaque 81 séances. C'est ça, c'est juste le contrat social que t'as mis en amont en disant bah nous on veut écrire une histoire ensemble et c'est voilà, ça. C'est pas juste du dungeon crawler, si tu fais du dungeon crawler, j'en ai rien à foutre de ta personnalité. Ce qui est important c'est tes stats et tes compétences et tes skills. Allons-y. T'es là pour écrire une histoire, et ça c'est un truc que j'essaie de rappeler, j'ai la chance d'être avec des joueurs qui le comprennent très bien. Faut aussi que le MJ s'amuse. Et genre, c'est sûr que c'est pas le même amusement que les joueurs, puisqu'on connaît les tenants et les aboutissants de notre histoire, ok. Mais clairement, moi, si j'ai un personnage qui ne va jamais évoluer et que je peux prévoir 15 séances en avance comment c'est il va réagir, c'est chiant. Je dis, écoute, t'es pas adapté pour cette histoire-là, parce que moi, je vais écrire un truc avec mon groupe. Le PNJ, je vais l'écrire. Tu vas être dans ton personnage sera dans l'histoire, ok. Ne t'inquiète pas. Il va... Hein? C'est violent de dire à un joueur, en gros. Attention, comme le rappelait Dokren, c'est à sa table. Dokren a bien dit à sa table. Oui, en fait. C'est vraiment une question de table. Non, c'est bien compris. C'est le contrat social qu'on a mis en amont de dire on va écrire un truc ensemble. Si lui, il me dit, bah non, mais moi, mon personnage, il est écrit, je suis là, mais genre, tu vas plus l'écrire, en fait. Donne-le-moi, j'en fais un PNJ. Mais un PNJ peut-être hyper puissant, hyper important, hyper intéressant, pas de problème. Ce que tu veux, si pour toi ton PJ il est important comme ça,
je le garde, je joue autre chose. Parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt. Limite, il va avoir une meilleure évolution si je le joue moi que toi, parce que moi, je sais tous les tenants et les aboutissants de l'univers, hein, je vais être capable de pouvoir le faire évoluer au mieux, ou en tout cas de le conserver et de le mettre à son rôle où il devrait être. Tu vois ? Par exemple, le loyal bon truc de marbre, en fait, il va devenir champion de son ordre très rapidement et ça va devenir un dingue. C'est ça. Faisons un PNJ hyper puissant qui a pas du tout sa place dans un groupe de level 3, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que ça dépend de ta table, ça dépend du contrat social que tu as mis en place au moment où tu as commencé ta campagne ou ton aventure. Et c'est là où je mets le bémol et je dis, bah, juste s'il n'est pas adapté, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais personnage. Je dis que c'est un personnage qui n'a pas sa place dans ce qu'on avait décidé de construire ensemble. Ah, ok, d'accord. Voilà. D'où, pour moi, l'utilité aussi des choix amoureux, on va terminer sur ce long sujet avec ça, qui est au-delà de simplement faire réfléchir les joueurs, ça peut aussi aider certains joueurs à se découvrir une passion pour l'écriture, en fait. À découvrir et trouver intéressant que, ah mais tiens, en fait, je n'avais pas pensé comme ça à la base, ce choix n'est pas forcément à 100% dans ce que j'aurais prévu qu'il fasse à l'origine, mais j'ai fait ce choix-là. Et du coup, bah, c'était pas prévu, mais on va rouler avec, on va construire, et t'as des joueurs qui se découvrent en fait et qui se révèlent avec ces choix moraux-là. Et je trouve que c'est un outil qui peut être formidable, qui est d'une véritable puissance scénaristique en fait. Absolument. Qui est hyper organique, et c'est ça, c'est vraiment ce que tu disais, Trusu. Qui était avoir un personnage qui a tout d'ancré dans sa backstory. Ça veut pas dire qu'il peut pas changer plus tard. Ouais. Pas que je dis, mais il a moins de liberté que quelqu'un qui va se construire uniquement sur. Surtout quand tu commences level 1. Qu'un personnage qui va consacrer et qui part à l'aventure avec une personnalité qui lui est propre, mais qui n'a pas fait tous les choix moraux qui vont avoir un impact sur sa personnalité, qui va vivre au fur et à mesure de l'aventure. Yeah. Non, je comprends, après toutes les discussions, je comprends beaucoup mieux ton point de vue là-dessus, et effectivement, je suis d'accord. C'était plus, tu parlais du cas où c'est un personnage qui était vraiment écrit du bout en bout. Exactement. Voilà, ok. C'est ça. Et bah parfait, et bah du coup, bon, on a déjà dit pas mal de choses dessus, et je pense qu'on va être un peu plus rapide. Comment créer des quêtes intéressantes? Les quêtes, alors on a tous vu passer ce petit module écrit en 30 minutes où PNJ X vous demande d'aller chercher MacGuffin Y dans les cavernes de Z et de le ramener avant l'alignement de planète. Nous avons tous joué cette aventure 50 fois. Juste rapidement, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est le MacGuffin? Peut-être qu'il y a des gens. Alors, justement, je vais le dire dans quelques instants quand je vais parler des fetch quests, mais tu as entièrement raison de me le rappeler. Alors, la quête, qu'est-ce que c'est? La quête, en fait, c'est ton scénario. C'est l'objectif, on va dire, à accomplir par les PJ. C'est ce qu'ils doivent faire dans le cadre de ton scénario pour réussir ou échouer. En fait, le scénario, ils vont avoir une quête ou des quêtes, c'est-à-dire un ensemble de missions à accomplir. Synonyme de quête, ce serait une mission. Des quêtes, il en existe des grands types. On voit donc quasiment toutes les aventures, hein, que ce soit des aventures homebrew ou officielles, D&D ou pas D&D. En général, tu vas toujours avoir quelque chose à faire. C'est rare que tu viennes à une table et que le MJ te dise « J'ai fait des PNJ, j'ai fait des endroits, démerdez-vous. » Vous allez leur parler, vous restez à la taverne, vous déconnez pendant 4 heures avec l'aubergiste. C'est possible, il n'y a rien à faire. Vous faites... On part de ce que vous voulez. Dans ce cas-là, c'est trouver la quête en fait en général. Trouver la quête, trouver la quête, peut-être une quête, en effet. Personnellement, alors je pense que moi ça me plairait, au moins les premières séances, en mode on sait vraiment pas ce qu'on fout là. Je pense que moi en tant que joueur, j'aimerais ça. Ou tu sais pas ce que tu viens de lancer là, Trusu. Non, mais en vrai. Parce que moi je suis pour ce genre de truc impeccable. Ah non, mais là, ce genre de conneries, moi je suis à fond aussi. Ce serait un début qui est très cool. Genre, tu prends le cliché de l'auberge, mais sauf qu'en fait, ton auberge, elle dure deux séances et c'est un donjon en soi, tu vois. Alors, je vais te dire un truc, ça, on est en train de l'écrire avec un cas sur le Discord d'Alea, ça s'appelle Descent into Tavernus. Et en fait, c'est une campagne du niveau 1 à 6 qui se déroule dans une taverne. Et en fait, le but, c'est de trouver comment en sortir. Ah, c'est cool. Bah voilà. L'escape game, quoi. C'est littéralement d'escape game avec plusieurs niveaux, mais justement t'as une quête qui est de sortir de la taverne pour commencer ton aventure, juste que tu vas la commencer niveau 6, ouais. Mais t'as quand même un objectif derrière, qui est de pas crever en tavernus.
Je vais dire un truc qui est plus sérieux par rapport à ce qu'on disait avant, c'est qu'en fait ça permet peut-être avant de commencer ta quête de déjà connaître les personnages autour, d'avoir des liens plus forts et d'avoir une fondation qui est déjà plus importante au moment où tu commences ta quête. Au moment où tu commences ta quête, tout à fait. C'est un peu le point sérieux que je voulais faire derrière ça. Je suis entièrement d'accord. Ça, après, c'est vraiment un truc, c'est hyper important, c'est un truc de campagne, ceci dit, pour un scénario one shot ou sur deux séances, t'auras jamais le temps de faire ça. Et donc tu vas vraiment devoir juste faire la quête la plus efficace qui soit. C'est des formats qui sont là pour coup d'Ocrane, je pense, pourra confirmer. C'est des formats qui sont quand même limités. T'as des présentations qui sont assez atypiques, t'as parfois un certain nombre de pages, un certain nombre de colonnes que tu vas devoir faire. Tu peux pas te permettre de faire un truc énorme pour publier un one-shot ou une aventure en deux ou trois séances. Alors là, je vois ce que tu veux dire, je vais pas être d'accord, parce que en fait... Tu es là pour ne pas... Quand tu commences par exemple une quête, un groupe, une campagne... Ça a été le cas, par exemple, sur les scénarios et l'aventure que je suis en train de faire jouer sur DD. Ouais. Ils ont eu un in-media stress. Genre, vraiment... Parce que c'est un groupe qui ne se connaissait pas en amont. Si tu décides de faire un one-shot, très court, une séance, deux grand max, tu peux très bien dire « le groupe se connaît ». Et si le groupe se connaît, tu peux très bien dire « vous êtes dans une taverne, qu'est-ce que vous faites ?» Et tu improvises ton aventure. On s'en contrefou. Tu peux très bien dire, votre groupe se connaît, vous avez été envoyé par tel connard pour faire tel truc dans tel endroit et revenir avec ce machin. Ouais. Ce qui est impératif lorsque tu construis une quête, c'est déjà la construction de ton groupe et leur cohésion. Ça pour moi, c'est la grosse base. Quelle que soit ta campagne, ton aventure, ton scénario, ta quête, ton one shot, ce que tu veux, il faut que tu connaisses la cohésion de ton groupe et comment ils fonctionnent ensemble. S'ils se connaissent pas, ça a été le cas sur mon aventure la D&D, ils se connaissaient pas. Dans la quête, faut que ça se construise. Ouais. Tu peux pas leur dire, qu'est-ce que vous faites ? Les mecs se connaissent pas et ils vont pas se parler, tu sais. Genre, un chasseur nain, il va pas aller dire bonjour à, à un mage elfe qui est en train de boire son lait de chèvre au fond de la taverne. C'est hyper important. Il prend pas une chaise dans la gueule, il s'en fout, quoi. Alors, campagne, j'ai fait exactement la même chose, on a vraiment commencé immédiat stress, quasiment par un. En fait, 15 minutes après le début de la séance, il était en combat. En fait, pareil, des gens qui se connaissent pas, qui sont sur un bateau, le navire se fait attaquer, et là, en fait, le mage elfe et le chasseur nain, ils sont obligés de gérer la merde, qu'ils aient envie ou pas. Donc, on a commencé à combattre comme ça, c'est ce que tu dis pour les... Sinon, le cas, on va dire, plus classique, c'est hyper important. Et tu vois, je les squeeze, on est souvent à le squeeze, à l'oublier, mais partir toujours du groupe et toujours partir de comment le groupe s'est rencontré, est-ce que le groupe s'est rencontré, ou est-ce que le groupe connaît le commanditaire de la quête qui du coup les a tous fait venir, ils se connaissent pas mais ils ont une connaissance commune qui va les rassembler. Partir du groupe, c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Souvent les gens ont tendance à partir en fait de la quête, de l'objectif, de l'antagoniste, et après derrière vont écrire et se dire alors comment ils arrivent là. Au lieu de commencer par ce que tu dis, que je trouve vachement important, qui est de dire, en fait, comment ils arrivent là, comment ils arrivent à la table, et après on s'occupera de savoir ce qu'on leur donne comme entrée, comme plat et comme dessert. C'est ça. Je trouve ça fantastique de le rappeler. Qui a fait la réservation ? Où est le restaurant ? Et après, ce qu'il y a dans le potage, ça va venir après dans ton écriture. Et ça revient même à ce qu'on disait un peu plus tôt, qui était le contrat de groupe. Ouais. Le contrat de groupe qui est genre, est-ce que vous voulez faire une aventure, un one shot ? Est-ce que vous voulez faire un truc fun ? Est-ce que vous voulez faire un truc hyper sérieux ? Un truc plutôt d'ambiance, qui est plus d'aider à cette capacité de pouvoir vraiment tout proposer ? Est-ce que vous voulez faire juste un dungeon crawler où genre, vous n'en avez rien à foutre des choix moraux ? Toutes ces choses-là, c'est ce qui vont définir comment tu vas créer ta quête. Justement, moi dans ma campagne, le premier l'endroit où ils se retrouvaient tous, c'était une prison. Et la question du coup qui était centrale pour voir du coup que je demandais, c'est pourquoi ils arrivent dans la prison. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dans cette prison-là ? Et là du coup ça force énormément les joueurs à réfléchir à qu'est-ce qu'ils ont pu faire de mal à un moment donné, ou quelles conneries ils ont pu faire pour arriver là-dedans. Et ça donne du coup des Ça force du coup les joueurs à réfléchir sur quelles sont les traits caractéristiques de leur perso, parce que c'est généralement ça qui va les mener d'une façon ou d'une autre en prison, et derrière, quel va être leur objectif, derrière, comment ils vont pouvoir essayer de s'en sortir, et qu'est-ce qu'ils veulent faire pour s'en sortir. Ouais, et ça, coup, c'est ça. Ça devient une phrase d'accroche toute donnée, c'est comment t'es arrivé là, et au final, tu sais comment ça se développer comme ça. Ouais, je trouve ça, c'est pas une mauvaise idée, Flynn, la prison. Après, les in-media stress ou le fait de forcer les joueurs à jouer ensemble,
par une entourloupe scénaristique. Ça fonctionne. Je sais que par exemple ça fonctionne très bien dans Cthulhu. Les entourloupes scénaristiques, pourquoi un détective privé se sent obligé de travailler avec un antiquaire, avec un avocat et un biochimiste. Ça c'est des trucs qui sont presque obligatoires dans Cthulhu. C'est pourquoi tous ces gens-là qui sont d'un bord complètement différent se retrouvent embarqués dans une seule et même enquête. C'est un truc que j'ai plus l'habitude de gérer en tant que gardien dans Cthulhu, un peu moins dans Donjons et Dragons, où genre concrètement la trame principale de tous les joueurs, que tu veuilles ou non, c'est des aventuriers. Leur raison pour laquelle ils partent à l'aventure, c'est la leur, ça reste dans le gros des aventuriers. La question, c'est là, c'est un contrat social méta qui est genre, qu'est-ce que vous voulez faire comme type d'aventure ? Ça ne veut pas dire que ce type d'aventure-là ne peut pas évoluer au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure du groupe, au fur et à mesure de tout ça. Hein. Tu peux très bien proposer des gens qui veulent un truc hyper politique, tu peux très bien leur proposer un dungeon crawler au beau milieu, ou une fast quest de tuer, ou même d'aller tuer genre 15 cochons, ou genre vider une mine de kobold. Non mais... Ouais, non mais je suis d'accord. Toute la variété en fait. Mais il faut quand même qu'il y ait ce contrat social de discussion en amont, et après la construction de la quête... Quelle qu'elle soit, c'est pour moi le point d'ancrage, c'est comment le groupe se connaît, pourquoi ils travaillent ensemble, est-ce que c'est moi qui le force en tant que MJ, parce qu'ils ne se connaissent pas, ou est-ce que c'est un contrat qu'ils ont accepté en amont, de dire, on connaît nos persos, voilà mon personnage, il est comme ça, ce qui se pose moins quand c'est des aventures récurrentes avec un groupe fixe. Ok, ouais. Alors, du coup... Je vais lister un peu tous les différents types de quêtes qui existent et on va partir en fait à partir de là, histoire d'avoir des bases communes, bah justement quand on dit fetch quest, quand on dit enquête, etc. Alors souvent dans les grands types de quêtes qu'on va trouver et qu'on va forcément normalement a priori mêler sur une campagne un peu plus longue, ça je vais y revenir, il y a souvent la base qu'on appelle la fetch quest, c'est-à-dire la quête où tu dois aller fetch, c'est-à-dire récupérer un objet. Un objet, un artefact, un prétexte à la quête. Qu'on appelle en fait en cinéma le MacGuffin. Le MacGuffin, c'est quoi ? Le MacGuffin, on en avait parlé déjà dans d'autres DN discussions. C'est un objet qui a pour principale fonctionnalité de donner vie à la quête, qui est un prétexte à l'histoire, et que les personnages, les antagonistes, en fait tout le monde va essayer de récupérer. Le but, c'est de récupérer le MacGuffin en premier. Le MacGuffin n'ayant même pas besoin d'avoir d'identité propre, pour ça qu'on l'appelle le MacGuffin. Souvent, le MacGuffin t'en parle au début. Ça va justifier tout ce qui va se passer pendant ton film, pendant ton œuvre, pendant ton scénario. Et ensuite, tu le revois qu'à la toute fin, quand il s'agit enfin de s'en emparer. Souvent, entre les deux, tu développes tes personnages, tu développes tes ambiances, tu fais plein de trucs secondaires, et le MacGuffin ne réapparaît pas. C'est le cas dans... Alors, t'as un paquet d'Indiana Jones, de Tomb Raiders, où justement, t'as le fameux MacGuffin qui est présenté au début, et souvent, tu le revois pas avant la scène finale, où... Lara Croft trouve le MacGuffin dans le temple et va essayer de s'en emparer avant son antagoniste. On s'en bat les couilles du MacGuffin. Il est vital et on s'en bat les couilles en même temps. C'est le principe du MacGuffin. Du coup, la fetch quest, on demande à tes PJ d'aller chercher un objet quelque part et de le ramener. Tu as ce que j'appelle l'assassinat, c'est-à-dire on donne une cible à tes PJ, ils doivent la détruire. Par exemple, ça peut être tel dragonnet qui a envahi le manoir... de Von Fritz, ou tel clan de kobold qui est en train d'agresser tous les marchands qui passent par telle route de montagne, tu dois les détruire. C'est une quête d'assassin. Ou le seigneur nécromancien qui est en train de lever une armée. Un nécromancien qui est en train de lever une armée. Typiquement, c'est généralement les scénarios antagonistes en fait. T'as une créature ou une personne qui pose des problèmes et on va te payer pour la trouver, la combattre et l'éliminer. T'as l'enquête. La Docrène, en tant que gardien qui perd de Cthulhu, ça y maîtrise, je pense. L'enquête, c'est l'investigation. Tu dois élucider un meurtre, un vol, un empoisonnement. Comprendre pourquoi il s'est passé quelque chose à un endroit. L'exploration. Là, c'est des quêtes que on commence à rentrer dans des quêtes qui sont plus rares. L'exploration, je trouve ça très intéressant. C'est peu utilisé en jeu de rôle, mais typiquement, ça va être... Je sais pas, imagine, t'arrives, tu découvres le nouveau monde et on va te demander d'explorer, de découvrir des points importants, découvrir la culture des peuples locaux, s'il y a des peuples locaux, des ressources, cartographier tout ça et faire des rapports.
Typiquement, tu arrives dans une terre qui va être étrangère, hostile. Tu as un petit côté exploration dans Tomb of Annihilation, quand tu arrives à Tchult. Où justement, tu vas un peu découvrir le monde de Tchult qui est très très exotique. Les quêtes d'escorte, que je trouve invivables. Où on va te dire typiquement, bah en fait, tu dois aider tel PNJ à arriver de point A à un point B, il doit rester vivant. Et en général, ce PNJ, ça va soit être un fétu de paille, devant lequel tu devras faire barrage de ton corps pour qu'il reste vivant et ne pas échouer la quête, c'est très chiant. Ou sinon, le MJ n'a pas confiance en CPJ pour protéger le PNJ d'escorte, et en fait littéralement un personnage d'animé invulnérable qui va retourner l'intégralité des ennemis à coup de fireball. C'est très chiant aussi. Je déteste ces quêtes d'escorte. Je traumatise peut passer là-dessus, excusez-moi. Est-ce que, déjà, tant qu'on est sur la partie vraiment purement définition, vous auriez des choses à ajouter tous les trois, que j'aurais oublié? Objet, destruction d'une entité vivante, enquête, exploration d'un lieu inconnu, ou escorte d'un objet ou d'un PNJ d'un point A à un point B. Alors... Donner plus de types de quêtes, c'est ça? Si t'en vois que j'aurais pu oublier, toi. Dans les archétypes, non. Après, je pense que des fois, il y a des espèces de... c'était pas le moment d'en parler, mais... Qu'il y a plusieurs hiérarchies des quêtes, t'as les quêtes principales, les sous-quêtes, machin, et que j'ai l'impression des fois que... Il y a aussi les quêtes qui englobent tout, et en fait, qui sont... Moi, j'arrivais pas à classer dans une catégorie ou l'autre. Par exemple, je prends la quête de Valkyria. D'ailleurs, il y a une quête, mais on sait même pas vraiment si c'est... Enfin, je veux dire, c'est assez flou, finalement, l'objectif quête, je sais pas comment dire ça. C'est effectivement... Alors, vous avez pas énormément chose, c'est une campagne que j'ai voulu écrire très riche pour que vous puissiez tous briller, parce que vous avez tous des intérêts différents. Globalement, là, vous êtes sur de la fetch quest. Hein. Sur ce chapitre actuel. C'est un petit peu la fetch quest. Mais la quête, ça pourrait aussi être, par exemple, gagner la guerre, et c'est pas forcément avec une... Enfin, je veux dire, c'est pas forcément un MacGuffin, tu peux très bien arriver avec d'autres moyens à gagner la guerre, et c'est pas... Ah, mais carrément. Et je vois pas ça du coup comme une fetch quest, mais d'un autre côté, c'est pas non plus les autres. Bah, dans ce cas, gagner leur guerre, c'est plutôt de la partie enquête en fait. C'est un peu tout à la fois, ouais, je sais pas. Oui, probablement. Je varie beaucoup. Okay. Alors, je vais répondre à Dewal. Un dungeon crawler, ça rentre dans quel type de quête? Dépend de l'objectif de ton dungeon crawler. Le dungeon crawler, en fait, le donjon, ce sera jamais qu'un moyen. La fin, c'est toujours ce que tu vas trouver au fond. Que ce soit un boss à détruire qui est en train de niquer la zone, que ce soit un objet à tirer d'un trésor, ou un mystère à lever, par exemple. Moi, j'ai pas eu le temps de t'en parler avant qu'on fasse la séance de ce soir, mais c'est vrai que quand on pose la question de genre, ok, comment créer des quêtes, je pense qu'il y a une problématique de vision d'une majorité de personnes qui est de penser qu'une quête, c'est je parle à quelqu'un, il me dit quoi faire, je vais, je reviens, je lui rends la quête et j'ai dit j'ai fait. Yes. Ça, c'est la vision de la quête assez classique que les gens ont pu avoir, probablement par des MMO, par des jeux, par une façon simple d'écrire des aventures, des scénarios, des one-shots. Tu as un PNJ, il a un point d'exclamation jaune au-dessus de la tête, tu vas le voir. Après, je trouve qu'il y a, il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, qui sont, par exemple, une enquête, ce que je vais appeler, moi, un scénario d'enquête, qui est le cas, par exemple, quand je suis gardien sur Cthulhu. Mon scénario d'enquête ne veut pas dire que dedans, tu ne vas pas avoir des mini-interactions qui sont de l'exploration, qui sont bien de l'enquête, qui sont de l'assassinat, qui sont de l'escorte. Et c'est pour ça que je fais... Ces quêtes-là ne doivent pas être vues comme le début et la fin d'une chose précise, parce qu'elles se fondent dans une aventure et un scénario. Et c'est juste que nous, on va le prendre ce qu'on appelle des quêtes. En tant que MJ, j'aurais tendance à penser que c'est ce que nous, on va considérer comme des séances, des périodes, des choses qui vont être... genre là, j'ai envie qu'il y ait une partie de mon aventure qui soit plutôt une escorte, plutôt de l'exploration, plutôt... et après, on peut lier ces archétypes-là en faisant, par exemple, un dungeon crawler. Ça peut très bien être l'assassinat ou une enquête sur d'où vient le mal, l'exploration de cette tombe-là et trouver que c'est le nécromant et décider de l'assassiner. Exactement. À aucun moment, tu as eu la quête de l'assassinat en amont. Bien sûr. Mais la finalité, c'est ça. Et tu te rends compte qu'en fait, le nécromant que tu as compris vivait dans ces catacombes parce que tu les as explorés en amont et tu es remonté jusqu'à lui, tu le butes, tu récupères l'objet qui lui permettait de contrôler les morts-vivants et tu le ramènes à quelqu'un. À aucun moment, on t'a dit pourquoi. On t'a dit, mais
d'où viennent ces morts-vivants. Et toi, dans cette quête-là, tu as fait de l'enquête, de l'exploration, de l'assassinat, de la fetch quest, et pour un peu qu'en fait, l'objet en question, eh ben, ce soit, je sais pas, c'était un nécromant qui était contrôlé par un flagelleur mental, tu butes le flagelleur mental et tu ramènes le nécromant, et bah t'as fait les 5 archétypes de la quête dans une seule d'aventure, et ce n'est pas toi en tant que MJ qui l'a créé. Mm-hmm. C'est pas toi qui as créé plusieurs quêtes. C'est ces archétypes-là que tu as fait rentrer dans une seule quête. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de t'en parler un peu avant les drills, mais c'est vrai que pour moi, créer une quête ne répond pas à ces archétypes-là. Ces archétypes-là sont des outils pour créer et raconter une aventure. Et ça fait plaisir ce que tu dis, parce qu'en fait, je suis entièrement d'accord. Pour moi, en fait, il faut forcément différencier ce que j'appellerais la quête simple de la quête complexe. La quête simple, en fait, tu vas prendre un archétype. Tu as un objectif qui est vraiment borné et tu dois le réaliser. C'est, bah, typiquement, c'est ta quête à la World of Warcraft. Tu vas voir, bah, comme tu disais, tu vas voir ton PNJ, il te demande de tuer 15 loups. Tu vas tuer 15 loups, il te file 50 pièces d'or, fin de la quête. Tu peux faire ça, c'est un moyen de créer du temps de jeu, on va dire. Je trouve pas ça hyper intéressant, hyper stimulant, personnellement. Personnellement, quand j'écris, je suis toujours en fait dans la quête complexe, c'est-à-dire en fait exactement ce que tu viens de mentionner, Docrane, un mélange de tout ça. Tu commences, en fait, tu vas commencer avec une enquête. Ton enquête, elle va te pousser à explorer un endroit. Explorer cet endroit va t'amener à trouver un objet qui est convoité par quelqu'un qui va essayer de le chercher, et ça t'amène à détruire cet antagoniste. C'est comme ça que tu vas obtenir quelque chose d'organique, en fait. C'est en mélangeant tout ça, et c'est comme ça que tu vas obtenir quelque chose de stimulant. J'ai déjà souvent, en fait, à chaque fois que je suis là, quasiment, je parle de la règle de la trinité en jeu de rôle, à savoir que dans chaque séance, à l'échelle d'une séance, j'essaie de mélanger combat, RP et réflexion. Donc, soit une partie de choix moral, soit une partie d'énigme, vraiment une partie plus stimulante intellectuellement. En fait, de même, quand j'écris mes scénarios, je pars jamais du principe que, alors, je vais faire une quête où le but c'est de tuer un ennemi, ou ça, ou ça, ou ça. Je pars tout juste en fait d'une histoire, et en fait, dans cette histoire, je vais essayer d'imbriquer différents objectifs, différents moyens d'obtenir ces objectifs-là, comme tu viens de le dire, en fait. Et j'ai vu des scénarios qui étaient écrits de manière très simple, avec des gens qui se posent et qui disent, bah voilà, en fait, le but de mon scénar, c'est d'obtenir cet objet. Et du coup, bah en fait, il y a les PNJ vont voir ce PNJ-là qui leur dit d'aller dans ce donjon au fond duquel il y a une salle avec un boss, et derrière le boss, il y a cet objet-là. Et en fait, c'est très jeu vidéo, je trouve, et j'ai aucun problème avec ça. Si tu me dis d'emblée, bah, on va faire un dungeon crawler, on va combattre pendant 3 heures, raconter des blagues et fin de la séance, pas de problème. Je trouve que ça manque énormément d'intérêt, c'est pour ça que dans le titre d'une discussion, j'ai mis créer des quêtes intéressantes, parce qu'en fait, c'est là tout l'enjeu de ce soir, c'est comment réussir à organiser tout ça. Et t'en as parlé tout à l'heure, du coup, je vais te choper. Puisque tu m'as dit, ouais, tu peux mettre un PNJ avec le gros point d'exclamation au-dessus de la tête, tu vas voir, bonjour aventurier, avez-vous déjà trouvé le MacGuffin de Zarzaroth? C'est un moyen de le faire. 90% des scénarios qui commencent comme ça, j'avais envie de les brûler et de les manger ensuite. Parce que généralement, j'ai passé 3 très mauvaises heures de ma vie. Généralement. Comment est-ce que justement, toi, tu réussis à sortir de ça? Comment tu réussis à faire des accroches de quêtes intéressantes? Je trouve que c'est toujours la partie très compliquée. Tu sais comment ton groupe se connaît? Tu sais comment il s'est retrouvé là? Comment tu amènes la quête au groupe autrement que vous savez qu'il faut aller voir ce PNJ parce qu'il y a un contrat qui se balade sur un tableau à la The Witcher et que vous avez envie de récupérer vos 20 000 gold et du coup c'est marqué allez voir Alexandra, la fille du forgeron, et du coup vous y allez. Comment tu réussis à faire des accroches intéressantes toi, ou comment Trusu ou Flune proposerait des accroches intéressantes? On va monter notre quête ensemble. Bah, c'est quoi, je vous la ferai jouer après. Alors, le truc, c'est que bah, moi, du coup, je fais pas beaucoup MJ et j'apprends beaucoup de choses en vous écoutant parce que j'ai pas finalement grand chose à. Bah, par exemple, tout à l'heure, j'ai donné mon sentiment par rapport à la campagne et finalement, Docrane l'a fait plus placer justement. Moi, j'aurais pas. En fait, peut-être faire une quête intéressante et complexe, c'est ne pas présenter ça comme une quête déjà. Donc, éviter toute. Tout sentiment en fait d'être dans un rail, d'être en mode comme dans World of Warcraft, tu es qu'un sanglier, tu vas tuer tes sangliers, tu reviens, tu vois. Si jamais déjà on sort de ça et qu'on a le sentiment de liberté dans la quête, je pense qu'elle est déjà intéressante, peut-être. Enfin après, j'ai jamais besoin d'entendre dessus.
Interruption. Alors attends. Deux secondes. Il y a Recto qui veut intervenir juste avant. Il y a Dewald qui dit plein de choses intéressantes. Non, il va nous parler de Candle Keep. Ouais, non, mais il va nous parler tout court, c'est en soi une punition hein, de la part de Rectosis. Dewald qui dit, alors ce qui me perturbe, c'est que dans la liste des quêtes, il y a un mélange de motivation et de péripéties, donc escorte, enquête, exploration, c'est plutôt du comment, alors que fetch quest ou assassinat, ça va être du pourquoi. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a du vrai, je suis pas d'accord à 100%. Escorter un PNJ, c'est-à-dire faire en sorte que l'envoyé diplomatique chinois arrive au Japon en une seule pièce pour négocier. C'est aussi un pourquoi. Le but, c'est de pourquoi tu fais ça ? Pour que l'envoyé diplomatique arrive et négocie la paix. De même, explorer, ça peut être un pourquoi. T'explores. Pourquoi est-ce que tu explores ? Eh ben, tu vas explorer parce que tu as un souverain qui demande à explorer, à cartographier cet endroit, etc. En fait, tu peux avoir du pourquoi et du comment dans tous les cas. Ça dépend vraiment de la manière dont tu présentes la chose. Et dans tous les cas, tu peux avoir vraiment un scénario entier qui peut tourner autour de ça. Ma réponse au premier point. Alors, deuxième, comment créer des quêtes ou comment inventer des aventures complètes qui recoupent des activités variées ? Ou comment créer des activités intéressantes ? Avec un peu de chance, on aura le temps de parler des trois. C'est-à-dire que comment créer des quêtes ? J'ai bien dit comment créer des quêtes intéressantes dans le titre, il me semble. C'est-à-dire vraiment comment créer des aventures qui ne sont pas forcément complètes, mais en tout cas qui se suffisent en elles-mêmes, qui ne te laissent pas sur un sentiment de fin et qui proposent assez d'originalité pour que tu n'aies pas l'impression d'avoir joué module Roll20 gratuit numéro 489. C'est ça l'objectif. Qui est très mauvais ceci dit. Le 489, j'aime pas du tout. Horrible. Il débarque. Incroyable. Rectosis, si tu nous entends, tu es déjà là, mon dieu. Putain. Rectosis, t'attends jamais d'être invité. Il a déjà un pied dans la porte. Je vois pas de quoi vous parler. On est 14 juillet, je suis bourré. Non, plus sérieusement. Ok. Très bien, là je vais me mettre en mode alarme. Je suis prêt à le kick si tu dis une connerie. Plus sérieusement, alors en fait, même les quêtes les plus connes, par exemple le tournoi d'un PVP peut être rendu intéressant par le MJ. Ça veut juste dire en fait que vous avez passé du temps et de la dédication à justement améliorer l'expérience de vos joueurs en surpassant leurs espérances ou tout simplement en les surprenant. Donc par exemple, même une fetch quest débile de « il faut aller chercher 35 machins » et tout d'un coup, t'as genre un tournoi à la con dans le bled local de genre, mes 10 kilos de radis, ils viennent du bled local. Ça peut devenir en fait une fetch quest intéressante pour la manière dont tu vas gérer l'interaction. Et je vais reprendre une vidéo d'un youtubeur que j'aime beaucoup qui est Zibachou, ouais. Qui t'explique en fait comment faire du PVP intéressant où, typiquement, lui jouait un personnage qui était un warlock qui avait réussi en fait à corrompre un barde local et un adversaire local pour réussir à gagner des prix dans deux catégories de PVP. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas d'argent à la fin et du coup, il s'est retrouvé endetté auprès de ses deux PNJ et s'est retrouvé dans la merde. Parce que lui, il s'est dit, bon voilà, c'est fantastique, etc. Je vais réussir à niquer le game en réussissant sans faire mes jets de social. Du coup, en conséquence de ces jets de social, il avait tout de même une contrepartie à payer. Et je pense que c'est là-dedans que se trouve la qualité d'un MJ. C'est-à-dire que c'est dans la capacité à rendre ses fetch quests et ses quêtes de base, en fait, tout simplement, intéressantes en trouvant des éléments extérieurs qui sont liés naturellement à la construction du monde au sein de ce truc-là. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je vais rebondir avec deux choses qui viennent d'un autre youtubeur de l'année, qui n'est pas Zibachou, mais qui est Guy de la chaîne How to be a Great DM, que je revendique également mon cœur, elle est fantastique, et qui dit qu'en fait, c'est pas forcément le meilleur auteur du monde. Il l'admet. Et en fait, il dit qu'il réussit à créer des trucs vachement intéressants et vachement mémorables pour ses joueurs, parce que même si à la base son produit n'est pas forcément révolutionnaire en matière scénaristique, il a une capacité à adapter son écriture et son mastering au fil de la partie, ce qui le rend extrêmement organique aux situations. Donc, je vais juste mettre la chaîne How to be a Great DM. Tac, pour le check. Mets les deux, du coup, s'il te plaît. J'ai mis Zibachou, Recto. Déjà. Je l'ai pas encore parce que je suis en lag Corsica, tout ça. La connexion Corse. Et d'ailleurs, je dis bonsoir à Doc Rain que j'ai pas l'habitude de voir sur cette chaîne, mais que j'accueille avec grand plaisir.
Et Recto. Rectosis que nous souffrons tous les samedis après-midi sur Valkynia, que j'ai décidé de souffrir, mais jeudi soir à partir de demain sur Candlekeep, qui est un individu... Très bien les gars, j'ai encore 4000 points à dépenser en radio libre. Donc. Eh bien, dépense-les, tu es le bienvenu. juste avant que tu repartes, Recto, du coup, je vais rebondir encore sur ce que tu disais, que je trouve vachement intéressant. C'est que Guy, donc sur Autobio Great DM, dit que, en fait, il réussit à créer des histoires mémorables pour ses joueurs avec deux moyens. En subvertissant leurs attentes, leurs expectations. Alors, attention, parce que ça, moi, j'ai entendu ce refrain beaucoup joué dans Game of Thrones. Ouais. Il y a une partie des attentes que tu peux subvertir dans le but de surprendre, mais il faut quand même que tu aies réussi à créer une norme dans laquelle tu peux exister. Bien évidemment. Qui t'évite le syndrome Game of Thrones. Bien évidemment, encore une fois, utilisé avec modération et bien sûr avec intelligence. Ce qu'on vous dit là, c'est toujours adapté à vos tables, comme vous le sentez, c'est jamais à appliquer bêtement comme une recette de cuisine, et encore... Genre, si le but, c'est de faire des twists pour des twists, ça ne sert à rien. On sait que même la recette de cuisine, il y a toujours une certaine part d'interprétation qui est possible dedans. Donc, deux possibilités. Soit subvertir les attentes, c'est-à-dire... en fait, grosso modo, il donnait un exemple. Il a ses joueurs qui doivent aller purifier une église qui est dirigée par des nécromanciens, des morts vivants. Enfin... purifier une église. Il y a un de ces joueurs qui lui dit « Ouais, bon, allez, à tous les coups, il va y avoir plein de squelettes et de nécromanciens à buter qui ont désacralisé l'église. Ça va, ça fait 30 fois que je le vois. » D'un air un peu maussade. Guy se dit « Ah, ok, c'était en effet des morts-vivants et des squelettes de merde. Je peux pas le laisser parce que clairement, j'ai un joueur qui a déjà vu ce genre de plot 10 fois, qui vient de me le faire remarquer. Il va se faire chier. Honnêtement, je le comprends. Je l'avais pas vu comme ça quand je l'ai écrit, mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est très classique. Bah, tu sais quoi? En fait, l'église, à partir de maintenant, c'est un mimique. Et alors, en fait... Avant que tu répondes, alors, non, mais après, je suis sur ce qui s'est passé, là, pour le coup. Avant que tu répondes... Vas-y. Il a un monde où c'est possible que tu aies une église qui soit un mimique. C'est pas genre le plot twist pour le plot twist en mode tu ne t'attendais pas à ce que le roi soit en fait la reine, qui est en fait le diable, qui est en fait Santa Claus. Je m'appelle M. Night Shyamalan. Non. Surprendre pour surprendre, c'est de la merde. Faut que ça ait un minimum de cohérence dans le monde que vous avez établi avant. Mais si vous arrivez à surprendre en étant dans la cohérence du monde, c'est fantastique. Pour le coup, le joueur blasé. Et ça, je dis vraiment ça, si vous avez l'archétype du joueur blasé en mode... Ouais, ça fait 10 fois que je le vois, allez, vas-y, je vais tuer les nécromants, qu'on en finisse. Là, ça peut le ramener dans la partie. Il y a l'autre possibilité qui est au contraire de suivre les attentes des joueurs, même si elles ne correspondent pas à ce que tu as prévu à la base en tant que MJ. Et justement, autre exemple, alors je ne me souviens plus exactement, je reprends un truc similaire. Grosso modo, il a un joueur à sa table qui pense, qui n'arrête pas de réfléchir sur sa partie, qui est toujours en train de faire plein de plots dans sa tête. Un peu comme Truzuga sur Valkynia. Ouais, Dokkan. Non, il utilisait des conjectures, en fait. Il utilisait des conjectures, exactement ça. Ouais. Et qui est toujours en train de se faire plein d'histoires qui tombent à côté du plot 90% du cas. Mais t'as des moments où il se dit, tiens, mais ça, en fait, c'est mieux que ce que j'avais prévu de base. Oui, absolument. Et typiquement, je reprends la même situation, il envoie des joueurs vers une église, et là, t'as le joueur paranoïaque qui fait, hé, les gars, je suis sur l'église, en fait, c'est un mimique géant qui tue tout le monde. T'as tous les joueurs qui font, vas-y, arrête tes conneries, putain, c'est complètement con. Et là, il se dit, alors, à la base, j'avais 4 squelettes et un nécromancien de CR2 dedans. C'est quoi ? Mais si j'en faisais une colonie de mimiques. En fait, c'est un mimique géant avec une porte qui mange les gens quand tu rentres dedans, le tapis les avale, l'hôtel a une grande bouche. Et ouais, tu sais quoi, on parle là-dessus. Et ton joueur, il est vachement content parce qu'il se dit sur le moment, putain, j'avais trouvé, je suis trop fort. Les autres, ils disent, putain, c'est pas possible, c'est vraiment ça. Et ta quête de base de aller purger l'église, en fait, il y a 7 squelettes de zombies et un nécromancien dedans, ça se transforme en. Un an et demi plus tard, tu te souviens de la fois où on était allé purger une église en D&D avec ce mec, qu'en fait l'église entière elle a commencé à essayer de nous bouffer, c'était le boss, et les gars à la table à côté de la bière, ils vont faire « Ouais putain, je m'en souviens, c'était n'importe quoi », mais ils s'en souviennent. Et ça, du coup, c'est deux trucs pour terminer sur ce que disait Recto, et je vous donne la parole tout de suite, chers amis. Deux moyens très simples de partir d'une quête banale, sans forcément chercher un truc hyper compliqué, et t'adapter à ta table, en essayant soit de subvertir les attentes de tes joueurs, ce qui fait que ton joueur blasé va se dire « Ah, je m'attendais pas à ça !» Ou inversement, partir à 100% dans les conjectures de tes joueurs, ce qui fait que ton joueur qui est toujours en train de faire plein de propositions complètement what the fuck va se dire « Oh, super, pour une fois j'ai trouvé !» Il va être super content aussi.
Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des critiques à faire par rapport à ce que je viens de dire, à ce que Recto vient de dire, avant qu'on le banne dans les méandres de la dimension parallèle où on le retient prisonnier avant avec je, un site des anciens. Avant que je paye demi-pompon de points, il n'y a pas de problème. Moi, je vais revenir parce que du coup, ça fait le lien avec ce que je disais avec Trusu un peu plus tôt dans la soirée, qui était que du coup, c'est ce que j'appelle moi le MJ organique. C'est le MJ qui a son histoire, qui a sa trame, qui a déjà prévu des tenants et des aboutissants et probablement des retournements de situation. Mais il y a un moment, il y a un retournement de situation qui va être proposé par un joueur comme une conjecture un peu fofolle. Et toi, tu te dis, mais en fait, elle est plus intéressante. Ouais. Et en plus de ça, elle vient de l'esprit de mon joueur qui joue un truc. Lui, il n'a pas tout ce qu'il a, enfin, il a pas tous les tenants et les aboutissants. Il me propose un truc qui est hyper intéressant et intelligent. Utilisons-le. Ça, je pense que c'est vraiment important de l'utiliser. Et en l'occurrence, je suis d'accord avec ce que dit pas de Bachou, mais How to be a great GM, Guy, qui est que ça demande de l'expérience, ça demande de l'aisance, ça demande d'être très à l'aise aussi avec les tenants et les aboutissants de ton propre univers, surtout quand tu es sur du homebrew, qui est un peu plus compliqué quand tu fais une campagne officielle, du scénario déjà préécrit. Là où je trouve que ça a une... Pour revenir à comment créer des quêtes, c'est du coup, ça rejoint le contrat social de début qui était genre, ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous, dans ce groupe-là? Qu'est-ce que le groupe a envie de vivre? Est-ce que le groupe a envie de faire un scénario préfet? Est-ce qu'on veut écrire notre propre truc? Est-ce qu'on veut faire du homebrew? Est-ce que voilà. Et après, comment créer ta quête? Alors, Dewal en avait parlé un tout petit peu plus tôt, qui était genre, mais en gros, on mélange motivation, péripétie. Non, mais c'est juste qu'en l'occurrence, tu peux. C'est l'un et l'autre. Ce sont les deux, ce genre de choses. Mais par contre, tu peux très bien dire que toi, ta quête de base, ton aventure, ça va être une aventure d'assassinat. Le but. Ouais. Final de ton aventure, c'est de buter le boss ou de récupérer l'objet que le boss a. Si après tu mets en place dans cette aventure là des interactions de fetch quest, d'enquête, d'exploration, c'est important de faire les deux. C'est à toi de définir en amont ce que ta table et toi vous avez envie de jouer. Et ce que disait ça n'empêche Recto et les drills, c'est que du coup ça ne t'empêche pas de t'adapter en plein cours de l'aventure et de dire moi j'avais prévu une séance d'escorte ou d'exploration, en fait ils m'ont proposé un truc qui va pas changer mon donjon, mais c'est juste que mon donjon devient une quête d'assassinat, ça devient une séquence d'assassinat. Et c'est là où je rejoins ce que disait Dewal et ce que disait Ledry Directo, c'est que du coup, en fait, le but, c'est d'arriver à toujours t'adapter et à faire en sorte que tu veux créer au tout début puisse incorporer tout ce qu'on va t'envoyer, tout ce qui va sortir de ton cerveau, même sur le moment. Tu vas peut-être penser à un truc auquel t'as pas pensé pendant que t'écrivais ton truc, t'es là genre, mais en fait, ça c'est une super idée, viens, je fais ça. Ouais. Ou un joueur qui te le propose. Et d'ailleurs, c'est un truc bête qui est sur lequel je vais rebondir. On a ramené Rex aussi. Alors déjà, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup kiffé, c'est que tu mettes le doute chez notre clerc qui a mal pris ses notes sur est-ce que tout son clergé n'est pas corrompu. C'est comme ça que je gérerais la situation de. Ouais, bah oui. De trucs en disant putain, c'est une super idée. Et la manière en fait de ce sur quoi je vais rebondir à ce que dit Doc Ren, qui a beaucoup trop manqué à notre émission jusqu'à présent parce que je kiffe ce qu'il dit. Et qu'en fait, effectivement, la capacité d'un DM entre guillemets vétéran est censée être justement d'avoir vu suffisamment ces situations pour pouvoir être capable de s'adapter et de se dire ok, mon scénario à ce point là il est bien, mais si je prends l'idée de mon joueur et que je l'amenais un peu comme une fleur, tu vois, genre, est-ce que je prends le bourgeon qu'on m'a donné et j'en ferai une fleur. Et que je la travaille vraiment sur la longueur de ma campagne. Est-ce que ce serait pas mieux? Est-ce que j'en ferais pas un vrai kiff? Et partir vraiment dans le délire de ses joueurs, autant pour ses joueurs que pour soi, ça peut être une bien meilleure idée, surtout lorsqu'on a des problèmes en tant qu'auteur, puisque c'est souvent le problème qu'on a en tant que MJ. Et c'est vraiment profiter de la capacité de créativité de ses joueurs pour en faire des belles choses, quoi. Donc moi, c'est un tempérament que j'encourage énormément. De la même manière que je suis capable de rester en prise d'otage avec Trusu pendant jusqu'à 4h du mat, écouter ses théories fumeuses, parce que ça me fait kiffer en fait de tout ce qui sort de son esprit malade. Pas que mon esprit ne soit pas malade, loin de là.
Et Truzy, ouais. Vas-y. Ouais. Vas-y, non, je t'entends, Truzy. J'ai, parce que je suis très d'accord avec la vision du menu organique et tout, donc moi j'ai pas grand chose à ajouter à ça. Par contre, j'ai une question pour toi, Elidril et Actosis. À quel point est-ce que mes théories malades ont influencé votre Faut pas lui répondre, faut pas lui répondre. Je peux pas te répondre, mec. Non, mais vraiment, c'est autant pour toi. C'est très bien que je peux pas te répondre. Okay, okay. En fait, à la seconde où je te dis, bah, c'est pas ce que t'as dit que l'église était un mimique, que c'en est devenu un, ou que je te dis, c'est pas. Alors, c'était déjà un mimique de base, ça va casser tellement de choses. Je peux pas faire ça. Non, mais je. Alors, je peux lui répondre parce que la campagne fumeuse est terminée. Donc, je vais lui raconter par rapport à la campagne fumeuse qu'on a eue ensemble. C'est-à-dire la tienne de campagne, Recto? Ouais, celle qui est décédée. Alors, après, ça, la rigueur, je vous laisse garder ça peut-être pour les MP. Je sais pas si ça intéresse tout le monde. Parce que je pense qu'elle est intéressante pour les joueurs autour. Dans la campagne qu'on avait joué avec Truzu et les Drills, etc., ouais, qui était hors stream. Ouais. J'ai rajouté un village, j'ai rajouté une séquence d'événements et j'ai rajouté toute une plotline, donc toute une série d'histoires, par rapport à la théorie qu'il m'avait fait sur le background de son perso. Et tout ça était à rajouter à la volée, j'ai même inséré sa musique des séances 5 parce que je pensais que c'était approprié, parce que je me suis dit, putain, cette histoire elle est folle, j'ai envie de la suivre et j'ai envie de la voir aboutir. Et donc en tant que MJ, je me suis dit, c'est extraordinaire, vas-y, on va prendre ça. On va faire ça et on va l'embellir comme on peut en tant que MJ. Ok. Ok, ok. Bah, ça me semble pas mal comme façon de faire, effectivement. Alors... Mais c'est là que tu vois que les Drill et Doc Rain sont des MJ vétérans parce qu'ils ont l'habitude de gérer ce genre de merdier. Après, ouais, faut pas avoir peur de partir en route, quoi. Mais c'est vrai que moi je dis amen à ce qu'a dit Docrane tout à l'heure, c'est que pour moi le jeu de rôle, c'est un truc. En fait, c'est pour ça que je fais du jeu de rôle au lieu de lire à lire ou de faire du jeu vidéo ou quoi que ce soit ou de regarder un film, parce que pour moi c'est une écriture qui est fondamentalement participative. Tu viens pas pour raconter une histoire, mais en fait tu viens pour proposer des éléments d'histoire qui vont être mis dans un saladier avec les éléments que vont apporter les joueurs et voir en fait à quoi va ressembler le gâteau quand il va sortir du four. Et moi, c'est pour ça que le feedback est important, en fait. Ouais. Parce que lorsque t'as du feedback, en fait, t'as des fils d'histoire qui sont rajoutés, généralement affinés par les joueurs. C'est ça. De qu'est-ce que eux ils attendent. Et toi, tu vas pouvoir tisser autour de leurs attentes ou autour justement de ce que disait justement A2B/DM, de justement aller à l'encontre de ces attentes pour fournir une histoire derrière qui est liée à leurs attentes. Yep. Je vais dire deux choses. Pour ça que ouais, moi un peu comme Dokren, je pense que quand j'ai un joueur qui me filme une page blanche en mode tabula rasa, tu fais ce que tu veux avec pour un personnage, ça me frustre parce que en fait j'ai pas envie d'écrire un PNJ qui va être joué par quelqu'un. Moi j'ai envie d'avoir un joueur qui vient avec son histoire, ses idées, ses passions et de voir comment avec lui je peux bricoler un truc qui nous intéresse tous les deux. En fait, parce que comme ça dit Dokren, c'est contre les prétirés, attention. Ouais, bien sûr. Non, t'as bien raison. C'est... Alors attends, ouais, vas-y. Non, mais t'as raison de les mentionner parce que. Attends, laisse Docrin répondre. Je précise parce que c'est pas pour autant qu'on est contre les prétirés. C'est important de comprendre que ta capacité et tes compétences, tes skills, tes stats, tout ce que tu veux, c'est. Rien à voir. Pour moi, tu peux les créer en même temps que ton background, mais tu peux très bien dire je prends les stats et je crée mon background par-dessus. C'est pour ça que j'ai dit que je fais la précision. Ouais, non, mais t'as raison, j'ai rien contre les prétirés. J'en suis pas fan parce que j'aime bien que mes joueurs viennent avec, mais j'ai rien contre, surtout pour des joueurs débutants. C'est vrai que je suis plus dérangé par la page blanche, quoi. Truc que je voulais dire pour rebondir sur ce que disait Recto, qui était très important, c'est que justement, en fait, créer une quête intéressante, créer un scénario, une histoire intéressante de manière générale, JDR, pas JDR, tout ce que vous voulez, en fait, ça va reposer sur deux choses. Les attentes que tu vas subvertir et les attentes que tu vas réaliser. Et c'est un mélange des deux qui fait, selon moi, que tu vas avoir une histoire intéressante. Si... Tout ce que t'écris, c'est juste « Ah bah j'ai trouvé ça dans un film, j'ai trouvé ça vachement intéressant, je vais faire la même chose » et du coup tu attends exactement ce qui va se passer ou tu reprends, c'est le mythe, tu reprends les grands mythes et tu réécris les grands mythes, les grands films, les grands écrits, tu rentres dans les attentes, tu réécris le conte du Graal, tu sais ce qui va se passer, c'est bien en soi. Respecter les attentes, savoir ce qui peut se passer, avoir justement du feedback positif quand tu dis « Ah mais je connais un peu cette histoire-là, à mon avis il va se passer ça », c'est satisfaisant intellectuellement. Inverse, de même, l'autre extrémité est pas bonne non plus, c'est-à-dire qu'en fait, quand t'écris juste pour subvertir les attentes,
un peu façon dernière saison de Game of Thrones, puisque vous en parliez, en mode ouais, alors justement, ils s'attendent à ça, alors on va faire ça. Ils s'attendent à ce que ce personnage fasse ça, alors on va faire ça. Ils s'attendent en fait à ce que le twist ce soit ça, mais en fait, on va faire le contraire. En fait, quand t'es en train d'écrire uniquement contre ton auditoire, contre ton lectorat, ça devient chiant vite fait, parce qu'en fait, tu crées un rythme, qui est juste le rythme contraire, mais qui est que bah, je m'attends à ce qu'il se passe ça. J'ai compris que le mec voulait clairement ne pas rentrer dans mes attentes, donc je vais prendre le contraire. Ah, bah voilà. Je m'attends à ce que ce personnage soit mort, mais en fait, il a envie. Je vais dire pourquoi c'est plus grave de mon point de vue, en rebondissant tout de suite. Ouais, vas-y. En disant que, en fait, t'as créé des fils narratifs. Ouais. Qui vont de point A à point 20, on va dire. Enfin, de point 1 à point 20. Ouais. Et t'as juste décidé, en fait, de les prendre à contre-temps à partir de point 21. Ce qui est irrationnel dans le récit, en fait. En plus. Et du coup, le joueur qui a pris le temps de faire la recherche, de travailler vraiment ton lore, parce qu'il l'a pris avec appréciation. Et je pense que Dothrain pourra parler de ça, parce que justement, lui, c'est un homme qui aime bien faire des descriptions détaillées et du travail détaillé au niveau de son lore building. Et du coup, en fait... Uniquement pour ceux qui sont fans d'architecture. Pas que, parce qu'une architecture, pour moi, c'est une histoire. Mais donc... Recto. Ouais. Tu travailles tout ce point-là, du point 1 au point 20, et tout d'un coup, t'arrives à point 21, tu dis « Putain, c'est trop prévisible, ça me fait chier. » Bah non! Parce qu'en fait, ça veut juste dire que ton joueur qui a pris l'attention du point 1 à 15, il a raison. C'est le mec qui a suivi ton histoire de A à Z. Il a raison de trouver la conclusion en fait de cette histoire. Et de l'apprécier ouais. pour ce qu'elle est. Pour le fait que épisode 9 sur une histoire de 140 sessions, t'as décidé de mettre ces éléments et de ouais. les ancrer. Je suis d'accord. Et pour moi, ça c'est une force. Pour moi, tu dois mélanger les deux. Pour moi, c'est hyper important que le joueur qui suit, en fait, ait justement ce feedback positif de... Ah bah en fait t'as suivi le scénario, t'as suivi la cohérence, t'as pris tes notes, ou du moins t'as une bonne mémoire de ce qui se passe, tu t'y intéresses, et du coup t'es capable d'anticiper un petit peu ce qui va se produire. C'est très plaisant, et c'est une bonne chose. Cependant pour moi ça doit pas être ça vraiment de A à Z, parce qu'en fait si de A à Z t'as tes joueurs qui sont toujours dans l'expectation de ce qui va se passer, et t'arrives jamais à les surprendre, en fait t'as une campagne qui va leur donner du feedback positif sur le moment, qui va leur faire plaisir sur le moment, mais qu'ils auront oublié deux semaines après l'avoir joué. Parce c'est que basiquement, tu crées du twist, mais il faut pas que toute ton histoire soit un twist en fait. Alors faut pas que l'histoire soit juste une succession de twists. Inversement, faut pas que l'histoire justement n'ait pas twist ou ait des twists extrêmement prévisibles. En fait, c'est exactement comme tu écris un film, une série, et l'idée c'est que le fond de ton histoire et de ta narration. Alors c'est encore plus vrai par exemple quand tu fais de ce qu'on appelle pour les gardiens de Cthulhu par exemple, il y a des twists c'est sûr, mais ton enquête elle est déjà écrite, il y a des tenants et des aboutissants, quelqu'un qui prend des notes et qui fait un suivi aura plus tendance à comprendre et à faire les liens entre le point A et le point B sur des scénarios d'enquête par exemple, c'est beaucoup plus simple. Scénarios comme le Donjon et Dragon, ça peut être un peu plus compliqué, parce que, mais en même temps, tu as aussi la capacité de pouvoir t'adapter, à mon sens, 10 à 100 fois plus avec Donjon et Dragon. C'est le cas aussi pour Warhammer, tout ce genre d'univers un peu médiéval fantastique. Là où, par exemple, Vampire, les twists sont un peu plus... ça, c'est parce que c'est à cause de la construction de l'univers. Les secrets de finir, s'il te plaît. Absolument, c'est la construction de l'univers. Mais ça ne veut pas dire que, pour moi, je considère que quand bien même tu sois dans Cthulhu, dans Vampire, dans D&D, dans Warhammer, dans Pavillon Noir, parce qu'on en a joué il n'y a pas très longtemps, et, il faut que, s'il y a un twist, il faut qu'un joueur qui t'était attentif, et que si tu as donné des idées, des indices en amont, il faut que tu tiennes à ce twist. Si jamais c'est un twist qui arrive pour remettre l'aventure en route, et c'est là où tu peux utiliser les conjectures de tes joueurs, ou une idée de sortie de ton cul à l'instant T, quand bien même tu aurais écrit en amont, c'est là où ça devient intéressant et important. Mais tu ne peux pas, les twists ne peuvent pas être réécrits pour s'adapter à des indices déjà laissés. Et c'est pour moi la différence, par exemple, des twists de Game of Thrones, à l'inverse des twists à la Arsène Lupin, ou à la Hercule Poirot, à la Agatha Christie, ou genre là, ces twists-là sont des twists qui sont écrits en amont. Ouais. Et si tu relis le bouquin comme des Sherlock Holmes, les indices sont là. Et quand tu le relis une deuxième fois, tu as une deuxième lecture qui devient extrêmement plus intéressante. Tout à fait. Dothrain, je t'aime. Mais donc, pour rebondir là-dessus. Parce qu'effectivement, même un twist doit être préparé en tant que twist. Ça doit pas être un truc que vous sortez de votre cul.
ça doit être un truc qui doit avoir une rationalité que les joueurs peuvent comprendre à un instant T. Et je vais prendre un exemple des 7 petits nègres. Je sais plus si c'est les 7 petits nègres d'Agatha Christie. Ouais. Qui est l'un des twists, je sais plus si le nombre est le bon. Alors, c'est, il me semble que c'est 13. 13 petits nègres. Non, 10, 10 petits nègres. 10 petits nègres. C'est 10. Mais je suis en train de me dire, les 7 petits nègres, c'est un mix entre Blanche-Neige et... Désolé. C'est ça. J'ai 2 bouteilles de rosé, 2 minutes de... Non, ouais, 10 petits nègres d'Agatha Christie, du coup. Ouais, ouais, donc, c'est ça. 10 petits nègres, 10 petits nègres d'Agatha Christie, qui en fait finit sur le twist. Je suis désolé pour tous ceux qui ne l'ont pas lu. Alors, je rappelle, alors rapidement, Agatha, les 10 petits nègres, t'es sur une île, il me semble bien, il y a 10 personnes qui se retrouvent, qui commencent à mourir les unes après les autres, le but est de savoir en fait qui est le meurtrier, et t'as un twist fantastique à la fin. C'est ça. Je suis pas sûr que tu veuilles le spoil, je vois que Fluin a déjà enlevé ses écouteurs, Recto. Je vais me mettre en mute casque. Tous ceux qui ne veulent pas spoil, je laisserai du coup les drills faire le signe de 3, 2, 1 lorsque c'est terminé. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez couper vos écouteurs. Je baisserai les mains. Voilà. Donc, tout le twist basé sur un élastique de monocle. Voilà, tu peux balancer le 3, 2, 1. C'est bon, t'as fini avec toi ? C'est bon. Est incroyable parce qu'il finit comme un fusil de Tchekhov. Donc c'est-à-dire que c'est un élément qui est déjà intégré, qui existe déjà à l'intérieur de l'histoire. Ouais. Et qui du coup, dans toute sa capacité formidable, est applicable à l'intégralité de l'histoire et à te dire « Merde, si je relis toute cette histoire, tout est bon. » C'est ça. Et c'est un twist qui est inscrit comme un fusil de Tchekhov. Ouais. C'est ça, c'est ce que je te disais un peu plus tôt. C'est-à-dire que du coup, ton twist, si tu laisses des indices qui peuvent le laisser découvrir, il faut que tu laisses la chance à tes joueurs de le découvrir. Et ça veut pas dire pour autant que tes indices peuvent très bien pointer du doigt autre chose, une nouvelle idée, une conjecture qui va t'être proposée par un joueur en te disant, bah, en fait, sa conjecture n'est pas mauvaise et elle va en devenir la réalité. Alors ça je le comprends très bien, Docrane. Moi je parlais plutôt du second cas que tu mentionnais, qui est que tu peux improviser un twist tant qu'il fait sens avec l'univers que tu as déjà mis en place. C'est ça, absolument. Qui est que à instant T tu te dis, ok, cette histoire est trop prévisible, ça fait chier tous mes joueurs. Mais y a pas de problème parce que outre l'histoire que j'ai déjà mis en place, il y a un autre fusil Tchekhov que je peux activer. Et tout d'un coup, changer drastiquement la vision et la narration qui est appliquée dans mon histoire. Alors, je rappelle ce qu'est le fusil de Tchekhov. On en a parlé dans les dernières discussions précédentes. Je sais plus sur quel sujet. J'aimerais que toi, ça te revient, tu me diras. Ou les autres. Le fusil de Tchekhov, c'est une technique de cinéma qui consiste à dire que, en fait, si tu places un fusil dans la scène d'ouverture de ton film, eh bien, il faudra réutiliser ce fusil dans une des scènes, à un moment du film, peut-être dans l'épilogue, et que, en fait, tout ce que tu utilises, tous les personnages, tous les objets que tu as vraiment bien présentés à la caméra doivent avoir une utilité à un moment dans le film. C'est une vision vraiment qui est purement opportuniste, on va dire, purement efficace. Si tu montres un fusil à un moment, rien ne doit être gratuit. Si tu montres un fusil à un moment, ça veut dire que ce fusil aura une utilité dans le futur de ton film. C'est ça ce qu'on appelle le fusil. Sachant que, là encore une fois, je vais le nuancer comme toujours, des gens comme Docrane ou comme Edril qui sont capables de faire de la description au plus haut point, chose que je suis incapable de faire parce que pour moi la description passe principalement par mes PNJ. Démon. Du coup ces gens-là ont une capacité à décrire en fait énormément d'éléments, un peu à la Balzac si je puis me permettre. Je le prends bien. Quitte à vous donner des fleurs. Hein. Et du coup cette description va leur donner énormément d'éléments avec lesquels jouer de manière à réaliser ces fusils de Tchekhov lorsqu'un twist est nécessaire. T'aurais dit Dumas, je l'aurais mal pris, mais Balzac, ça va. Et ça va vous donner, en fait, des ressorts naturels sur lesquels vous posez. Alors attention, je ne dis pas que la description, dans le moindre détail, est la qualité d'un MJ. C'est faux. Je dis que la description mesurée, qui vous permet de rebondir à n'importe quel élément qu'un joueur vous donne, est quelque chose d'incroyable, et quelque chose dont vous pouvez vous servir, justement, pour créer ces twists. J'ai joué à des JDR diceless avec ou très peu de diceless sur des systèmes personnalisés. Et on avait un système, par exemple, pour récompenser un personnage qui faisait du bon RP. Vous allez voir où je vais en venir.
Ça a pu m'arriver. Dans Donjons et Dragons, je le fais pas parce que dans Donjons et Dragons, je fais du MJ avec du leveling par palier. Je donne pas d'XP. Mmh. Mais si j'étais dans une campagne avec pur XP, je pourrais dire quelqu'un qui fait un bon RP, je lui donne de l'XP. Ce JDR-là, on le faisait aussi quand quelqu'un avait fait une conjecture, avait une idée en disant bah, écoute, moi en fait, je pense que voilà en fait ce qui se cache derrière, voilà la trame profonde. Et c'est arrivé que le MJ nous dise bah vas-y, est-ce que tu penses que c'est ça? Et je dis bah ouais. Si jamais tu avais raison, tu étais récompensé. Parce que ça veut dire que tu avais bien relié entre eux, point A, point B, tu avais fait des conjectures qui étaient intelligentes et qui rentraient dans le truc. Si jamais c'était pas le cas, en l'occurrence, tu pouvais perdre aussi de l'XP, c'est-à-dire que tu avais fait une conjecture qui était complètement à côté de la plaque. C'est un peu donnant-donnant, c'est un peu du gamble, et je trouvais ça extrêmement intéressant, et ça poussait un petit peu les joueurs qui n'étaient pas dans la volonté de gagner de l'XP juste par le combat, mais plutôt de gagner par l'interaction sociale, par le fait de réfléchir au scénario, s'intégrer à l'aventure et s'investir de l'aventure différemment d'un joueur un peu plus jeune, un peu plus novice, entre guillemets, pour lequel les règles de base, en fait, il était encore en train de les incorporer, là où un joueur vétéran était là, genre, bah, moi, mon intérêt, je le trouve plus loin, dans la plus grande profondeur de l'aventure. Ça ne veut pas dire que les nouveaux joueurs n'étaient pas capables, ou qu'on leur laissait pas la possibilité. Ouais, c'est peut-être un bon truc, notamment si j'ai... Alors, je sais pas comment c'était dans le système, mais si c'est asymétrique, c'est-à-dire que... trouver une bonne... parce que ça peut être super compliqué de trouver exactement ce qui va se passer. Et si du coup, trouver ce qui va se passer, ça donne beaucoup plus de XP, entre guillemets, ou n'importe quelle conclusion, que le fait de mal deviner te fait perdre de l'XP, tu vois. Si là, faut que ça s'équilibre. Après, ouais. Je sais pas, c'est un truc que j'ai joué pendant 15 ans et j'ai jamais eu l'impression de perdre de l'XP vraiment. Non, en vrai, c'est un truc qui marche pas mal, je pense, que j'ai pas eu l'occasion de tester, voilà. Mais dont j'ai eu que des bons retours, que ce soit sur les forums, les Reddit, les trucs comme ça. Je vais recentrer un peu sur le sujet du coup de la quête. Alors, est-ce que Flune ou Trusugal, parce qu'on approche de minuit, aimerait dire des choses en tant que joueur ou en tant que MJ? Comme ça, ça me laissera le temps de lire la Bible de Dewal. Dewal qui a juste tout écrit sur un TXT, qui a juste copié la maison. Alors, Flune, Trusu, ouais, vous en tant que joueur, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter dans votre recette pour faire une quête qui vous va vraiment vous parler? Pour moi, je veux dire vite fait, moi j'aime juste quand dans la quête j'ai pas l'impression d'être sur un rail, c'est tout. J'aime pas quand il y a. J'aime bien quand il y a un peu de liberté, quand on a au moins un sentiment de liberté. Mais je sais que c'est pas toujours bien d'être, même pour le MJ, d'être toujours en mode extrêmement libre et tout. Mais j'aime bien en tant que joueur me sentir dans un monde où on est libre de nos choix, tu vois. Ça, c'est un truc qui. C'est presque le seul critère en fait. Après, je fais confiance à mon MJ pour me faire des trucs intéressants en termes de plot. Si c'est pas intéressant, bah tant pis, c'est comme ça. Ce qui est juste important, c'est ton sentiment en fait. C'est pas tant la réalité. C'est-à-dire que tu peux être sur un rail si t'as l'impression que genre c'est ton choix. Bah, c'est, en fait, si. Bah en fait, si c'est bien fait, si c'est bien décrit, bien amené, c'est déjà arrivé dans certains cas, je sais que c'est possible en fait. C'est, par exemple, dans des one-shots, ça arrive, qu'un one-shot, c'est très direct, il faut arriver à un point A. Par exemple, je prends des Cthulhu de délai, celui-là on était au Chili, je crois que c'était Chili, non, au Mexique. En fait, on se baladait dans la ville partout, on a fait des conneries et tout, mais au final, on était toujours sur le même arrêt, on arrivait à la quête à la fin, on a duré exactement les 40 séances, c'est ça, et j'ai trouvé ça génial dans cet aspect-là. Est-ce qu'on était tous toujours sur le même rail? Non, mais toi, t'as jamais été sur le rail, toi, Recto, t'avais un hors-bord à côté, t'étais sur un hors-bord qui était parallèle au monorail, tu vois. C'est ça. Je vais faire une petite chicane. Pour le coup, avec toi, c'est l'illustration parfaite de ça. Il a fait complètement un truc. En fait, il jouait un mafieux à ce moment-là. Il est parti complètement. Il s'est séparé du groupe dans un one shot. Hein. Il a resté 30 minutes pour essayer d'intimider un type dans un canyon. Et en fait, malgré tout ça, malgré toutes ces petites divergences, eh ben on a réussi à retomber sur le point, à finir la quête, et c'était super comme séance. Et j'ai pris du bon pied, alors que je savais pertinemment que c'était un rail. C'est juste que j'avais le sentiment d'être libre, et c'est tout ce qui comptait pour moi. Donc ouais, toi, t'as le besoin d'avoir le sentiment d'avoir un minimum de liberté, et tu fais confiance à ton MJ pour te guider
Bah, pour avoir, et pour pas, pas t- et pour que même ça parte te remettre sur les rails. Non, mais même pas forcément remettre sur les rails, c'est éventuellement moi ça m'est, tu sais, ça m'est déjà arrivé et il me semble je me souviens, je te l'avais dit je crois quand j'étais sur ta campagne recto. En fait, au besoin de littéralement déformer les rails. C'est-à-dire que si tu vois que t'as ton joueur qui est complètement parti hors rail mais qui est en train de s'éclater, récupérer le rail, c'est le tourner pour faire en sorte que la piste que prend ton joueur t'emmène quand même à l'épilogue de la quête et que tout le monde continue de s'amuser. Que t'avais pas à dire à tes joueurs, non mais là, arrêtez vos conneries, maintenant revenez parler au PNJ important, c'est ça qu'on doit faire. On évite. Mais quand même, donner une conclusion à ton histoire et pas juste au bout de 4 heures finir par bon allez, on s'est bien amusé, vous avez jamais commencé la quête, on s'en bat les couilles, bonne soirée à tous, ce qui est dommage aussi. Trouver un moyen pour faire en sorte que bah, si tes joueurs ils ont décidé de pas du tout aller au baraquement, là où ils doivent rencontrer le PNJ de la quête, et qu'ils ont eu envie d'aller au marché pour déconner entre eux, faire les boutiques, bah, ton PNJ, personne sait qu'il est forcément tout le temps au baraquement H24, tu le chopes, tu le mets au marché, tu déformes ton rail, et en fait tes joueurs continuent de s'amuser, restent dans la même dynamique, mais toi en tant que MJ, tu les guides, sans leur mettre une tape sur les mains en disant c'est pas bien ce que vous faites, pour continuer quand même ta quête, tu feras probablement pas ce que tu avais prévu, mais le but c'est que tout le monde continue de s'amuser, d'avoir une conclusion à ton histoire, et tout le monde sera content. Est-ce que, Eledril, tu te rappelles de ton souffle du dragon? À l'aide, oui, je m'en rappelle de cette chose. Le connard qui avait bouffé trop d'épices parce qu'il était en train de prendre 40 minutes sur mon marché. Et ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est que tu vois que ton joueur, il se tape un kiff à interagir avec ton monde, tu l'autorises à interagir avec ton monde, tu donnes des récompenses pour avoir interagi avec ton monde parce que d'un côté, toi, t'as kiffé, lui, il a kiffé. Je rappelle qu'à la base, c'est surtout deux échecs critiques de survie pour trouver les autres qui m'avaient abandonné et que j'ai fini sur le marché aéré pendant une journée. T'as décidé de bouffer les épices, on s'en fout. Et qui du coup, en fait, te font revenir sur les rails, parce que de toute façon, le MJ a prévu un plus grand sens des choses. Donc, les PNJ se font coffrer, ils vont découvrir ce PNJ mère. Ces PNJ se font pas coffrer, enfin, les PJ se font pas coffrer. Et bah du coup, ils vont pouvoir interagir naturellement avec un PJ que t'avais prévu. Parce que de toute façon, il y a une quantité de choses limitées que t'as prévues dans la ville. Parce que Dieu soit loué, les MJ en fait ne sont pas réellement Dieu et ne sont pas capables de prévoir chaque instant, chaque minute ce qui se passe sur le marché, le Forgelol, etc. Alors, bien sûr. Je suis un connard qui improvise 50 PJ par ville. Hein. Ça, je le dis. C'est pas le cas de tous les MJ. Dieu soit loué, j'espère pour eux. C'est juste que moi, je suis incapable de faire du world building constructif comme le font Dokraine et les Drills, c'est-à-dire que je suis incapable d'imaginer la gueule d'un bâtiment. Mais par contre, avec ses multiples personnalités, est capable de faire net 10 PJ en chier toutes les deux minutes. Alors là, on s'éloigne de ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que même ces PJ vont te ramener à la quête de la même manière qu'une architecture va te ramener dans un sens global. Par exemple, lorsque Dokraine fait 30 minutes d'exposition d'une ville à ses habitants, en fait, il donne une importance à chaque quartier, il donne une importance à chaque ruelle. Et tout son monde est très très bien construit. Lorsque Eledril t'explique les toits d'or qu'il y a dans sa capitale Postari, c'est parce qu'en fait déjà ça te permet de faire voir une espèce d'abondance recentrée sur la capitale, mais aussi que tous ces toits d'or mènent à un seul bâtiment qui est le Capitole dans lequel vit l'empereur. Et ce sont des moyens en fait de faire de raconter une histoire assez simple par l'architecture qui sont très efficaces. Moi je la raconte par mes PNJ parce qu'en fait je préfère dialoguer avec mes joueurs. Ça c'est un choix. Du coup, je vais me permettre de rebondir sur ce que tu dis et je vais conseiller à tous ceci. Appel de Cthulhu version Gumshoe. La raison pour laquelle je vous la conseille, Gumshoe, c'est parce que pour moi, c'est un des systèmes d'écriture que j'utilise énormément parce que je fais beaucoup d'enquêtes, c'est vrai, mais pour d'autres raisons. Il est que, et ça revient à ce que disait Recto, qui est que genre, si jamais tes personnages font quelque chose, ils vont trouver ça, mais si jamais ils ne le font pas, qu'est-ce qu'ils trouvent à la place ? Le système Gumshoe, c'est dire qu'il y a plusieurs points d'indice, et que ces petits points d'indice-là, tu leur donnes une possibilité d'être trouvé quelque part, mais il ne faut pas que ce point-là ne soit disponible qu'à cet endroit-là, précis. Ouais. Parce que s'ils le loupent, ça veut dire que tu ruines ta campagne et tu ruines leur fun. C'est ça. Il faut leur donner pour le trouver ailleurs. C'est et en ça. L'occurrence, c'est ces points d'indice-là, qui peut être, pour moi, j'utilise beaucoup quand j'écris mes aventures, mes quêtes, mes séquences, ce genre de choses, pour répondre à des walls, qui est que, genre, à chaque séquence, il faut que l'aventure avance, au moins un minimum, pas complètement, parfois par plus grands pas que d'autres,
mais que si jamais il loupe quelque chose dans cette séquence-là, parce qu'il décide de tuer un PNJ au lieu de l'interroger, parce qu'il décide de brûler une maison au lieu de la fouiller, parce qu'il décide X raisons, il faut que cette information-là soit disponible à un autre endroit ou d'une autre manière pour continuer leur avancée et leur évolution. Et je vais rebondir à ce que tu viens de dire, parce que moi je trouve ça toujours extraordinaire. Il est simple en fait, déjà de manière générale, lorsque vous êtes MJ, vous êtes les plus écolos du monde. Ne vous emmerdez pas à faire 3 tonnes de trucs pour faire 3 tonnes de trucs. Et tout d'un coup, hop, les PJ s'éloignent de votre quête et vous êtes complètement paumé. Le recyclage est le meilleur outil du MJ. Feignant. Du MJ vous feignant. Avez... Même pas feignant, du bon MJ. Ah. Vous avez déjà des éléments de quête, vous pouvez les replacer quelque part d'autre. C'est pas très grave ce qui s'est passé ouais. à l'instant T. J'ai envie d'avoir la réponse de Docrane, j'ai pas le choix. Et vous faites justement ce... Vous... Les joueurs ne s'en rendront okay. pas compte, et c'est pour ça justement que je dis Trusu, c'est pas grave. Parce qu'en fait, les joueurs ne s'en rendront pas forcément compte. Vous allez toujours avoir une conséquence et un résultat à ce que vos joueurs ont fait lorsqu'ils ont fait de la merde. Mais l'information leur sera toujours accessible de manière à ce qu'eux-mêmes puissent la résoudre, en fait, tout simplement. Et il est nécessaire pour tout bon MJ de faire du recyclage. Alors le recyclage, j'entends pas par là du recyclage abusif, de mettre 10 fois le même PNJ en mode infirmière Joël de Pokémon ou officier Jani, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ça ne sert à rien. Mais par contre, pour tout ce qui est clé, vous devez avoir un PNJ qui, même d'une manière différente, va l'exprimer la même chose, ou une architecture qui va donner les mêmes informations par des parchemins de la même manière, à un autre endroit. Et ce recyclage permet justement de créer un tout structurel qui maintiendra votre intrigue, mais qui fera quand même plaisir à vos joueurs. Mais du coup, Trusu, Doctrine... Allez-y, attaquez-moi, je suis prêt! Non, je suis pas d'accord avec le terme recyclage. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas du recyclage. Alors, pour toi, c'est quoi à ce moment-là? Et bon, je vais vraiment essayer de concret. Non, je vois qu'il y a Kev aussi qui veut donner son... Parce que Trusu expliquera peut-être mieux ce que je voulais dire. Mais Moi, en fait, je voulais avoir la réponse de Kev, parce que justement, en fait, moi, j'aime bien ce que dit Recto, mais moi, c'est quand tu as dit le MJ feignant. C'est quoi, du coup? En quoi est-ce que c'est être un MJ feignant et selon toi, qu'est-ce qu'il y a à gagner à être pas feignant du coup? Et c'est alors, quoi la... On disait ça, je disais ça plus en troll de dire le MJ feignant. Parce que ouais, non, mais je sais bien. On considère que si ton groupe s'amuse, il n'y a pas de MJ feignant, on s'en fout, la finalité est que vous avez passé un bon moment et c'est le principal. Réutiliser des trucs déjà utilisés, il y a un moment où tu y arrives. Genre que tu le veuilles ou non, et je pense que je l'ai beaucoup fait. Dewal qui est dans le chat pourra me le dire, puisque il a fait une séance de Cthulhu avec moi et d'un autre jeu de rôle ensuite, et il m'a dit qu'il y avait des similitudes entre deux types de personnages. Ouais. Donc ça prouve qu'il y a un moment où tu réutilises des trucs que tu sais qui fonctionnent. Donc ça, pas de problème. Tu peux appeler ça du recyclage, peut-être. Après, ce qui est important, et je rejoins ce que dit Recto, c'est-à-dire que tu crées des clés pour ton histoire, ces clés-là, si elles ne sont pas utilisées à un moment, c'est là où tu vas les réutiliser, parce qu'elles ont été loupées. Mais c'est pas du recyclage. C'est juste que tu les avais déjà prévues en amont, et qu'au lieu de les récupérer à un endroit, tu les utilises autre part. Oui, Dewal, c'est quand tu m'as parlé de Arlan Petit, et de... quand je vous ai fait un... sur un autre JDR, c'est pas grave. Toujours est-il que ces clés-là, tu les as créées en amont, tu peux les réutiliser comme bon te semble dans l'intégralité de ta campagne. Je considère qu'il faut les utiliser une fois. Si tu les utilises deux fois, il faut que la deuxième fois, il y ait du rajout de valeur. Mm. Et si tu as une troisième fois, il faut qu'il y ait encore une autre valeur supplémentaire dessus, et ainsi de suite. Et c'est tout. Et c'est pour ça que je ne parle pas de termes de recyclage. D'accord. Si tu réutilises la même information, si tu réutilises le même truc, je trouve pas ça intéressant, je trouve pas ça constructif. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée à chaque fois que tu utilises un truc que tu as déjà utilisé en amont.
Ouais, je pense que ce que voulait dire Rectosis, c'était que il avait une idée à transmettre et qu'il fallait qu'il trouve un véhicule pour transmettre l'idée. Ce que veut dire Recto, et c'est un truc que je fais volontiers aussi. J'essaie, j'en abuse pas parce que en fait, bon, vous me connaissez, vous savez que j'ai rapidement une mauvaise conscience au travail. Mais en fait, quand tu prévois un truc dont t'es plutôt content en tant qu'idée, que PNJ, qu'accroche de quête, qu'ambiance, tout ce que tu veux, que bâtiment. Et en fait, que tes joueurs passent complètement à côté, et tu vois qu'ils ils y reviendront jamais. C'est un truc qui est manqué pour toujours dans la campagne. J'ai pas de scrupules si je vois que c'est un truc qui se prête bien à se remettre dans une situation future, dans le même scénario, dans un autre scénario, dans ce cas-là à le mettre, puisqu'en fait je suis littéralement le seul à savoir que c'est un truc qui existait déjà, et qu'ils ont manqué. Je pense que c'est ça que voulait dire Recto. Juste que dans ce cas-là, récupérer c'est les morceaux qui n'ont pas été touchés du gâteau, refaire un petit coup de glaçage et le resservir à table. Personne ne saura que c'était le gâteau de la veille. Mais bien sûr, absolument, complètement d'accord. C'est ça que voulait dire Recto, je pense. Si le macaron se tient encore, allons-y. C'est ça. Je pense que c'est ce que voulait dire Recto, fondamentalement. Okay. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Flune, Trusu? Je sais que vous n'avez pas beaucoup parlé, puisque Recto, d'habitude, s'étale absolument partout, comme la mauvaise confiture. C'est intéressant d'écouter aussi. Il y a Kev également qu'on a récupéré. Moi, j'ai plutôt comme une bonne merde. Ouais, hein. Et Kev qui s'écho, alors, juste avant de laisser... Ouais, Kev, ouais, j'avoue, crée une quête pour toi. Crée une quête? Eh bien, écoute, crée... En dehors de Heart of the Abyss. Pour tout ce qui est homebrew, tu fais très bien. C'est ça. Comment alors, toi, tu t'y prendrais pour créer une quête qui est intéressante, mémorable pour tes joueurs, en fait? Eh ben là, je t'avouerais que pour Out of the Abyss, pour l'instant, le homebrew, je ne l'ai pas trop étudié, parce que pour le début, je pense que c'est quand même pas mal de suivre juste le bouquin avant de s'étaler un peu trop sur du homebrew. Là, je vais partir sur du homebrew, par contre, parce qu'il s'est passé des choses intéressantes. Ouais, ok. Mais je vais y revenir, je pense. Bah non, tiens, d'ailleurs, je vais en parler, je pense que ça me paraît une bonne idée. Quand tu fais une quête homebrew, tu t'y prends comment? Pour te dire, bah, j'ai fait un truc qui est intéressant pour mes joueurs et pas juste un énième dungeon crawling qu'ils ont déjà fait. Déjà, je me pose la question sur la quête de est-ce que c'est une quête qui va mener à un antagoniste? Est-ce que c'est une quête où ils doivent juste chercher quelque chose ou quelqu'un? Ça, c'est les types de quêtes, on les a développées déjà. Voilà, ouais, mais j'étais pas là, moi je sais pas. Ouais, non, mais t'as le menu, j'ai tout mis bien sur le Twitch. Fetch Quest, Assassinat, Enquête, Exploration, Escort, il a juste et tout. Ah d'accord. Et si on respecte pas le travail des autres aussi, qu'est-ce que je dis? Fetch Quest, Assassinat, Enquête, Exploration, Escort. Ouais, bah c'est après, il est ça. Et du coup, ouais, les quêtes personnelles également, du coup. Et en ça, les quêtes personnelles, avec celle qui s'est créée ce soir d'elle-même, je la montrais de sorte... En fait, je partirais du point d'arrivée et j'irais à l'envers. C'est-à-dire que je me mets mon arbre des possibles, je me crée mes branches de possibilités. Ouais. Je place à la fin de cet arbre la ligne d'arrivée. Ouais. Et ensuite, je mets... D'accord, si ça, c'est la ligne d'arrivée, juste avant ça, il y a quoi? Il y a l'élément A. Juste avant l'élément A, il y a quoi? Il y a l'élément B, et ainsi de suite. En fait, je remonte et je fais à l'envers. Et de fil en aiguille, du coup, comme ça, je peux créer mes branchages avec les différentes options de lieu, de PNJ, de plot, indice s'il y a besoin, loot s'il y a besoin, etc. etc. Je fais machine arrière, en fait. Ouais. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je fais exactement la même chose pour mes Call of Cthulhu, donc tous les scénarios d'intrigue. C'est-à-dire, je fais une arborescence, je pars d'un arbre. En fait, je commence par mettre une étiquette avec la situation initiale de mes PJ. Genre, c'est qui, ils viennent d'où, comment ils se connaissent. Je mets une étiquette avec, on va dire, les épilogues possibles. C'est-à-dire, genre, le grand ancien se réveille mais est neutralisé, le grand ancien se réveille et détruit le monde, ou le grand ancien ne se réveille pas, par exemple. Et à partir de là, en fait, je vais essayer de relier les deux en développant en fait mes branches, en disant bah, en fait comment ils en arrivent là, il leur faudrait cet objet ou ce sort par exemple, comment ils obtiennent ce sort. Alors par exemple, ils peuvent y arriver en enquêtant et avec du social, on va dire, à obtenir cet objet-ci. Mais s'ils n'ont pas de personnage qui fait du social, ou si perso qui est spécialisé en social ne veut pas le faire, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, il y aurait aussi un moyen en combat s'ils font ça, etc. Et du coup, je remonte, je crée mes arborescences avec à chaque fois plusieurs possibles. Pour éviter justement, en fait, d'avoir le... Bah, en fait, il faut obligatoirement avoir un jet de social qui réussit ou réussir un combat. Parce que, bah, en fait, si tes PJ n'ont pas ça dans leur groupe, le foire,
En fait, ils sont verrouillés en dehors de cette issue-là du scénario, ce qui est très mauvais, disons-le. Et histoire, bah du coup, comme disait Dokren tout à l'heure, bah en fait, imaginons, j'ai prévu qu'ils interrogent un PNJ, ils l'ont buté. Bah, en fait, il faut bien que j'ai un deuxième truc, une deuxième branche qui va rejoindre cet aspect-là du tronc pour que mes joueurs réussissent quand même à avoir cette épilepsie. Ouais, en fait, c'est pour ça que il existe déjà des espèces d'arborescences qui ont été créées depuis des années pour indiquer la façon de créer un scénario. Il en existe plusieurs, notamment le truc des trois branches, je ne sais plus comment ça s'appelle le nom exact. Non. Mais le système d'arborescence est ce que je conseille à tout MJ, et vraiment de partir de la ligne d'arrivée et de remonter jusqu'à la ligne de départ, en ayant toujours des liens qui permettent de remonter d'une branche à une autre, comme tu dis justement, si jamais il y a un élément raté, de quelle manière ils peuvent le récupérer ailleurs. Tout le monde d'accord avec ça. Alors, le meilleur de tous, c'est en marque. Attends, Dokren. Moi, juste une petite remarque, je fais probablement partie des extraterrestres, je fonctionne complètement à l'inverse de vous. C'est-à-dire ? Voilà. Non mais dis-nous, dis-nous, du coup ça m'intéresse vachement. Sors-moi de ma planète ! Sors-moi de ma planète ! Donne-moi des nouveaux axes de Recto. MJ. Moi, ma construction d'enquête et d'aventure, c'est un arbre, je pars du tronc et des racines, et je monte vers des branches. T'es au plein, frère ! Attends, Recto, j'aimerais bien l'entendre, s'il te plaît. Voilà, ma première chose, c'est l'élément déclencheur. Les conséquences, elles vont se ramifier toutes seules. Le chemin que mes joueurs vont choisir, ils vont le prendre tout seuls. Et je vais construire autour de ça. La finalité, ce sera la suite des conséquences qui auront toutes été impactées par ce qu'ont fait les joueurs en amont. Mais en amont, c'est quand intéressant ce que tu dis. Quand tu écris ton scénario, t'as bien une série de possibles, de finales possibles, non quand même? Alors, tu sais vraiment pas où ça peut arriver. Non, je sais pas où ça va aller. Moi, j'écris avec eux. Bien sûr. Et ça c'est ce qu'on appelle un arbre de Merkel, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le point d'origine est commun à tous les embranchements qui vont suivre. Mm-hmm. Mais en fait, du coup, tu ne sais pas quel est l'embranchement final de cette histoire. Avec les degrés, justement, de changement. Ça, c'est comme ça, typiquement, que j'écris mes campagnes homebrew. Par exemple, la campagne homebrew que je vous ai fait jouer, aussi mal qu'elle ait été. Était un arbre de Merkel, c'est-à-dire que je connaissais le point d'origine. Du coup, moi, ça me dissuaderait de le faire plus qu'autre chose final. Que tu dis là. Non, parce qu'à l'époque, c'était pas assez de retour sur 5e en fait. Je pense qu'aujourd'hui, je fais la même campagne en tant que MJ, tout se passe mieux. Mais du coup, comme c'est un arbre de Merkel, le principe est qu'en fait, tous les points qu'ont donné les joueurs peuvent te permettre de retourner à l'origine et du coup à l'événement déclencheur. Tous les points peuvent te permettre, en fait, dans une certaine mesure, d'arriver à une conclusion, aussi différente soit-elle, que les joueurs l'ont influencé. Et en fait, comme tu connais ton point d'origine et plus ou moins ton point de conclusion, tu vas pouvoir justement. Ok, ouais. Kev, tu voulais dire. Ouais, bah je vais rebondir justement ce que vient de dire Recto. Et du coup, je vais lier également ce qu'a dit Dokren. Je vais prendre l'exemple de ma campagne du dimanche. Je connais le groupe, je connais leur fonctionnement, et je sais quel est le point final de la campagne, je sais d'où ils sont partis, et entre les deux, eux-mêmes, comme tu dis, Dokren, ils ont créé leurs ramifications. Et moi, en fait, je reprends ces ramifications, et je leur en mets dans les pattes, et je vois laquelle ils empruntent, mais toutes, au bout du compte, elles vont finir par la même finalité. Après, je pense que pour l'établissement des quêtes, pour revenir un peu sur le sujet... ça va sûrement s'adapter au groupe et à de ce qu'on veut leur faire jouer concrètement. C'est-à-dire que si on veut leur faire partir sur un bac à sable en mode bah, « faites ce que vous voulez, j'improvise », effectivement, on va utiliser la méthode, on va l'appeler la méthode Dokren, du coup, partir du tronc et ensuite faire les racines en fonction de comment on avance. Par contre, si on suit une campagne un peu plus traditionnelle, par exemple là, Out of the Abyss, si on suit un bouquin, le bouquin, lui, il est construit plutôt dans un modèle inverse, c'est-à-dire que la finalité, on l'a déjà, et du coup, c'est à nous de nous démerder pour construire, justement... Comment y arriver de manière fun, quoi. À l'envers. Voilà, comment y arriver de manière fun, et comment être sûr que les joueurs ne manquent rien. Donc je pense qu'il y a vraiment deux manières de fonctionner, et qu'on peut lier les deux, parce que c'est comme ça que je marche sur le dimanche soir, qui est vraiment un peu à part, c'est-à-dire que j'ai la fin et j'ai le début, mais entre les deux, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Alors, Kev, je me permets tout de suite... Attends, Dokren, ouais, vas-y. J'ai juste peur que de connaître ta fin, c'est une volonté de l'imposer, et que du coup, d'une certaine manière, ça risque de forcer un petit peu le railroad à un moment de ton histoire pour que ça puisse recoller, ou alors c'est juste toi qui vas étirer l'histoire pour trouver au moment le bon embranchement pour dériver à ta fin. Et c'est un des trucs que moi, je n'ai pas envie de faire, et
c'est très personnel, c'est que c'est pour ça que j'écris mes histoires comme ça, c'est que moi j'ai pas envie d'avoir à un moment l'impression que je force mes joueurs à faire un truc ou quoi, et que je vais préférer m'adapter plutôt que d'avoir l'impression de les orienter un peu forcés sur une finalité qui est pas forcément fun pour eux. Ça veut pas dire que ça va pas être fun si tu le fais, attention. Alors, deux choses. Je suis entièrement d'accord avec ça. Tu permets ? Ouais. Alors je vais rejoindre The Crane là-dessus et je vais dire une chose suivante. Qui là par contre est plus proche de ce qui est en fait nécessaire en aventure officielle, donc ce qui est fourni par Wizard of the Coast ou bien la DM's Guild, et ce qui est en purement homebrew. En aventure officielle, en fait, il y a des conditions très strictes pour vaincre un ennemi. Par exemple, Strahd, il a ses faiblesses. Par exemple, Demogorgon, lors de l'affrontement final, a ses faiblesses. Par exemple, Tiamat, lors de ses affrontements finaux, a ses faiblesses. On a compris. Donc, du coup, ça fait que tu sais très bien que ça va être la finalité, ça va être le dernier combat qui est dans ton script. Ouais. La chance que j'ai avec Candle Keep et la chance qu'on a lors du homebrew, en fait, c'est qu'on a une beaucoup plus grande place créative et d'adaptation par rapport à ce que les joueurs font lors de leur aventure pour impacter les événements suivants. Et à partir de là, tu vas pouvoir justement t'amuser à réussir à recoller ces bouts en fonction de ce que tes joueurs font, avec cette liberté du fait que ce soit pas des histoires contenues, soit des histoires que tu crées de A à Z, et les ramener en fait à l'espèce de... On va prendre l'image d'Yggdrasil, le ramener au bout de la branche d'Yggdrasil, plutôt que de la limiter au tronc qui t'a été donné. Alors, du coup, pour répondre à ce que disait Docrène, avant que Recto n'intervienne, je suis d'accord avec toi. En fait, les deux constructions, je trouve, sont purement intéressantes. Elles ont toutes leurs faiblesses et elles ont toutes leurs forces. La construction de Merkel, c'est-à-dire vraiment, tu pars de la base et après, tu montes et tu verras bien ce que deviendra le reste de l'arbre. C'est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir une base hyper solide. Tu suis vraiment tes joueurs, donc c'est un truc qui est très, très organique. Donc ça c'est extrêmement cool là-dessus, parce qu'en fait c'est pas les joueurs qui suivent, parce qu'en fait c'est toujours un peu le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire le MJ veut amener ses joueurs à un endroit là, mais sans les railroads, parce que tous les MJ seront communément d'accord pour dire que le railroad c'est quand même mal, et donc le but c'est toujours d'envoyer les joueurs à un endroit précis, mais en essayant de pas trop leur faire voir que tu veux les emmener à cet endroit précis là, donc c'est toujours ce jeu. Que t'évites complètement la construction de Merkel, donc que fait Docrène et Recto, où tu pars de la base, et tu montes, et tu construis, et tu improvises au fur et à mesure avec tes joueurs. Le problème de ça, c'est que ça te rajoute... En fait, ça t'empêche de beaucoup prévoir ton travail en amont. Parce qu'en fait, comme t'es toujours en train de... C'est pas tes joueurs qui sont en train de te suivre, je vais le dire comme ça, la construction de Merkel, c'est toi qui suis tes joueurs, d'une certaine manière. Donc ça t'empêche de prévoir les choses en amont, et du coup tu dois toujours être dans cette écriture permanente, et le jour où t'as vraiment une grosse galère, et là tu peux pas écrire pendant 2 semaines, tu as le risque de te retrouver un peu dans la merde en partie. Je vais même aller plus loin et te dire que c'est faut pas suivre tes joueurs, c'est-à-dire qu'il faut les laisser avancer tout en étant toujours un pas devant. Ouais. En l'occurrence, pense que c'est probablement, comme je disais à Freya, c'est probablement quelque chose qui demande de l'expérience et de l'habitude. C'est toujours comme ça que j'ai MJ depuis le début. Ça fait 20 ans que je suis MJ. J'ai toujours été maître du jeu comme ça, et j'ai toujours lu mes histoires et écrit mes histoires comme ça. Et ça m'est naturel. Ouais, non, mais c'est très bien. Après... Je vais rajouter un truc à... Alors, non, par contre, Recto, j'aimerais vraiment finir. Là, je t'ai déjà laissé parler tout à l'heure. Vas-y, je t'en prie. Mais en fait, je vais te dire, c'est comme quand t'apprends le piano, tu sais, t'as... plein de manières différentes d'apprendre le piano. T'as ceux qui ont fait 15 ans avec une méthode, les autres, tu ne peux pas leur... Ils peuvent avoir 50 ans d'expérience, tu ne peux pas les faire jouer comme ça, et inversement. Ouais. Ça, c'est vraiment une question de pratique. Mais après, il y a les inconvénients, c'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment prévoir ton travail à l'avance, et tu restes toujours un peu limité à ce que... Enfin, limité, avec des guillemets, à ce que tes joueurs vont te proposer. Et ils peuvent te proposer un truc fantastique, grandiose, comme un truc qui va être hyper limitant en termes d'écriture pour toi, un thème que tu n'as pas forcément kiffé, etc. Ouais. Mais... Point extrêmement positif, attends, excuse-moi Recto, point extrêmement positif, c'est que plus tu avances dans ton aventure et dans l'histoire que tu es en train de raconter, plus tu peux prévoir, parce qu'il y a quelque chose qui se dessine qui est plus, qui est plus profond, précis. Et plus et surtout plus puissant que tout ce que tu aurais pu écrire ou prévoir en amont. Ouais, moi, ça je suis d'accord. Alors, une force, parce que du coup, en plus de ça, ça leur donne, vu que c'est eux qui l'ont écrit avec toi, ça leur donne un but qui est plus puissant que tous les autres buts que t'aurais pu fournir toi en tant que MJ, juste qu'il y a 10 000 pièces d'or, juste tu sauves la princesse. Parce que ça devient personnel. Alors, inversement. Voilà.
Je suis entièrement d'accord avec alors, ça. L'autre construction. Attends. Non, j'ai, encore une fois, je t'ai laissé parler, j'ai attendu pour parler ensuite, donc laisse-moi finir avec toi. Ça, pour le coup, je pense que c'est fini, il n'y a pas de problème. L'autre construction, c'est-à-dire commencer par la fin et remonter vers le début, comme on fait qu'avez-moi. T'as également d'autres inconvénients. C'est que c'est un truc qui va être en fait plus personnel, dans lequel tes joueurs vont pas forcément rentrer à 100%, qui sera moins personnel pour tes joueurs, du moins sera plus difficile de les faire s'approprier ton histoire à toi. T'auras toujours ce côté parfois en effet un peu railroad, même si tu décales le train pour correspondre à ce que eux souhaitent, etc. T'as d'autres avantages, qui est que déjà c'est une écriture qui est plus facile de partir de la fin et de remonter que de partir du début et descendre. Donc, qui se prête mieux, notamment à des MJ moins expérimentés, à de l'écriture plus rapide. C'est une écriture qui va être aussi plus directe et qui va te permettre fondamentalement deux choses. C'est-à-dire que déjà, comme tu sais où tu vas, ça va être beaucoup plus facile à toi de poser des choses en amont, un peu à la Agatha Christie, de donner des indices et d'avoir ce côté-là aussi de vraiment enquête pour les joueurs. Où en fait, ils savent que toi, tu sais où ils vont. Eux ne savent pas, et du coup, il y a ce jeu où ils essaient de comprendre où tu veux les emmener, qui peut être aussi extrêmement positif pour eux intellectuellement. De réussir à comprendre où le MJ veut aller, quel est le twist, etc. Et donc, vraiment, suivre le MJ, mais en essayant d'être un pas derrière le MJ, de même que dans ta version, le MJ est un pas juste devant les joueurs. T'as le truc que je trouve intéressant, c'est que, en fait, les moments où tu vas vraiment avoir une idée que tu trouves vachement intéressante à développer avec tes joueurs, tu vas vraiment pouvoir la construire sur 50, 100 séances, et vraiment la faire vivre, vraiment lui donner du poids, lui donner de l'enjeu, et du coup quand faire arriver tes joueurs à cet épilogue que t'as construit depuis un an et demi, et vraiment faire le truc le plus propre que tu peux pour ton épilogue, parce que ça fait un an et demi, deux ans que tu bosses dessus, que tu sais que tes joueurs y avancent petit à petit, et du coup faire une scène, la scène la plus mémorable que tu peux et que t'aurais probablement pas pu si c'était vraiment de l'écriture continuelle. Troisième avantage que t'as, c'est que c'est un truc que tu peux vraiment préparer en amont, parce que tu sais que t'auras forcément, pour peu que tu sois pas à la règle des reins, tu sais, des aménagements à faire, mais que globalement, tu sais grossement dans quelle direction tes joueurs vont, quels PNJ ils vont plus ou moins rencontrer. Il y a peut-être une ville qui vont totalement manquer, il y a peut-être un pays où ils vont jamais foutre les pieds, mais globalement, tu sais où ils vont et du coup, tu peux poser des choses en amont, et c'est vraiment cette pyramide qui est extrêmement solide à la base et dont t'as vraiment eu le temps de dorer, c'est le sommet pour faire le truc le plus propre possible. Les deux ont des avantages que les autres, que l'autre n'ont pas. Ça permet au MJ d'être beaucoup plus à l'aise aussi, ouais, de savoir qu'il a tout construit et qu'il peut pas être pris au dépourvu. Et ça, quand tu comptes une histoire, quand tu, ouais, la racontes, quand tu la fais jouer, ça fait énormément pour mettre le joueur à l'aise. Là-dessus, je suis entièrement d'accord aussi. Ouais. Alors, merci après, c'est Life quoi pour la le follow, d'ailleurs. De l'impro sur, ouais, le, sur, la, sur, justement, sur l'arbre de construction, c'est quelle est la place de l'impro là-dedans? C'est-à-dire que t'as les MJ qui vont être plutôt doués en impro et t'as les MJ qui sont pas du tout doués en impro et qui vont être, comme tu dis, pris au dépourvu s'ils ont pas justement cet arbre de construction. Moi, par exemple, je sais que si je l'ai pas, ça me dérange pas parce que l'impro, c'est mon domaine et je vais pas avoir de difficultés à, sur le tas, sortir un truc pour remettre les joueurs dans le courant de l'histoire, par exemple. Ouais. Alors, Recto, tu voulais dire un truc, vas-y. Je vais rebondir à plein de choses en même temps parce que du coup plein de choses ont été rajoutées. Ouais, il faut. La première chose, je connais des MJ débutants qui, à force de justement être débutants, et c'est pas grave, ils vont devenir vétérans, et d'ailleurs on aime aussi tous les gens qui nous follow. Il y a des MJ débutants, et ces MJ débutants, ils vont apprendre à faire de l'improvisation parce que c'est essentiel au sein du JDR. L'un des MJ que je cible le plus est Cobra, qui joue Seba sur notre campagne du samedi, qui lui est en train de débuter en tant que MJ, mais qui développe ses compétences en fait d'improvisation pour réussir à les inscrire dans leur histoire. C'est un garçon de 18 ans, donc très jeune, qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience de la vie et beaucoup de flexibilité à ce niveau-là. À force de les apprendre, ses compétences, il va devenir de meilleur en meilleur MJ. Et moi, j'imagine déjà le Cobra dans 7 ans, ouais, qui sera un MJ extraordinaire. Super intéressant. Comment créer des quêtes, Rectosi ? Maintenant, sur la création de quêtes... pourquoi je pense que le bémol que j'allais mettre était que il y a des joueurs comme un Trusugal sauvage, à savoir notre Hyacinthe est désormais Valu. Comment créer des quêtes aussi qui font des théories sur les quêtes qui ne font aucun sens, où tout d'un coup quelqu'un devient Shub-Niggurath dans sa tête. Shub-Niggurath. Non mais très bien, mais ouais, quel est le rapport avec le sujet du soir, s'il te plaît? Le rapport avec le sujet du soir, c'est que effectivement, il y a des gens qui sortent de ce spectre d'attente de la part du MJ, ouais, et du spectre en fait de même de l'improvisation et de la cohérence, mais que tout de même de temps en temps, tu as envie de leur donner raison.
et que malgré cet arbre de Merkel qui a un tronc, tu vas réussir à faire fleurir les fleurs et du coup à leur donner une part de raison et une part de tort. Et qu'il y a un compromis là-dedans entre toi et le joueur en tant que MJ et en tant que joueur. Et que dans ce compromis, en fait, tout le monde trouve sa satisfaction. Et ouais. C'est le même principe qu'en vente, c'est-à-dire que le but est que de toute façon, indépendamment des quêtes que tu trouves, le but principal d'un MJ est que toi en tant que MJ et l'autre en tant que joueur trouvent chacun leur plaisir à accomplir cette même quête dans leur justification, même si elles sont partielles. Alors, je suis entièrement d'accord. Après, quand tu fais ce genre de méthode, je pense qu'il faut une très grosse confiance entre MJ et joueur, plus que dans l'autre méthode, parce que tu laisses en fait ton histoire être écrite en partie par tes joueurs. Et si jamais... c'est le cas qu'on a décrit avant, par exemple du chaotique stupide ou du loyal le con. C'est ça. Et ben en fait ton histoire sera aussi bancale que les joueurs eux-mêmes. C'est ça. C'est enfin, que les personnages. Ouais. Et comme je disais. Et du coup, Vas-y. Non, mais je dis juste c'est ça. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est qu'en fait, comme je disais à Docrane, un des désavantages de la construction selon l'arbre de Merkel, c'est que si tes joueurs sont bons, t'as plein de jambon, ce qui n'a rien à voir avec de la viande, qui vont travailler sur ton histoire et faire un truc fantastique. Inversement, si t'as des joueurs qui sont moyens à médiocres, sans péjoration derrière médiocre, juste des gens qui ne prennent pas spécialement de plaisir à faire du worldbuilding, qui n'ont pas forcément de grosses compétences dans ce domaine, en fait, c'est vrai que tu prends un gros risque en tant que MJ parce que tu vas basiquement te retrouver à faire un truc plus ou moins railroad que t'écris toi, mais vraiment sur le tas, avec du coup moins de préparation et quelque chose qui sera moins ciselé que si tu l'avais fait vraiment en amont. Et là-dessus, je vais prendre un exemple encore que certains d'entre nous ont connu. Flune voulait parler, je veux entendre Flune. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Flune. C'est ça. Je vous remercie. C'est vrai qu'en fait, j'ai un peu ce problème-là. C'est que j'aime bien, j'ai décidé, je sais quelles sont les différentes possibilités de terminaison de la campagne. Je ne sais pas les détails, hein, ça c'est libre à mes PJ, mais du coup j'essaie de donner un maximum de liberté à mes PJ. Le problème c'est que parfois ils apprennent pas, et quand ils apprennent pas t'arrives à des moments où tu leur demandes ce qu'ils vont faire et ils savent pas et toi tu sais pas non plus, et toi t'es en mode je vais essayer de les pousser, mais genre le problème c'est que si une quête est trop poussée derrière, il y a un côté pas naturel, il y a un côté railroad qui se met en place en fait, et t'arrives à un moment donné où en ne voulant pas les railroad tu te retrouves un peu forcé de le faire, parce que sinon tes PJ restent sur place si t'as... Yep. Mais encore une fois, les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je vais dire un truc, moi je fais les deux. C'est-à-dire qu'en fait, mon arc principal, on va dire, mes arcs vraiment de chapitre, enfin d'acte même. Même pas de chapitre, mais mes arcs d'acte et à l'échelle de la campagne sont construits à l'inversé. C'est-à-dire je sais où je veux arriver, j'ai vraiment énormément travaillé ce point, j'ai disséminé des choses là-dessus depuis la séance 0. On va essayer d'y aller. C'est comme Strahd. Curse of Strahd, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu sais, t'as Strahd, tu sais très bien que c'est la fin de la campagne, le château de Ravenloft. Et depuis la séance 0, tu essaies de construire Strahd et les différents moyens, les différents alliés, les différents artefacts que les PJ vont pouvoir trouver pour atteindre et détruire Strahd. À l'échelle de mes campagnes Homebrew, à l'échelle de tout ce qui est quêtes secondaires, quêtes de chapitres, tout ça, je suis sur la méthode inversée en fait de d'Ocrane et de Recto. C'est-à-dire que je pose des choses et je laisse ensuite les joueurs aller où ils veulent. Il y a un PNJ, ils peuvent très bien ne pas l'aimer. J'aurais écrit un paragraphe dessus, s'ils veulent faire des choses avec. J'ai perdu juste un paragraphe, je m'en fous, on le remettra plus, c'est pas grave. Inversement, il y a des PNJ qui vont vraiment kiffer. Pareil, j'ai un paragraphe dessus, je me dis, eux, ils ont envie de le revoir, et ils vont le chercher, ils vont demander des nouvelles de lui autour d'eux, ils vont essayer de prendre à nouveau contact avec eux. Ce paragraphe, ça va devenir une page. Parce que je vais écrire des choses en même temps, qu'eux-mêmes vont poser des choses, vont créer des rapports avec ce PNJ, ou parfois même lui donner des quêtes. Des fois, j'ai prévu des quêtes à des PNJ, ça arrive que le groupe aille les voir et réussisse à les persuader d'aller tuer des araignées à l'opposé du continent. C'est vrai. Pareil, je réécris à ce moment-là ce que j'avais prévu à la base. Pareil, je remets quelques éléments, je me dis, tiens, ça serait marrant qu'ils fassent ça, ça serait marrant que ça se passe comme ça, ça serait marrant qu'ils rencontrent cette personne sur le chemin. Et j'attends que les joueurs arrivent, soit suivent ce que j'ai écrit, soit décident de le transformer, ou de ne pas le suivre du tout, d'en faire autre chose, et en fait, vraiment, j'avance à partir de mes joueurs, pour tout ce qui est secondaire. Essayer de rester organique le plus possible, tout en ayant en fait cette trame de fond, ce but dans la campagne que j'ai énormément travaillé et qui est parsemé un petit peu partout sur toutes les séances. Je pense que le mélange des deux, c'est pas évident à faire, mais c'est quelque chose qui est important. Flune. Alors, ça justement, je répondais juste là-dessus, parce que c'est quelque chose que je veux dire. Comment faire une bonne quête, c'est que il peut se passer de grands moments sans qu'en fait la quête, une quête principale ou la quête que vous êtes en train de faire de manière générale ne soit pas abordée et vous avez l'impression qu'elle n'existe pas. Et pour ça, pour éviter que les joueurs se perdent ou aient l'impression qu'en fait cette quête elle importe peu, c'est très important de faire des rappels.
Ouais. Les rappels, c'est pas forcément des rappels à la réalité en mode dur, en mode ben en fait il y a un écroulement dans le pays et là d'un seul coup vous arrivez sur d'armées de mouvements qui vous voient. Ça peut être des trucs beaucoup plus subtils. Par exemple, ça peut être fait dans une description où par exemple vous êtes en train de décrire quelque chose et là il y a un petit indice, un petit truc qui colle pas et qui est lié justement à cette quête parce que cette quête n'a pas été réalisée. Du coup, dans la description, il y a un petit problème que vous commencez à percevoir, quelque chose de vachement étrange et qui vous rappelle que vous êtes que vous avez quelque chose à faire. Ça peut être un PNJ aussi, comme bien le faire avec toi. Un PNJ qui arrive, par exemple, je sais pas, il y a une guerre dans un pays, vous n'êtes pas dans ce pays-là. Il y a un PNJ de ce pays-là qui arrive, qui vous dit à quel point c'est la merde de l'autre côté, qui vous rappelle que vous avez quelque chose à faire. Attendez, alors, les garçons, je vais partir en tant qu'animateur de chat. Au revoir. En reprenant la question de Dr. Wolf Live, ouais, qu'on aime beaucoup parce qu'il a agi beaucoup sur ce chat depuis le début de la soirée. Peut-on par exemple créer des choix qui auront un impact grandissant sur une ville ou un lieu? Par exemple, les PJ ont deux choix et détruisent la ville, soit ils la laissent. Et comment peut-on les guider et guider les joueurs vers une décision voulue si besoin est nécessaire? Eh bien, ce même PNJ, et je vais prendre un exemple bête, ce même PNJ, tu vas le rendre attachant. Pour ça, je vais renvoyer à une session avant la session à laquelle on était, qui était un PNJ qui, personnellement, est très cher à mon cœur, qui est Artivalos. Ah oui, c'est un mec cool, il boit de l'alcool, il est ok pour sympathiser avec toi, pour discuter avec toi. Et bah tu sens que pour autant, il a pas tant d'attache que ça avec son pays. Et que lorsqu'il te dit du factuel, il te dit du factuel. C'est-à-dire que il a une notion de la réalité du monde dans lequel il existe, qui est réelle, et qui est tangible pour tes joueurs. Ça, c'est déjà un moyen. Il y a d'autres moyens. L'un des autres moyens que je connais, c'est par exemple, si tu les fais aller dans une ville à côté, il y a plein d'immigrants qui vont venir de l'autre ville dans laquelle c'est la merde. Et tu peux toujours les diriger en les tenant par les sentiments. Et je pense que l'un des vecteurs les plus importants du jeu de rôle, lorsqu'il est bien fait, parce que Doc Rain te dira que oui, d'accord, il fait du porte-donjon trésor, ou que Kev le fait aussi, ou que Eldril le fait aussi. Moi, je le fais moins, sauf en OS. Généralement, j'essaie de tenir toujours mes joueurs par les sentiments, comme une espèce de paire de testicules que je presse graduellement. Et du coup, je crois que c'est le but, c'est que tu les fais empathiser et sympathiser avec la cause des mecs qui vont découvrir et les PJ et PNJ qui vont découvrir, de manière à leur dire, putain, effectivement, c'est la merde chez eux, faut qu'on les aide. Un sentiment qui va être soit personnel dans la backstory des personnages, soit personnel dans la vie de tes PJ si tu les connais bien. Ouais. Et du coup, le but, c'est de leur faire du mal pour les diriger vers ta quête principale. Ok, c'est Thomas qui va faire du mal aux gens. Doc Rain, je te laisse répondre et ce sera le mot de la fin parce qu'il est minuit 40, les enfants. Ok, moi je vais répondre autant à Wolf qu'à Recto. Je suis absolument pas d'accord avec ça, mais genre pas du tout. Je ne veux pas tenir mes PJ par les sentiments. Ils font ce qu'ils veulent. Le but, c'est que la finalité, ce soit leur propre choix. Et si moi, j'ai décidé que ça devait être cet outcome, on a déjà eu la discussion la semaine dernière sur les succès critiques et les échecs critiques. Les succès et les échecs critiques, pardon. C'est que si jamais je décide de leur faire jouer un dé, c'est que je considère qu'il y a une chance qu'ils réussissent et qu'ils ratent. Eh bien, si je leur donne un choix, je ne veux pas les orienter sur un choix ou un autre. Il faut qu'ils le fassent en connaissance de cause. Si tu considères que le choix que tu veux, toi, c'est de prendre la décision que tu veux, et que tu es obligé, d'une certaine manière, de vouloir les manipuler pour qu'ils fassent le bon choix, ou en tout cas de dire, bah en fait, le chef du village, il est extrêmement sympathique. Ah, puis, il a tout donné pour son village. Sa femme est morte en défendant ce village, et du coup, il serait vraiment triste de perdre son village. Je trouve que tu as raison, c'est des trucs que tu peux utiliser pour manipuler ton joueur pour qu'il fasse le choix que tu as envie. Je considère que c'est pas comme ça que je vais aborder le jeu. Moi, je veux que le personnage me dise, vous avez le choix, soit vous décidez, parce que j'utilise l'exemple de Critical Zone, qui était, soit tu dis, tu tues ta propre fille, soit en fait, on fait la guerre à la moitié de ton village. Je pense que ce choix-là est amplement suffisant et ils gèreront les conséquences. Si eux, après, ils disent, ouais, mais si jamais on décide de se battre contre le chef du village pour pas qu'il tue sa propre fille, il y a quand même la moitié du village derrière lui qui va nous casser la gueule. Ah, mais on peut pas le laisser tuer une pauvre enfant. C'est leur problématique. Mais moi, il faut que je sois prêt à gérer les deux solutions. Et c'est pour ça que non, mais Laisse-moi finir. Et c'est pour ça que je suis pas du tout d'accord avec l'idée d'utiliser les sentiments de tes personnages comme des testicules que tu froisses à ta bonne envie. Mais en vrai, c'est juste que je considère, et c'est pour ça, moi, par exemple, la campagne qu'ils font, mec, le scénario, si demain ils décident de dire
Bah non, mais en fait, on a envie d'aller élever des chèvres et de faire du pâturage. Go. Mais par contre, si jamais il y a des orques des montagnes qui débarquent pour buter tes chèvres, il faudra que tu t'en occupes. Alors, on est parfaitement d'accord. Mais pour, par contre, pour avoir, pour percevoir l'enjeu, il faut au moins que tu aies rencontré le PNJ et que le PNJ soit attachant. Mais attends, la construction qu'il y a autour, entièrement d'accord. Je parle juste du choix. D'accord. Là-dessus, on est parfaitement d'accord en soi. C'est juste le choix dont Dr. Wolflife parlait et qui disait qu'il voulait guider ses joueurs. Je ne guide pas mes joueurs. Je leur donne des situations et ils réagissent en fonction et ils vivront avec leurs choix. Et ces choix-là auront des conséquences sur leur personnage, sur leur intégration à l'univers et même entre eux. Et c'est le seul truc qui m'importe. Et c'est pour ça que je fonctionne toujours en partant d'un point A qui est l'élément déclencheur et que je construis par-dessus parce que je ne veux pas les forcer à arriver à une décision ou une finalité que j'ai décidée en amont sans avoir tout écrit. Moi, je suis très curieux. J'aimerais beaucoup jouer à un jeu de, à un jeu de Dokraine pour voir la Moi aussi. La même, moi la aussi. Même. J'avoue. Pareil. Alors, je vais répondre à tout le monde du coup là-dessus et Libra Dokraine de nous proposer une partie un jour si jamais il le souhaite. Et à Wolf en même temps. Comment tu peux guider tes joueurs? Faire sauvage, vous faites tous un personnage, on fait ça un soir et puis on y va et on y va. Il y a pas de problème. Let's go, moi je suis chaud. Tu viens de le signer. Let's go. Tu gilles le verre et on est parti. Par contre, il n'y aura pas de la map et les drills, hein. Je vous le dis direct. Hein. Mais non, il y a pas de problème, ça me va. Moi, je suis un voleur de map à la base. Hein. Théâtre de l'esprit, ça marche, t'inquiète. On va en discuter. J'ai alors, comment guider tes joueurs? Je suis d'accord. En fait, ça dépend du manière dont tu dis guider. C'est-à-dire que railroad tes joueurs, c'est-à-dire leur mettre un rail et en fait faire en sorte qu'ils aillent plutôt à tel endroit ou tel autre endroit en les manipulant, je suis entièrement d'accord avec Dokraine, ça peut se faire, il y a des cas où on va peut-être tous fait, je sais pas, au moins une fois, ou même peut-être sans s'en rendre compte. J'aime pas le principe, je trouve ça slimy, je trouve ça un peu vil. Et puis, genre, c'est jamais très fun de manipuler tes joueurs en jeu de rôle, surtout qu'en tant que DM, que MJ, c'est assez facile. Comment tu les guides? En fait, pour les guider, moi je dirais il y a un truc, c'est qu'il faut qu'ils aient de l'information. Et on en revient à la question du choix là dont parlait tout de suite Dokraine, à savoir que en fait, tu veux qu'ils fassent un choix, tu leur donnes de l'information. Cache pas des choses à tes joueurs, ou si tu caches quelque chose à un joueur, c'est un choix de ta part, et il y a un but derrière. C'est pas juste que t'as oublié de donner de l'information, c'est pas juste que tu veux qu'en fait tes joueurs ils découvrent vraiment le monde petit à petit, du coup tu leur donnes très 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 peu d'infos. C'est vraiment un choix de ne pas leur donner de l'information. Et du coup, à partir du moment où tes joueurs ils sont informés, à partir du moment où ils savent ce qui va se passer, je reprends l'exemple de Kev, ce qui se passera s'il laisse le chef de village tuer sa fille, ou ce qui se passera s'ils essayent de l'empêcher, en fait tes joueurs ils sont guidés. En fait. Le moment vraiment où tes joueurs sont pas guidés, c'est quand ils sont dans le noir, parce qu'en tant que MJ, tu choisis de ne pas leur donner toutes les infos qu'ils devraient avoir pour faire ce qu'on appelle le choix rationnel. Pour faire le choix éclairé, comme on dit. Tu peux éventuellement garder certaines choses de côté, mais le but, c'est quand même qu'ils puissent faire un choix éclairé et pas leur cacher, garder pour le grand reveal que, en fait, s'ils attaquent le chef du village, il y a littéralement 37 PNJ qui les agressent. Ah merde, si on l'avait su, on n'aurait peut-être pas fait le même choix. Inversement, leur dire, si vous attaquez le chef du village, il y a 37 PNJ qui vont vous attaquer, sont des serins et vont vous buter. Là, t'es en train de les railroad. Donc c'est trouver le juste milieu entre mes PJ sont informés et prennent un choix éclairé, et mes PNJ en fait sont vrais. Mes PJ c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, c'est littéralement exactement ce que j'ai fait ce soir. En fait, je leur ai pas donné toutes les infos, je leur ai juste donné le dilemme moral de base. Et suite à ça, en fait, j'ai marché au jet de persuasion pour voir par rapport à leur réaction ce qu'ils allaient dire au chef de village. Et le choix final et ce qui allait en découler, c'était plutôt de ce que disait Dokraine. Donc du coup, c'était un semi-railroad, tu vois. Tu leur donnes le contexte de base, et après, donc ils sont obligés d'aller dans l'une direction ou l'autre, donc c'est quand même un semi-railroad. Et à la finalité, ensuite, c'est un peu moins du railroad, du coup, parce qu'il va se découler forcément la réaction de leurs actions. Allez, Dokraine, et je vais rebondir sur ce que dit Kev maintenant. Non, attends, je crois que Dokraine veut répondre, et là, par contre, Recto, faut vraiment que je coupe l'émission en tant que code, c'est plus possible. En fait, juste la finalité, c'est que tu dois donner les informations à tes PJ s'ils font l'effort d'aller la chercher. C'est et ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Exactement, parfait. Et du coup, Dr. Wolflife qui dit, donc si je résume, il faut informer au plus possible les joueurs pour leur laisser le choix. Oui et non. Comme il vient de le dire Dokraine, moi je dis oui, je leur donne toutes les infos tant que je vois qu'ils les recherchent et qu'ils veulent en fait activement faire le bon. Enfin, j'ai pas le bon choix, il n'y a pas de bon choix souvent. En tout cas, chez moi, il y a rarement des bons choix, mais en tout cas, qu'ils peuvent faire le choix qui leur correspond, le choix qui leur plaît.
leur donne, dans ce... si je vois qu'ils cherchent, si je vois qu'ils vont interroger les, P... les PNJ, qu'ils cherchent vraiment à savoir, je leur donne toutes les infos nécessaires, sauf s'il y a vraiment des raisons qu'elles soient spécialement cachées. Et on en revient du coup, donc... comme dit Fréza, au choix moral laissé au PJ. Alors, je... vous avez plein de choses à dire, c'est fantastique. Non, je propose... mais je vais... après, recto... je pars en général de vocal. Ouais. Je vais juste me permettre de dire un dernier truc. Pour les MJ débutants, là je cible uniquement les débutants, je recommande tout ce qui est semi-railroad et un peu railroad. Ouais. Pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas encore forcément la flexibilité de vous adapter à l'improvisation. Et donc, naturellement, orientez vos PJ vers des situations que vous êtes capable de prévoir ou qui sont prévisibles. Ouais. Ce sera toujours plus facile pour vous et plus agréable pour vos joueurs. Au fur et à mesure que vous développez ces compétences, vous allez pouvoir vous orienter vers des mondes plus ouverts et plus libres. Et commencer du coup à mélanger les différents types de création, donc partir de la fin, partir du début, utiliser un peu le feedback des joueurs, construire entièrement son scénario sur le feedback des joueurs comme le fait Docrène, subvertir les attentes, rencontrer les attentes, et mélanger tout ça, parce qu'en fait c'est ce qui fait que votre scénario sera riche, et c'est ce qui fait que votre scénario ne sera pas le énième cliché, scénario gratuit Roll20 numéro 489 que tout le monde a joué 700 fois, et qui est très mauvais, il est très mauvais, ne le jouez pas. Bon, il peut être étonnamment bon. Il peut être étonnamment bon. Non, il est pas bon. C'est comme Temple of Annihilation, il est pas bon. Celui avec un souvenir CR9 à l'intérieur. Je vais faire la guerre d'Ocrane là-dessus. C'est un autre débat, ça. C'est un autre débat. Je vous remercie tous les 4, tous les 6, parce qu'on s'est fait littéralement hijack par deux personnes. C'est 10 minutes normalement, les gars, dans la théorie, pour éviter ça. Très bien. Mais non, mais non. J'ai payé à chaque fois. Mais je vous aime. T'as payé 40 minutes. Je te paye tout. On a aussi payé pour toi. Il y a Truzu qui est en train de payer pour toi, mec, à la fin. Donc, je vous remercie tous les quatre. Flune, Ruzu, Docrène, ça a été un plaisir de t'avoir ce soir. On espère t'avoir sur de futures DN discussions si les sujets t'intéressent. Avec grand plaisir. Plus que bienvenue. Très cool. Futur joie. Rectosis, comme d'habitude, ce fut un calvaire. Kev, ce fut un plaisir. On remercie les gens qui ont été très nombreux dans le chat à nous suivre ce soir, qui ont beaucoup parlé soir du 14 juillet, maintenant du 15. Belle fête nationale à vous. Belle fête, effectivement. Alors attends. On vous aime, des bisous baveux. On vous aime, attends. Mercredi prochain, si je dis pas de bêtises, on aura peut-être Kev en hôte, puisque c'est question de la question du leadership en partie. Comment se répartir le leadership? Est-ce qu'il y a besoin d'un leadership dans un groupe? Si on en fait un, comment on le fait? Avec qui? Pourquoi? Comment? Et comment utiliser les vétérans également en partie. Yep. Donc un joueur vétéran qui a beaucoup d'expérience, mais qui joue pas forcément un personnage qui est ultra badass, ultra informé. Comment est-ce qu'il peut guider des joueurs débutants qui seraient avec lui sans leur dire comment jouer? Comment en fait être dans cette subtilité-là? On voit ça mercredi prochain à 21h30. Donc leadership, expérience et vétéran à table avec des débutants. Sinon, pour le programme de la semaine sur la chaîne, jeudi soir, 21h recto je crois, c'est Candlekeep. Absolument, on aura un joueur en retard, mais vous allez découvrir Candlekeep sur un module qui n'est pas de Candlekeep. Vous allez découvrir Candlekeep. Je commence à streamer Candlekeep sur un module entièrement en brood rectosis, puisque il a en fait des joueurs qui font énormément de RP et qui en sont venus à créer une entreprise de minage de diamants dans une mine et... Non, plus loin que ça, mais on verra ça demain. Bref, on va aller sauver des cobalt mineurs sur Candlekeep, mais c'est pas vraiment Candlekeep, et après à partir jeudi prochain, c'est Candlekeep. Bref, c'est une campagne de recto. On l'aime. Ouais. Voilà, ça part en bordel, mais on Vendredi, 21h, Curse of Strahd, on continue. On devrait terminer avec les tartes, bien évidemment. Tout à fait. Et samedi 15h, puisque c'est vrai que maintenant on est passé sur l'heure de 15h, c'est notre grande campagne Homebrew. Vous allez pouvoir voir en fait tout ce qu'on met en pratique, tout ce qu'on dit sur les DN discussions mis en pratique et amélioré avec les DN discussions, parce qu'en tant que MJ, j'y prends un malin plaisir à voler vos idées allègrement et à ne pas vous créditer. Donc, ça c'est samedi 15h. Pas non plus sur Candlekeep. Et sinon, samedi soir, pour ceux qui veulent suivre Icewind Dale, ça se passe chez Critical Zone. 21. Non, pas cette semaine. Pas cette semaine. En fait, on a. Alors, en fait, voilà ce qui se passe. C'est que planning vacances oblige fait qu'en fait, le samedi soir, c'est la merde. Et que ce soit Zo ou Icewind Dale, l'un comme l'autre, c'est la merde organisée. D'accord, parce que plein d'absents. Bon, à partir de la semaine prochaine, samedi... on vous dira ça. Semaine pro. Sinon, on espère vous voir mercredi prochain si la soirée de ce soir vous a plu à partir de 21h30 pour ce sujet-là. N'hésitez pas à passer sur notre Discord pour continuer la discussion. Je sens qu'on va être quelques-uns dans le général tout de suite. Il y a les résumés des séances qui sont publiées assez régulièrement. Flune, je compte sur toi. Ouais, franchement. Je te surveille. On t'aime. Je sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui, là, mais c'est insane votre truc.
Je sais, mais c'est ça, c'est le deal d'avoir 4 MJ autour de cette putain de table. Tu as signé, Flune. 6 MJ même. Tu n'es pas signé pour ça. 6 MJ, tu as signé pour tout. Et bah du coup, bonne soirée à tous. Ceux qui vont passer sur Discord soient les bienvenus. Il y a les résumés qui sont publiés donc pour les follow et les abonnés sur Discord, donc format A4. Une seule page, tout le merdier. Celui-là, il va en faire 2, je dis tout de suite. Ouais, 3 peut-être. Non, je sais le format, je tiens à mon format, on compte publier, donc il y a un format ouais, à suivre. Sauf que moi, j'ai fait un flux. Donc, merci à tous. Merci à tous, dormez bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je me taille dans le général. Passez une excellente fin de soirée. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.